bene 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 tereng 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 j'suis dingue dingue dans ma tête j'roule j'me fais racole au feu par chez Pama j'vois tes frères rentrer pour tes peines à la Fofana tereng 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 Pepe Toro Mario e coche la tête Zamorano ti bacio a Batistuta Les attaquants au ballon car t'es parti Pouka Gang gang j'fais le mili j'sors la seca seca J'pose avec ma clope avec mon feka feka T'inquiète mon ami hijo de puta puta T'aimes pas ta copine veut nous faire le boussa boussa Tereng 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 T'es dingue dingue dans ta tête Et toute la journée j'pense à tous ces Calimero Ah j'ai Charkov de litron de Caramelo Hola hola hello girl Tu toucheras pas la balle on te fait la brésilienne Comment ça se passe dans la ville hein? Bene bene Bele que tu sors une arme sans l'arme de Yemma Yemma Bene 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 Chico chico hola hola hello girl Tu toucheras pas la balle on te fait la brésilienne Elle écoute PNL quand elle est accroupie J'crois pas que j'suis condamné A baiser des groupies, ce soir j'vais me balader, j'vais me rouler un cookie. Au Nizu Karate, le Ndadé, un putain de pisse. J'dis adieu la vie, la mère à la vie, Algérie Corsi, rappelle-nous Dandy. J'entends crier Pina, QLF la chica, grosse couille dans le séca. J'tire en l'air sans ricane, je n'ai plus peur du noir. J'suis rassuré par le violet, tu acres, pas le temps de lécher ce au nez. On voit les tiki tiki, les tiki-té. Derrière la fumée, j'aime voir disparaître sa beauté. Ah washa 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 policier. Ah washa 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 madre mia. Pieds sentent comme un bouquet, les miens sont beaux relookés. Le monde où nada. Bene bene, 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 bene bene. Chico chico, hola hola, hello girl. Pas la balle, on te fait la brésilienne Comment ça se passe dans la villa Bene bene Bele que tu sors une arme sans l'arme de Yemma Yemma Bene 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 Chico chico hola hola hello girl Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne
bonsoir. Wesh, ça va ou quoi? Bonsoir. Wesh, Luna, elle s'ambiançait toute seule dans le chat, je suis morte. Comment ça va les gars? Putain, je suis désolée, j'ai eu une quinte de... J'ai eu de la toux là, juste avant de vous parler. Du coup, j'ai plus de voix. Mais sinon, ça va, vous inquiétez pas. Wesh, Crepta, comment vas-tu? Crepta77. Et Luna, tu t'es ambiancée. Tu t'es ambiancée. Wesh, le Pépito. Ça va ou quoi, les gars? Enfin, je suis désolée, hein, je suis... C'est chaud d'avoir ce genre de problème comme ça, là. Moi, je mets que du PNL ce soir, les gars. Je suis désolée, j'ai envie de mettre ça. Je sais pas si mon stream sera mute, mais franchement, j'ai envie de mettre du PNL. Bref, donc, yo tout le monde, comment ça va, déjà? Comment ça va? Ça va bien, et toi, Yunra? Moi, ça va très, 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 très bien. Ça va bien, ça va bien. Donc, là, je vais un peu quand même parce que je peux faire. Voilà. Ouais, c'est bon, j'ai baissé, Luna. C'est mieux. Voilà. Donc, là, on se retrouve ce soir pour une petite soirée RP tranquille, à ma foi. Là, normalement, il y a des recrutements gendarmerie un petit peu. Et après, on doit aller à la prison libérer. Enfin libéré. Liberté conditionnelle pour un détenu qui a fait de la merde. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a prévu ce soir. Et je veux pas vous spoil des trucs, mais demain j'ai prévu des trucs. Et déjà, est-ce que vous voyez qu'il y a du changement là? Sur la map, je parle. Parce que comme vous pouvez le voir, il y a des arbres. Et ça, c'est un truc de fou. Ça marche, Luna, t'inquiète. Bon RP à toi. Wesh, Cassie, comment vas-tu? Est-ce que c'est la Cassie que je pense ou pas? Les arbres de fou. Bon, attendez, je vous montre parce que je suis obligée de vous montrer. Bougez pas. En plus, je vous spoil un petit truc pour demain. Regardez ça un petit peu. C'est pas beau, ça? On a rajouté tous les arbres, là. Vous voyez la différence par rapport à avant? Mais t'es un bâtard! Mais je parle pas fort, je parle normal. C'est ton micro qui est mal réglé, en fait. J'explique, hein. Regardez, je vous montre ce que j'ai fait. Les gars, je vais vous spoil, mais vous le dites pas, d'accord? Parce que demain soir, il va y avoir quelque chose qui va se passer ici. Et ça va vous rappeler quelque chose pour ceux qui connaissent. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, accessoirement. J'ai fait quelque chose. Est-ce que ça vous dit pas quelque chose, ça? Est-ce que ça vous dit pas un truc, franchement, un petit peu, quand même? Oh non, un petit peu, putain, on est reparti dans les parcours. Non, en gros, demain, je vous explique, il y aura un entraînement. Il y aura un entraînement, alors celui-là, il est pas dommage. Il y aura un entraînement pour tout ce qui est gendarmerie et armée. Enfin, tout ce qui est donc armée de terre, armée de l'air, enfin, tout le monde confondu. Donc demain soir, je vais live aussi, comme ça, vous pourrez voir. Mais on va faire une grosse soirée avec des gros parcours. Et là, j'ai fait un premier parcours, vous voyez, là, tac, tac, ça continue et tout. Bref, je me suis grave saucée, là, j'ai mis un petit drapeau de la France. En gros, il va y avoir plusieurs parcours. Il y aura celui-ci. Normalement, il y a un parcours tout ici avec de l'acrobranche. Il y a un parcours dans les arbres et tout. Je vous jure, ça va jusque là. Il y aura un parcours dans l'eau. Ici, il y aura un parcours même sous l'eau. Faudra nager dans les trucs. Et ici, juste là, il y aura le parcours ultime où à la clé, il y aura peut-être des graduations et des primes. Donc franchement, il y aura au moins 4 ou 5 parcours. Et je vous cache pas que j'ai hâte parce que vous connaissez mon amour avec les parcours. Adam, oui, avec des verres, si tu veux tu peux aller lui poser la question sur son live directement, il est en live, donc voilà, si t'assumes, je t'invite à aller lui poser la question directement, lui dire est-ce que ta meuf est en couple. Voilà, merci. Donc du coup, là on se retrouve, j'ai aussi fait quelque chose qui est pas mal, j'ai mis des parcmètres, regardez-moi ça, j'ai mis des parcmètres tout ici. Bon, il y a des voitures mais c'est pas grave. Hé, ils sont à l'envers mes parcmètres. Ah non, j'ai eu peur. Voilà. Donc là, il y a de nouveaux parcmètres. Là, j'ai mis aussi des parcmètres. Et il y en a plein aussi devant. Parce que là, normalement, je dois aller chercher une moto. Oh, d'ailleurs, c'est ça que je dois faire. Putain, il faut que j'aille à la. Oh merde, faut que j'appelle le mec. Attendez. Je vais l'appeler. Bon, Adam, tu me saoules. Je sais pas ce que. C'est quoi tes questions là? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, vous allez bien? Ah, ça va. Super, oui. Et vous? Très bien, très bien. Alors je crois qu'il y a un petit malentendu, moi je m'attendais à aller chercher la moto ce soir, vous l'avez pas en stock, c'est ça? Ah si, on
on l'a, c'est-à-dire que la... Super. Mais c'est juste qu'en fait, on, comme on vient d'ouvrir l'entreprise, on n'a pas assez de fonds pour la prendre à l'entrepôt. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je vous paye cash, hein, il n'y a pas de problème. Je vous paye tout et je vais la chercher. Hein. Ah ben, vous nous donnez l'argent et on y va chercher, j'y vais chercher tout de suite à l'entrepôt d'ici 20 minutes après la... Parfait. Bah alors là le souci c'est que je vous explique, je suis adjudant chef à la gendarmerie, là on doit faire des recrutements, donc je sais pas si je vais pouvoir venir là dans la minute pour aller vous donner l'argent. Je vais essayer, je vais essayer parce que comme on n'est pas loin. Là vous êtes à la concession? Ouais, on est moi et le patron, on est à la concession. Ok, parfait. Bon bah écoutez, ce que je vais faire c'est que je vais venir en coup de vent et okay. Vous donner la compte ou la totalité comme vous voulez, et puis voilà. Ok, bah on se dit à tout de suite et... Parfait, et bah à tout de suite. Wesh, Luna, j'étais obligé de le ban, je sais pas, lui il a eu quoi son gros problème, il arrive sur le live comme ça, il a pas de vie frère, il a pas de meuf, il a rien du tout. Mais bref, c'est pas grave, ça a toujours fait un viewer en plus pendant quelques minutes, hein. Ma foi, on m'a pas craché dessus. Du coup je l'ai ban, je sais pas, il a pris un petit excès de confiance. Il a pris un gros excès de confiance, mais il faut pas leur en vouloir, vous savez, à ces gens-là. Ils veulent exister que à travers l'écran et tout. C'est pas grave, vous voyez. Faut plus avoir de la compassion pour ces gens-là, mais vous inquiétez pas. Du coup, vous avez pas entendu le mec qui parle? Parce que... Alors attendez, je vais essayer d'augmenter un peu mon son déjà de là-dessus. Peut-être c'est ça aussi. Vous avez pas trop entendu le mec hôtel? Moi, faut absolument que j'aille à la concession. Hein. Comment ça, Dix Point, t'es plus abonné? Ça va, et toi d'ailleurs, Dix? Il est mignon celui-là, encore un spécimen rare des cervelés. Rare, j'irai pas jusque-là parce qu'il y en a beaucoup, tu sais, donc bon. Mais c'est pas grave, les gars, on va être compréhensif envers ce genre de personnes qui. Oula. C'est quoi ça? Bonsoir. Bonsoir, mon adjudant chef. Vous allez bien? Adjudant chef, comment allez-vous? Oui, ça va, et vous? Ça va. C'est quoi tous ces gens dehors? C'est les recrues, madame. Mais oui, punaise. Il les a réunis derrière. Parfait. Il est où le colonel? Il est tout là, il joue au foot dans les locaux avec le colonel Lermitière. Il s'amuse avec avec un ballon. D'accord. Je voulais vous poser une question, oui. Jean-Chef, si c'est possible, quelques instants. Oui, dites-moi. Ouais. C'est rapport à ma promotion, parce que sur l'intranet chez le grade, mais en ville, je sais pas si du coup officiellement je l'ai ou pas. Le souci, c'est que j'attends toujours le président. D'accord. On doit faire une cérémonie, je vous cache pas qu'il voulait organiser ça, mais bon. Ah, je pensais que la cérémonie c'était surtout pour la remise de la médaille, je pensais pas que c'était oui, pour, aussi, c'était aussi pour les graduations, mais bon, d'accord. Dans tous les cas, s'il n'y a pas possibilité de le faire de suite, vous inquiétez pas, on va le faire. Voilà. Vous êtes là demain soir? Oui, je suis là demain soir. Parfait, parce qu'il y a de ces parcours, je mise sur vous. Hein. Vous nous faites baver avec vos je mise photos. Sur vous, hein, je vous le dis. Est-ce que ça vous dérange pas d'accueillir et de commencer les recrutements? Ce que vous faites, c'est que vous leur faites faire des petits exercices, des petits tours de parking, des petites pompes, des petites choses comme ça. Et puis après, on fait des entretiens individuels. Je dois passer absolument à la concession de moto parce qu'il faut que je leur règle mon acompte. D'accord. Ah, moi, voilà. Vous avez acheté quoi comme moto? Une Akuma, mais après je vais la revendre quelques jours plus tard parce que je vais acheter une autre sportive. J'ai cru comprendre qu'il y avait des nouvelles motos. D'accord. Je vais pas Max, je vous rassure. Mais... J'ai cru comprendre qu'on n'aurait pas de nouveaux véhicules et pas de nouvelles tenues. Si, bientôt. Si, bientôt. Si, si, en fait, c'est pas. Le fournisseur, disons, a eu. Comment vous expliquer ça? Il y a eu une panne informatique. Donc, du coup, ça sera sûrement dans le temps. Petit à petit, on va faire ça. Mais vous inquiétez d'accord, pas. D'accord, parce que l'adjudant chef et puis le maréchal des jeux chefs avaient l'air d'être très déçus de ne pas les avoir. Non, mais vous inquiétez pas. Faudrait les rassurer, hein, parce que je mais pense oui, que. Mais oui, je vais les rassurer. Ils paniquent pour rien. Parce qu'ils ont l'air un peu démotivés. Ils sur sont coup, où ouais. Là, ils sont pas encore arrivés, mais j'ai discuté avec eux. Mais vous leur dites que ça sert à rien de paniquer. Ça marche. Voilà. Bon, je reviens de ce pas. Du coup, vous commencez à vous en occuper. Vous voyez avec le colonel et je reviens de suite. D'accord. Du coup, je me présente comme brigadier auprès de ces personnes. Mais évidemment. Affirmatif. Parfait. Bien reçu, madame. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour, adjudant chef. Bonjour, la sœur. Très bien, vous. Oui, ça va. Alors, comme ça, tu voulais me caser avec un certain Abdel? Hein? Oui? Hein? J'ai pas compris. Je connais pas de Abdel. En fait, il y a un gars, il vient apparemment tous les jours, mes collègues m'ont dit. Qu'est-ce que c'est que ça?
Ah non, il vient pas, c'est qu'on l'arrête après la course. Mais c'est quoi ça, c'est sur le nez? Hein? J'ai quoi sur le nez? Mais t'as un piercing? Comment ça, tu as... Non, sérieux? Arrête tes conneries, je me suis pas percé le nez. Ah non, là je t'envoie. Ah là je t'envoie. Mais c'est quoi ça? Ah non, là je t'envoie. Wow. Angel, je sais pas ce que tu me fais. Pourquoi t'as un piercing au nez, Charlie? Non, regarde, regarde, ce que s'il te plaît, ce que je viens d'envoyer. Là, c'est n'importe quoi, on dirait une vachette. Elle nous a fait un piercing Charlie, c'est au quoi, nez. Ça on a j'ai pas de tatouage. Mais non, mais c'est n'importe même quoi. Moi, je me suis fait tatouer, je vois pas mon tatouage. C'est n'importe quoi. Ça se débarque quand on trouve la gendarmerie. Mais t'as un piercing au nez, mais tu te fous de ma gueule. Mais Lara. Non, mais là, il y a un problème. Là. Non, mais je veux pas le savoir en fait. Mais vous ressemblez à qui? C'est n'importe quoi, n'importe quoi. Il est vache quand ça dans le nez, non? Tu dis 8, 9, 10. Ouais. Pour... Ah oui, 10. Bah, tu veux, tu dis comment toi? Mais c'est quoi ça? Bon, Me dites pas que vous saviez pas quand même. Me dites pas que vous saviez pas quand même. Non mais elle est pas ça dans le nez comme ça du jour au lendemain. Ah bon, non, je suis percée. T'es à faim, t'es à faim, t'es à faim. Non mais je vous promets que j'ai rien fait. On m'attend, je reviens dans 5 minutes. T'es à faim. Oui oui, je sais. C'est par rapport à l'immersion demain, par rapport au à l'entraînement. Je reviens, faut absolument que j'aille à la concession moto, leur laisser mon acompte et je reviens de suite. Allez-y, entrez. D'accord. Et il y a les agents pour les recrutements dehors. M'occupe de Charlie. Oui, bien sûr, monsieur. Ouais, il y a une nouvelle recrue dehors pour les recrutements. Je leur ai dit de commencer et puis j'arrive après. Ok. Oh putain, j'en peux plus. Attendez, faut vraiment que je prenne le... Bon, je vais prendre un véhicule. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Vous êtes donc le... Oh bah je prends celui-là, bah les couilles, je sais pas qui il est. Moi je m'en fous, je me sers. Putain, il est fermé. La gendarmerie nationale. On va vous faire faire quelques petits exercices d'échauffement dans un premier temps. Donc, merde. Bébé, j'ai un problème. Courir, bah vous voyez la ligne blanche, vous allez faire des... Je peux pas alt-click sur le PNJ. Hein, la ligne blanche là. Je peux pas alt-click sur le PNJ ni rentrer dans les voitures. Sur Reed, si je ne dis pas de bêtises, qui se trouve ici. Ah ouais, j'ai pas le job, attendez. Je me sais le job. Vous allez suivre monsieur Reed en trottinant. C'est quoi le job? Jusqu'à ce qu'on vous dise, vous arrêtez. Et c'est lequel? Ok. Oups. Pensez à bien vous hydrater et à manger avant de partir. Pas. Si vous avez dites-le avant de partir. Il faut vraiment que j'aille à la concession moto parce que depuis hier ils m'attendent les pauvres. D'ailleurs, t'es plus sur LC Unra. Alors, depuis que Hexagone a ouvert, je t'avoue que j'y suis beaucoup, beaucoup moins. Vraiment plus quasiment parce que bah on a beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le serveur. Il y a beaucoup de choses à préparer, tout ça, comme vous le savez. Donc j'y suis beaucoup. Oh putain, j'ai pris à contresens. Non, c'est bon. Bah voilà, je suis toujours sur le Discord, j'essaie toujours un peu de regarder tout ça, de faire 2-3 choses, mais ça fait un moment, ouais, avec le serveur Hexagone qui a ouvert, bah avec le staff, avec la création, tout ça, c'est vrai que j'ai eu vraiment moins le temps d'y être. J'y suis toujours, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est en stand-by. Donc on a la chance d'avoir l'équipe qui gère derrière de staff, et puis on a un nouveau petit développeur qui aide... pour les bugs, pour les remplacements de choses et tout, qui nous aident beaucoup, donc franchement c'est top, ça fonctionne toujours bien. Voilà. Yo, I promise Kaiton, bien quoi. Et vous avez vu les arbres, c'est pas trop stylé? Moi je trouve que ça rajoute grave un truc à la map, ça fait un peu comme si on avait un nouvel endroit quoi. Et j'ai changé de pack graphique, je sais pas si c'est mieux. En fait, le problème c'est que j'ai moins de couleurs et je trouve que c'est plus fade. Wesh! Mais non, jure, PX Anonyme, deuxième mois d'abonnement, jure! Mais je passe te faire un coucou, bon stream à vous. Merci PX, wesh, ça fait grave plaisir. Comment vas-tu? Merci beaucoup. RP, qu'est-ce que tu dis, Dix? Dix? Dix ou Dix? Dix? Du coup c'est ça en fait. Yo Big de stream, ça va quoi? Ah regardez, j'arrive pas. Je suis tellement nul à la conduite que j'arrive pas à lire le chat et à conduire. C'est trop. Bon, il faut vraiment que je leur laisse la compte parce que sinon ils vont me déglinguer en fait. Mais on est d'accord que là c'est pas du tout la route pour y aller, si? Oh si. Bref. Tranquille et toi? Ouais ça va Kaiton. Avec plaisir, bien merci. Vas-y, ça fait vraiment plaisir, PX, merci à toi.
Fallait lire le mais quel message, Dick. Oui, je sais ce que tu, ce que je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois là, j'essaie de conduire, donc il faut être indulgent parce que je te jure que voilà quoi. Mais c'est grave loin. Il y avait pas un truc plus court pour y aller, franchement. Et là, la soirée, elle est. Oula. Oh. Elle est chargée parce qu'il y a les recrutements, il y a le prisonnier à les libérer. Pouf. Mais wesh, Big 2, merci beaucoup pour tes 100 bytes, merci. Appelle-moi Finn Smith. Ok, Finn. Bah, je vais t'appeler Dix parce que franchement, je vais jamais me rappeler que je dois t'appeler Finn Smith. Hein. Oh. Mais putain! Vous êtes complètement malade, vous? Ah, le connard va. Fou, lui. Bah, là, la prison en plus. Oh, mais c'est tellement mieux avec les arbres. C'est. J'ai l'impression que c'est une nouvelle map, je vous jure. C'est un truc de fou. Bon, allez, faut vite que j'aille. Merci PX à toi aussi, bonne soirée. En espérant te revoir vite en RP. Hein. Voilà, hop, j'espère qu'ils seront là. Bah, y'a personne, non? Ou c'est moi? Attends, je vais l'appeler. Oui, allô? Oui, allô? Oui, je suis devant le concessionnaire. Ah, ok, bah je suis là. Ah, vous êtes où? Ah, oui, bah super. Merci. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça, bien, oui, ça va, merci. Je vous laisse avec mon employé, ouais. Car moi je dois y aller. Bah, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Super. Parfait, merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Je vous laisse entrer. Mais oui, en fait, c'est que je vois pas de l'extérieur. Très sympa. Merci. Alors, bah, du coup, moi, je peux même vous régler la totalité, hein, ça me dérange pas. Ok. Vous me faites la facture, bah... et puis voilà. Hein. Bah, justement, les factures ne marchent pas pour le moment. Il faut que je vous donne en cash. Si possible. Le problème, c'est que j'ai pas tout en cash. C'est sur ma banque. Bah, y a une banque juste à deux pas. Ah, où ça donc? Je vous laisse me suivre, de toute façon, ouais. Comme... Parfait. Non, je me rappelle plus mon code. Oh non, toujours pareil. Et moi. D'ici 20 minutes, allez à vous. Ah, parfait. De toute façon, j'ai des recrutements à la gendarmerie, donc je passerai sûrement après. Je sais pas, okay. Si vous serez encore là, mais j'essaierai de vous contacter un peu à l'avance pour que... Okay. Après, oui, si... Oui. Parce que là, je vous prends l'argent. Oui. Je mets sur mon compte pour le moment en oui. Attendant que le patron, parce qu'en fait j'ai pas accès au coffre. Oui, je comprends. Et après, je vous rends les 16 000 euros et parfait. Je vous fais et sur un ticket sur la moto. Ah, d'accord. Je ça revient direct à l'entreprise. Je vois. Ah, oui, je vois. Parfait. Wesh, Stéphane, bien quoi? Non, mais j'en ai marre, j'arrête pas de faire des comas, j'oublie de manger. Ah, bah bravo, Luna, bravo. Parfait, merci. Alors, retirer. Je vais retirer donc. Je vais retirer 20 000. Ah bah c'est bon. Ah oui, c'est bon. Parfait, c'est bon. Bah, vous pouvez me donner, je suis là. Ah bah oui, je suis bête. Du coup, donc 16 000. Hein. 16 000. Oui. Parfait. Très très bon choix. Hein. On a déjà vendu deux fois. Oui, alors. Bah oui, après, vous savez, moi, les motos, ça va, ça vient. Hein. C'est possible que je la garde que quelques semaines et qu'après, je change. Hein. Attends, vous êtes habitué à me voir. Hein. Vous pouvez revenir à l'entreprise et on reprend. On reprend votre vous faites moto. Des reprises? Oui, ouais, exactement. Ah, pas mal. Peut-être okay. Pas au prix neuf, mais. D'accord. Attendez, je. Ouais. Ah merde, TF1, putain, je suis à l'entrée. Bon bah je vous envoie un message dès que la moto est à la concession. J'arrive rapidement. C'est parfait, bah j'attends votre message, de toute façon on est pas loin hein, la gendarmerie, donc vous oui. M'appelez et puis vous me dites comme ça, je me déplace okay. Rapidement. Et voilà. Bah, il est 50 d'ici... Ouais, d'ici 22h, 22h05. C'est parfait, ça me paraît correct. Ça dépend de l'entreprise. Parfait. Oui, je comprends. Parfait, bah, vous m'envoyez un message et dès que c'est bon, j'arrive. Ok. Parfait. À tout de suite. À tout à l'heure.
Ouais, ça va, Stéphane, ça va. Ça marche, Big 2. Merci, merci à toi en tout cas. Alors attendez, parce que faut que je prévienne. Putain, ça va prendre grave du retard. Ok, là je vais retourner vite fait gendarmerie. Faut qu'on active parce que là on est censé faire des recrutements et il y a la libération et tout, et c'est impossible, jamais pouvoir tout faire. Hein. Ils vont faire sans moi, hein, je vous le dis. Hein. Wesh, Colfé ou bien quoi. Non mais j'ai toujours pas à conduire moi, hein. C'est un truc de fou. Ouais, je prends une moto, Luna. Ouais, j'ai pris une moto basique pour l'instant. Après, il y a des motos modées qui vont arriver, donc j'en prendrai une autre. Là, pour l'instant, je prends celle-là parce que j'aime bien les motos, ça change. C'est à moi que tu demandes, Stéphane, ce que j'ai fait ? Genre aujourd'hui ? Évidemment, et aujourd'hui, il y a encore autre chose que personne qui l'entraîne. Ça se transforme tous les jours. Alors, j'ai fait quoi aujourd'hui ? On a été travailler. Et oui, voilà, parce qu'on travaille quasiment tous les jours. Et sinon, bah, on a acheté un nouveau canapé. Là, pour les soldes, on a un nouveau canapé. Là, avec, il est trop stylé. Et j'ai peur. Oula. Oh oh. Oh oh. C'était qui ça ? Et j'ai peur que les chats fassent leurs griffes dessus. Mais bon, on va faire avec. C'était qui ça ? Vous avez vu comme moi, il y avait deux... C'était des gendarmes, non ? Oh putain, ils vont m'arrêter pour excès de vitesse. Oh, ils vont m'arrêter pour excès de vitesse, jure. Ils peuvent pas faire ça en fait. Ils peuvent pas, hein. Y'a pas, ils peuvent pas faire ça. Hein. Mais ils sont plus là de toute façon. Tu peux pas me dire que je les ai fumés alors que je roule pas vite, hein. C'est pas normal ça. C'est pas normal en fait. Non, ils sont plus là. Ils ont dû se dire oh, laissez. Laissez, c'est l'adjudante, on va se faire engueuler si on. Si on la contrôle. Tu t'es occupé des recrutements ? Hein ? Bébé ? Tu t'es occupé des recrutements ? Ils sont où ? Oui, mais les recrutements des recrues ? Ah ouais. Mais il faut faire les recrutements là. T'as entendu ? Très bien. Faut faire les recrutements. Ok, parfait. Le dernier, tu viens là. Tout se passe bien ? Monsieur Halo, non pas toi. Lui là. L'affirmative, tu viens chef, il aura déjà plusieurs tours. Moi pour remercier. Bon. Bah, mis à part que Leclerc va commencer à matraquer les nouveaux. Voilà. T'as attaqué aussi, il sort la traque ? Ouais, oui, il a sorti la matraque. Il a fait que ça. Vous avez vu, il y a beaucoup de candidats, mon colonel. C'est pas bien, c'est bien. Oui, m'excusez. Y'a pas, y'a que moi. Ils sont pas là, ils sont pas là, d'accord. Ce soir, il y a TF1 qui va. Excusez-moi, je parle un peu plus fort. Ce soir, il y a TF1 qui sera avec nous. Donc, ils sont achetés. Elle a acheté de quoi manger et boire ce soir. D'accord. Et ouais, du coup, ils seront avec nous pour l'émission. D'accord. Il parle trop fort, mais je.
C'est incroyable. Comment voilà, on fait, colonel, pour les recrutements? Vous avez vu, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 recrues. 7. 6 recrues, bah écoutez, Pierre Lane va s'en occuper. Je le nomme chef des recrutements. Oui, avec Théo Strash. Avec Théo Strash. Ah, d'accord. On est nus, on te lâchera pas. Merci. Allez, au travail. Venez, les deux, je vais vous expliquer Théo Strash et Lane, s'il vous plaît. On court, allez. On a le droit de leur faire passer un entraînement avec le lance-roquette d'intervention. Alors, vous faites ce que vous voulez. Le but, c'est d'en prendre. Alors, il y a eu pas mal de candidatures positives. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer les questions que j'avais posées aux précédents entretiens. Vous en faites ce que vous voulez. C'est des questions théoriques, historiques, géographiques, pour avoir un petit test de culture générale. C'était pas mal. Écris pas, wesh. Oui, il faut dire au colonel de parler moins fort, là. Oui. Faut te dire de parler moins fort. C'est qui en débardeur? C'est pas Cédric quand même qui arrive en débardeur? On t'entend en jeu, faut te dire de parler moins fort. Une recrue, hein. En jeu, ouais. Je sais pas. Non mais il crie fort lui, ceux qui soufflent. Ah ouais, non mais on se croirait dans un élevage de bœuf. Ah ouais. Ce que vous faites, c'est que vous faites donc des petits entretiens individuels, alors pas plus de 5 minutes, même pas hein, quelques minutes pour pas non plus vous faire perdre toute votre soirée. Les motivations, etc. Et ceux qui vous paraissent être de bons éléments, bah, vous les prenez à laisser, vous leur dites qu'on les prend à laisser, voilà, comme tout le monde, en tant que gendarme de deuxième classe. Vous leur expliquez ou vous donnez l'aval aux autres recrues pour leur expliquer aussi. Donc ça peut être n'importe qui, hein, pas que vous. Si vous passez les entretiens, vous pouvez donner l'autorisation à moi, je sais pas. Alors on a deux trois brigadiers qui sont présents. S'il y a... Oui, voilà. Vous pouvez aussi faire deux équipes. Si vous voulez pas le faire ensemble, vous pouvez faire... Il y a plusieurs bureaux. Vous, Stretch, vous prenez quelqu'un. Vous, Lane, vous prenez quelqu'un d'autre. Voilà. En tout cas, on compte sur vous pour évaluer si potentiellement ça peut être des bonnes recrues. À laisser, évidemment, en les briefant un petit peu. Et voilà. Est-ce que ça vous convient ou vous voulez pas le faire? Moi, ça me convient. Moi, ça me convient aussi. Parfait, bah nickel. Bah on voulait gérer ça, de toute façon on est là au besoin, on va pas bouger de suite je pense. Donc on sera là peut-être potentiellement. Je vous envoie à vous Stretch les questions que j'avais sélectionnées. Ouais, affirmatif. Si vous voulez les utiliser ou pas. Du coup les autres crues, enfin les secondes classes et les brigadiers qui sont présents derrière, ils restent ici ou on les part en patrouille? Ah bah ils peuvent partir en patrouille et puis si vous voulez qu'il y a certains qui vous assistent pour les entretiens, vous pouvez, c'est possible. D'accord. Voilà, enfin vous êtes un peu comme vous le sentez quoi, on va dire. Ça marche. On vous donne quelques responsabilités, ça fait pas de mal. C'est avec grand plaisir. Voilà, bah parfait. Pas parfait. On va leur faire un entraînement de conduite à l'hélico. Oh, non mais. Allez, Stretch, il a pété un câble. Allez, on fait ce qu'on veut. Allez, déterminé. Allez, ouais. Voilà. Parle pas la bouche pleine, Mehdi. Hein. Combien de tours? 50? C'est mal poli là. Il faut que j'appelle la juge après. Ouais, allez au cours! Allez, monsieur, allez, regarde, mes scouts! Les brigadiers présents, s'il vous plaît! Attends, je me mets. Ah oui. Adjudant chef? Oui. Votre sœur me disait qu'elle était brigadier parce que sur l'internet, je la vois comme première classe. Toujours. J'accélère. Allez, au charbon, je croyais qu'hier, elle m'avait dit qu'elle était bien première classe. Ceux qui courent maintenant avec les autres auront leur salaire. Bah alors je cours. Non oui, les brigadiers. Ok, non c'est pas sûr. Non, les brigadiers. Et du coup, elle prend des patrouilles ou elle reste avec vous? Non, elle va rester avec nous. Bien reçu. Mais il y a beaucoup de monde là. Ah oui, d'accord. Il y a des brigadiers. Oui, parce que le colonel a dit que s'ils sont avec eux, ils auraient leur salaire. Non mais c'est à vous d'avoir votre salaire, pas eux. Il y en a un qui parle fort par contre. C'est le colonel. Ah ouais. Je vois. Vous avez vu, il y a des nouveaux parcmètres. Oui, ouais, mais formidable. Il y en a génial, complètement ça. De l'autre côté, même juste en face, dans le bâtiment d'en face aussi. Oui, c'est ça, au niveau du petit parking à côté de la porte. Ouais, c'est pas mal. Moi, je vais chercher ma moto là donc. Lane, du coup, j'ai demandé au colonel, hein, t'es bien maréchal des logis. D'accord. C'est ça. T'es bien revu dans la vie. Voilà. Du coup, il n'y a pas de cérémonie ou quoi que ce soit, c'était maréchal, t'as été nommé par le président. Oui, bah, enfin, il y aura une cérémonie quand le président sera disponible pour la faire. Acclamez-vous devant le chef. Voilà. Mais en attendant, t'es maréchal. Maréchal, acclamez-vous devant nous. Marchez, voilà. Les chefs de la gendarmerie. Et y en a, ils crient fort, hein, ils soufflent fort, hein, ça, jusqu'à mes oreilles. J'ai la tenue la plus. Je sais pas c'est lequel, mais y en a qui soufflent fort. Ah oui, c'est une catastrophe. Je vais lui dire d'arrêter de souffler, d'arrêter de respirer. On n'est pas à l'école des bœufs ici. Qu'est-ce qu'il dit?
Salut la vidente chef, ça va ou quoi? On a, oui, ça va, et vous, Mehdi? Ouais, ouais. Mais j'entends bien avec l'autre qui souffle ses entrailles là. Oh la locomotive! Oh la locomotive! Est-ce que lui qui reste comme une locomotive, il va falloir souffler plus doucement. Des bons marmailles. Leclerc? Leclerc? Ouais, 5 sur 5. Tu peux venir s'il te plaît? C'est lui, je crois. Il souffle trop. Voilà, papy au charbon, papy, ouais! Allez, papy, tous les deux, chacun. Et vous prenez, vous répartissez une deuxième classe pour partir en patrouille? Colonel, vous avez un habit de gendarmerie? Il y a Cooper et. Oui. Ah, bah très bien. Bah, je mets juste quand je vais vous. Bravo, Charlie. J'espère que vous êtes prêts pour demain, pour l'entraînement. Sud, comme vous voulez. Bah, j'ai pour moi aussi. Je prendrai des vitamines. Mais oui, il faut parce que ça va être dur. Ah, mais fallait continuer. Bien sûr. Je suis rentré. J'espère que tout le monde a compris. Allez, comment? Mais où sont mes 20 ans? Ah, bah tu me l'as remis direct. Je pense qu'on leur tenue aussi. Bah, j'espère aussi. Vos gueules? Moi, j'aurais couru sinon. Comment ça, vos gueules? Tout à l'heure, il y a un prisonnier à aller chercher à la prison directement pour libération conditionnelle sous bracelet électronique. Ah, j'en peux plus. Vous avez été la seule qui a couru jusqu'à la fin, donc il n'y a que vous qui êtes payé. Je vous donne ça. Ah bon? Ok, ok. Vous avez parfait. Exactement, Charlie, bravo. Oh, mais merci beaucoup. Mais putain, mon son, ça va pas. Moi, j'entends pas. Je m'arrêterai pas. Je veux le job, je m'arrêterai pas. Eh ben, colonel, c'est les pays aujourd'hui. Allez, hop, hop, hop. Non, c'est pas aujourd'hui, non. Le premier qui fait 50 km en moins 2 minutes. Il faut 2-3 tours après, avant eux. Allez, arrêtez-vous ici, les gars. J'arrive pas à de l'adrénaline. Et paf. J'ai entendu que ça de l'adrénaline. Brigadier Midi. Ouais. Mais oui. En fait, c'est l'autre qui souffle tellement fort que j'entends plus rien. Par contre, ça va mettre les rangers. C'est bon, c'est fini. Non, non, merci. En fait, c'est pas vraiment une question, Brigadier. Ah non, mais je parlais de la patrouille, hein. Ah non, mais moi je parlais des baskets. Piou. Ouais, je sais que je peux sur TS, mais normalement j'ai pas touché à TS, c'est ça qui me... J'ai touché un truc dans mes réglages, c'est ça qui merde. Dites-lui qu'il a une heure pour les changer. M'a saoulé. Des étirements, allez hop hop hop. Vous avez entendu colonel, dans une heure, je veux vous voir avec des rangers au pied, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Allez, tirez-vous, messieurs, sinon vous allez avoir des courbatures demain matin. Et pas question de s'emmener au bar boire une bière pour enlever les courbatures. Je suis nouveau, je voulais savoir si l'atelier était convenable. Comment, monsieur? Je suis nouveau ici, je voulais savoir si l'atelier était convenable. À vous, mon collègue, je me permettrai pas de vous dire si votre tenue n'est pas convenable. Non, je voulais savoir. Le pantalon, il est pas homologué, mon collègue. Il est pas hololomo quoi? Homologué. Ah, ça va pas du tout là ce que vous dites, hein. Mes chaussures, c'est pas du tout ça. Ah non, c'est moi ça. Le conseil. Je vous en donne une paire, j'en ai dans le casier. Ah, mais oui, Nobzi, c'est toi, mais oui. Toujours super tes lives, ouais. Ah, t'es la rue, je t'inquiète, on fait avec. J'ai pas perdu ma souplesse, ça oh. Va. Bravo, papy. Eh, par contre, je vais pas vous entendre vous plaindre. Alors, moi, je suis insupportable. On fait tire, voilà. Faites comme moi. Non, mais regardez-la, elle, c'est très très bien. Mon dieu, j'en peux plus. On les prend ensemble, je préfère. Enfin, moi, c'est mon avis. Voilà, regardez Charlie, faites comme elle. Ouais. Bah, dis donc. Reed, voilà. Il y en a là-dedans. Les autres, bah, une fois que vous êtes bien étirés, vous pouvez rester sur derrière, place. Vous attendez qu'on vienne vous chercher chacun votre tour. D'accord, ça marche. On se prend une bombe là. Respirez un bon coup et ça va aller. Et j'espère que ça vous a entraîné parce que pour ceux qui sont retenus demain, il y a un entraînement très 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 difficile pour tout ce qui est gendarmerie et armée qui se passera sur une île. C'est un entraînement de haut niveau donc vous avez intérêt à être opérationnel. On sera prêt. Parce que sinon ça va pas le faire du tout. Comme vous serez en test pour ceux qui seront reçus, si ça passe pas pour l'entraînement, ça passera pas tout court. Il faut avoir une condition physique inébranlable. Digne de ce nom. Voilà. C'est voilà, reçu. Inébranlable. Inébranlable, ouais. Hein? Qui se branle pas, quoi. Qui se branle. Oula. Oula. Ouais, c'est trop. Voilà, c'est très bien. Un peu de yoga. Voilà, suivez voilà, Charlie, elle a une voix douce. Vous l'écoutez, vous la regardez. Tiens, bah, présentez-vous là pendant que vous faites les étirements. S'il vous plaît, on va partir de la gauche, là, monsieur en blanc. Beige. Qui c'est une personne. Qui c'est qui. Qui parle comme si c'était à la montagne là. Qui parle comme si c'était à la montagne. Allez-y, monsieur en beige. Ah. Eh bah, du coup, c'est Edwin Larson. Ah oui, c'est vous. J'ai lu votre candidature, ouais. Ok. Vous avez quel âge? 24 ans. Très bien, suivant.
Igor Popova, 52 ans. Non, vous m'avez pas mis les questions. Bah oui, mais je vous l'envoie tout de suite en fait. Pardon. Oh, ça doit pas faire du bien. Ah, il va rigoler quand je lui envoie les questions. Attendez, faut que je les retrouve. Oh, Non, je vous ai pas tapé. Oh, mais... On va oublier tout ça. Enfin, les questions. Sur la conve avec Abdoul, en plus, faut que je remonte tellement loin quand on avait fait les premiers recrutements. Ah, c'est bon. Continue. Bon. Ok. Voilà. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu veux, Charlie? Ok, stretch. On te sert pareil ou quoi? Reviens dans les rangs. Ouais, mais désolé, j'avais mal au crâne. T'as refait le yoga, c'était bien que je faisais le yoga. Mais ça va, tranquille. Oui, allô? Bonsoir. C'est le votre moto et... Oui. Je peux pas dans cette tenue, c'est un peu serré. Trop de muscles. Ok, parfait, mais j'arrive de suite. Okay, bah je vous remercie, ouais, à tout de suite. J'ai des corps battus. Excuse-moi, Midi. Tu veux faire un test de force? Merde. Je dois aller chercher ma moto. Qui veut m'accompagner? Charlie? Oui, dis-moi. Bah, tu m'accompagnes ou chercher ma moto? Parce qu'il va falloir que quelqu'un m'amène le véhicule. Très bien, monsieur. D'accord, vas-y, je viens. Ok, c'est pas loin, vas-y. Allez, oui, vas-y. Sinon, je vous dépose, hein. Bah c'est comme vous voulez hein, c'est comme vous voulez colonel. Bon, tu allez, vous voulez que je vous amène si vous voulez. Bah comme vous voulez, vous battez pas hein. Allez on y va. Bon bah... bon continuez à vous étirer messieurs, on va vous prendre après un entretien. En Tesla ou en Megan? Très bien. Profitez-en pour faire connaissance, c'est important d'avoir une cohésion d'équipe hein, voilà. Aucun problème, on va vous apprendre ça. Il faut... J'ai vu qu'il y en avait déjà. Je monte. Bien sûr. On les laisse, ça me fume. On n'entend pas quand t'es au téléphone. Bon, putain, merde. Ah, non. Vas-y, monte, Luna. Bah, pourquoi? Tu veux surveiller les gens là? Mais si, pourquoi on n'entend pas les gens qui sont au téléphone sur le live quand je joue au téléphone sur GTA? Non, moi je vais les surveiller d'en haut. Ok. Bah, pourtant, je l'ai monté. Hein. Ok, je vais essayer de monter le 5M Process Premium truc machin là. Oh là, on verra. Je vais où là? Je vous mets un GPS, mon colonel. Merci. Je vous en prie. 7 km. Mais c'est au concessionnaire moto. What? Wow! Qu'est-ce que fait la police? Il s'est passé quoi? C'est la police, ça, non? Qu'est-ce qu'ils font? Alors là, je sais pas. J'ai monté, Luna, tu me diras si la prochaine fois ça fait quelque chose, enfin ça change quelque chose. Je crois qu'il y en a aussi derrière, je crois. Je suis pas sûr. Moi non plus. Tout à l'heure, d'ailleurs, je suis passé à fond sur l'autoroute. Attention. Ouh là là! Et. Mais il est dangereux, lui! Et bizarrement, il y a deux motards qui ont commencé à me suivre, puis après ils ont disparu. Ah bon? Ça se trouve, c'était des gendarmes qui voulaient me flasher, hein. Ils ont vu que c'était moi, et ils ont laissé tomber, hein. Ah la chance! Comment ça, la chance? Mais parce que moi, ils m'ont attrapé, hein, quand même, nos collègues. Ah bon? Il m'a bien fait pour toi. Mais c'est toi, hein, qui a dit mettez-lui les amendes et tout. Bah évidemment, faut que t'apprennes de tes erreurs, hein. Oui. Eh oui. C'est vrai. Ah oui. Ils sont beaux tous ces arbres qui ont poussé là cette nuit. Mais il y en a combien là? Des milliers. Oula, oui, il y en a beaucoup. Est-ce que votre radio est allumée? Non, mais je parle des flics là, ça passe depuis tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai, oui. C'est, bah, je sais pas. Parce qu'il y a une course poursuite. Je sais pas ce qu'ils font là en plus. La hein. gendarme est en course poursuite là. Ah ouais, les musiques qu'il y a sur mon live là, je mets une playlist automatique, il y a du boomba et tout, c'est n'importe quoi. Ça va. Depuis tout à l'heure, vous me demandez si je vais bien, mais oui, je vais très bien. Ah ouais? Mm-hmm. Excusez-moi, j'ai l'Alzheimer. Ah bah, c'est pas grave. Ça me dérange pas de me répéter. Ah super, ça va? Très très bien, et vous? Ça va. Mais c'est parfait. Mais ça va très bien, merci. Ça va, merci, ouais. Et moi, vous me demandez pas si ça va? Ça va, merci. Et moi? Oui, ça va, okay. Et vous? Ça va, et vous? Oui, ça va, merci. Et vous? Ça va, merci. Et vous? Oui, ça va, je vous remercie. Hein, ça peut aller, et vous? Ça va. On essaye d'aller. Hein. Oui, je comprends, ouais. Ouais. Moi aussi, ça va à peu près. Ouais. On essaye, hein? Oui, on essaye, ouais. Et vous? Et vous? Ouais, moi, ça va. Putain, ça va se finir quand, colonel? Faut prendre, pensez à prendre des jours de repos. Hein. C'est là, hein, c'est là. Hop. Oula. Ah bah le voilà, le monsieur en rouge. Vous allez voir, ma moto elle est formidable. Ah oui?
Et moi j'ai vu une moto, mais à ce qui paraît c'est cher à mort. Oui bah moi je vais prendre celle-là au départ et puis après j'en prendrai une plus chère. Je voulais une Triumph. Ah oui bah quand alors vous il y a vraiment des nouvelles motos en plus, hein. Oui il y a vraiment de nouvelles motos, attendez j'arrive. Je suis là. Ah ok, bah, je vous laisse me suivre, oui. Votre moto elle est prête. Vous avez les clés ou pas? Non, faut que vous allez faire... Ah faut que j'aille faire les clés. Ah. Exactement. Très bien. Y'a un rat. Bonjour. Un rat? Y'a un rat. Où est le rat? La rat. Ah, faut appeler les... Oh le rat, oui. Faut appeler les agents de sa unité. Bah, je vous laisse, monsieur. Oui, je vous suis, monsieur. Faut appeler Chebest, là. Faut appeler Chebest. Pourquoi? Vous voulez que quelqu'un emmène pour vous? Comment ça? La moto. Oh, sinon, c'est vous qui emmenez. Non, je vais me débrouiller, vous en faites pas. Donc, là, vous pouvez... vous mettre en passager et... elle s'éteindra pas. Bah, en fait, attendez, je prends l'ordinateur. Voilà, je vous laisse, monsieur. Oui. La moto, elle est déjà prête. Ah. Parfait. Ah, faut que je vous donne les sous, tenez. Oui. Voilà. Parfait, merci. Je vous laisse appuyer sur l'étiquette G. Oui, ça m'a... il faut autoriser. On va appuyer. Oui, encore, oui. Ah, bah, c'est bon. Voilà. Parfait. Bah, merci de votre achat. Et bah, merci à vous, hein, ravi en tout cas. Bah, je vais faire attention, vous inquiétez pas. Hein. Ah, désolé, non, vous inquiétez pas, je me flasherai pas moi-même, quoi. Allez, bon coup de main. Merci à vous en tout cas, à très bientôt. Hein. Prochaine fois. Ouais, j'en achèterai une très bientôt, hein, une autre. Ah, ok, pas de soucis. Bon, il faut que j'aille faire mes clés. Qui veut m'accompagner en ville? Waouh! Et je reviens après. Bah, monsieur Colonel, allez avec lui. Il y a des meilleures motos que ça. Hein. Ouais, pour l'instant. Excusez-moi, monsieur, vous avez rentré une nouvelle moto ou pas? En fait. Bonsoir, il y a des véhicules import qui viennent d'arriver en ville, exactement. Oui, je suis au courant. Mais est-ce que. Véhicule import? Vous allez en avoir un. Putain. Des très très beaux véhicules. Ouais, Boruto, comment vas-tu? Boruto, ouais, ça fait un bail que t'es pas venu. En même temps, ça fait un bail, je live pas aussi. Mais il faut avoir les sous. Ah bon? Ah, c'est sûr. Elles sont à combien? Ah ben le minimum je crois que c'est dans les... je sais pas les véhicules... Attendez, j'ai pas tous les prix en tête. Non, oh, pardon. Ah oui, la rate. Bah déjà juste à l'entrepôt ça coûte... y a des motos qui coûtent... Par exemple la Ninja 2 elle coûte 90. Oh ça va, ça c'est dans mon budget ça. C'est dans ton budget là. Oui mais je rigole. Hein. Ah oui j'ai... Mais non, Boruto. Après, merci beaucoup pour ton sub, wesh. Ouais. Allez, ça alors, fait de toute façon, merci, vous avez sujet. Beau lui vendre ce que vous voulez à merci Charlie. Beaucoup, ça sera toujours plaisir. Mieux que son multiple. Quoi? Bon, je reviens, je vais faire mes clés. On se rejoint à la gendarmerie. Bah, attendez, je monte. Montez, colonel, bien sûr. Oui. Montez derrière moi. Attendez, monsieur le colonel, je vous donne les clés de ma voiture. Ça va? Montez derrière moi, colonel, bien sûr, montez. Je vous donne les clés, monsieur le colonel, pour le véhicule. Montez donc, je vous fais de la place. Vous me les rendez? Oui, je prends. Bon, elle est belle ma moto. Bon, après les basiques. Elle hein. Bon, je voulais rendre. Charlie, c'est utilisé. Les clés, les clés, oui, les voilà. clés, c'est là. Hop, parfait. Allez, montez. Bon, à tout de suite, hein. Vous tenez ça bien, hein. Oui. Allez, à tout de suite. Ça va, vous êtes bien installé. Regardez, on va faire un petit. Ah oui, oui. Ah bah pas mal. Vous dites qu'il y a mieux, mais je suis d'accord avec vous qu'il y a mieux, hein. Mais bon. Ah bah c'est sûr. Pour l'instant, ça me va très bien. C'est ça. Après, j'en achèterai une plus chère. Je lui dis de toute façon que je vous passerai dans neuve. Une semaine. Même pas. Oh non, elle s'est éteinte. Ah. Oh. Je peux plus l'allumer. J'ai pas les clés. Mais pourquoi ils m'ont pas donné les clés? Normalement, c'est à eux de le faire. Bah non. Je vais la démarrer moi. Allez-y. Je monte derrière vous. Non, mais parce que mais normalement. Ils vont pas donner les clés? Mais non, c'est à eux de le faire. On est bien d'accord. Bah oui. Et bah non, ils ont pas les clés. J'aurais dû payer moitié moins prix juste parce que je dois aller faire les clés. Exactement. Eh bien, on est bien d'accord. Vous voulez que je conduise? Bah, allez-y, hein, tant qu'on y est. D'accord, ok. Là, il faut absolument qu'on aille libérer Kenny là, mais je sais pas comment. Il faut que j'attende la juge. Dès qu'il y a la juge, on y va, même s'il n'y a pas beaucoup de... Du coup, dès que j'ai un contact de la juge, on va libérer monsieur Kenny à la prison. Malheureusement, oui.
Oui, malheureusement, comme vous dites, j'ai pas du tout envie de le revoir en ville. En prison, il aurait été mieux. C'est clair, j'espère qu'il va vivre comme un pestiféré là. Ouais. Ça vaut mieux. Bah, je vous cache j'ai pas que pas j'ai. Pas hésité à le faire retourner en prison. Ah, on est bien d'accord. Moi, je vais le surveiller en deux de déjà. Et oui. Je tiens à vous dire qu'il aura des visites médicales hebdomadaires. À lieu de une minimum. Si c'est plus, attention, ça tient de lui. Si c'est plus, on verra que c'est son, comment dire, son bon état d'esprit. C'est important parce qu'il a quand même des. Il a été. Oh, qu'est-ce qu'ils font, police ? Ils ont quand même été. Il a été diagnostiqué avec quand même des états psychiques dérangés. C'est-à-dire qu'il est ah pas stable. Ah, bien sûr, il est dérangé. Hein. Il est dérangé, il est complètement dérangé. Exactement. Donc en plus de ça, il a un bracelet électronique. La oui. juge va lui expliquer. Donc il est sous liberté conditionnelle. À la moindre faute, il retourne en tôle perpète. Donc il a intérêt de se tenir. Faute ou pas, hein, même s'il fait pas de faute, il retourne en tôle. Hein. Voilà, on peut lui inventer des fautes aussi, hein, colonel. On lui invente il n'y a fautes, pas oui, de problème. Moi, je lui invente des fautes. Hein. Non mais sans plaisanter, il faut va falloir qu'il se tienne à carreau hein, parce que. Et oui, oui. Moi j'ai pas confiance. Hein, vous voyez toute la pampa qu'il y a eu l'autre jour à sa son emprisonnement, toute la smala qui est arrivée. C'était que des racailles. Que des racailles, comme dirait le président, faut nettoyer à la javel, hein, à la javel. Et oui, que fait le président et d'ailleurs oui. Il aurait dû venir avec nous. Wesh, Stet Fluffifou, comment vas-tu? T'étais sur le live de Kinou? Non, pas du tout, pas du tout. Profitez bien de votre achat, merci Nobzi, tu gères. Eh, t'inquiète, je vais t'acheter notre moto, là, elle est très chère, là. T'inquiète que moi, je vais t'acheter les très très chères. Les nouvelles motos modées, là. C'était là, hein, colonel. Juste derrière. Colonel, c'était juste derrière. Je vois que vous parlez dans votre tête, mais ça va pas du tout, là. Exactement, ouais. Ah avancez, je vais faire ma. Je reste sur la moto, je fais comme ça au drive, allez-y. Moi. Voilà. D'ailleurs, dès qu'il ressort, je le mets dedans. C'est en fait, bon, allez-y, descendez. Il sort du voir. Portail de la prison. Et moi, je le rajoute dans la prison. T'inquiète, directement. T'as toute la gendarmerie qui va venir t'acheter, hein, Nobsi. Et bah, c'est bon. Bah, c'est parfait. Je me suis même acheté un casque, regardez. Voilà, ça c'est mieux que votre vieux casque de motocross là. Bon, retourne à la gendarmerie. Allons-y. Parfait, comme ça j'ai pouvoir garer ma moto puisqu'il y a des nouveaux parcs-mètres devant la gendarmerie. Et j'attends la juge. Normalement, elle devrait arriver d'ici peu là, d'ici quelques minutes. Vous avez entendu déjà? Non. Bah, j'ai entendu, je vais à la salle, je vais te défoncer, je sais pas quoi. Hein? Ouais. Oh, y en a qui ont des petits soucis de. Comment ça là? Il y en a qui ont des petits soucis de supériorité, non, n'est-ce pas? Oh oh mais je suis coincée, frère, je suis coincée. Oh mais c'est passé quoi là? Mais rien du tout en fait, c'est pas de ma faute. Je vous assure que c'est pas de ma faute. Ah on m'a coupé la route. Putain, j'en ai marre. Il y a mon père aussi qui est venu acheter une moto Nobzi. Tu vois, Phil. Phil qui a acheté sa moto rouillée, bah c'est mon père IRL qui joue RP, tu vois. Donc t'as intérêt à bien le recevoir, sinon Nobzi, ça va pas le faire, tu vois. Il tient le bar, le Morito, au nord. Tu joues pas ton RP, c'est faux. Déjà, j'ai joué mon RP en fait. Moi, ça fait 10 ans que je fais du RP, d'accord. Non, mais si, je joue mon RP, t'inquiète. Ah oui, cheveux blancs, ouais, c'est ça exactement, bah, c'est mon père, c'est mon vrai papa. Et oui, mon père joue RP, les gars, qui a son père sur son serveur RP? Je vous pose la question, personne. C'est fou quand même, hein. Je tourne à gauche. Ah, ils sont pas... En fait, c'est toi le problème. C'est pas là, tout va bien. Ouais, c'est ça, Nobzi. Après, ça arrive. Hein. Je te cache pas que même nous, des fois, on se prend un truc, on fait pas exprès, tu vois. On rigole entre nous. Voilà, tant que ça nique pas le RP des autres. Voilà, il faut aussi apprendre voilà, que c'est un jeu. Il faut. Voilà, mais c'est sûr que bah, si t'as un accident à 300 km/h, que t'es projeté à 10 km, bah oui, il faut. Faut jouer le truc. La dernière fois, je suis allée à l'hôpital parce que je sais plus quoi. Parce que je m'étais foulé le poignet parce que je suis tombée aussi, donc. Yeah. Bon, on va accélérer un peu là. Bah attendez, je veux pas avoir d'accident en fait. Après, je vous laisse conduire si vous voulez, mais j'ai peur de que vous conduisiez en fait. Parce que je vous connais.
Tabarnak, je vous connais. Mais c'est que moi, le problème, c'est que je suis trop nulle au volant. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas. Je peux pas en fait. Comprenez? Oh putain, voyez, vous voyez? J'ai trop peur. Je vais appeler la juge en arrivant. J'espère que les recrutements se passent bien. Oh, mais ça va pas, non? Qui c'est qui m'a fait quoi, Lara, là? Mais rien, je suis au max en fait. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez mis un nitro, mais quoi? J'ai rien fait du tout. On peut arrêter un peu. Et vous refaites ça, je vous jure qu'on se crache, on termine mort. Non, non, non. Bon. Ah, arrêtez, mais stop en fait. Et je vais lui faire peur. Ah non, là vous abusez, là. Bah, là, je fais excusez-moi, pas, faut arrêter aussi de mettre ça, hein. Tricheur dans la main. Arrêtez-moi ce moteur, c'est fini. Mais vous arrêtez tout de suite là. Lara, vous ne savez pas conduire. Mais redémarrez le moteur, putain. Bah allez-y, redémarrez. Vous avez un gros souci, hein, colonel. Je suis désolé, faudrait penser à prendre URTT là. URTT ? C'était pas ça. URTT. Regardez, j'ai fait en Y, regardez. Ah, je peux pas, vous êtes trop lourd. Je vais vous aider. Vous êtes... Non, ça ira, merci. Ça va en fait, y'a pas allez-y, besoin. Allez-y, faites les Y là. Non. Oh. Je peux même pas le faire. Il y a trop de poids sur l'auto là. Oh, j'en peux plus. MDR le menu, qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de menu qui tienne. Oh quoi, regarde, je t'entends, je te signale, hein. C'est pas parce que je t'entends pas en jeu, je t'entends pas dans la pièce, hein. Quoi? Ouh, lui, il fait trop le malin. Il fait trop le malin, colonel. Oui. Ouais, vous faites trop le malin. Vous faites trop le malin. Comment ça change de... Mais vous faites trop des magouilles en fait sur le stream de DVR, vous faites trop des magouilles. Il y a rien qui va. Let's go. Trop bien de jouer dans la même pièce. Alors, ça a plein d'avantages, mais c'est un gros inconvénient, c'est qu'on s'entend mutuellement dans le micro de l'autre. Donc c'est vrai que ça c'est... Ok, j'ai eu un giga lag, un turbo lag. Ils auront quand même un petit... Merde. Je paye, regardez moi, je paye, colonel, je paye. Il pleut, regardez, il je pleut paye. Chez toi, on est d'accord. C'est quoi mon code? Est-ce qu'il pleut chez toi? Oui, il pleut. Oui, il pleut. C'est tout pour le gang, mentalité ferrée. J'ai trop loin devant, tu vois que mes frères. Attendez, je sais plus mon code, les gars, je sais plus, j'avais envoyé des verrières parce que je sais plus en fait. Oh, ah, c'est bon. Part à lui, hein. Voilà, vous avez tous mon code de carte bancaire. C'est bon, j'ai garé mon auto. Ah oui, parce que tu te la pètes, parce que maintenant t'as mis des parkmètres, c'est ça? Ah ouais, en fait j'ai mis des parkmètres. Vous avez cru qu'on allait garer je nos vois, véhicules je vois. Non mais attends, j'hallucine. Yo, Totor, comment vas-tu? Bien ou bien, mais bien en fait, bien. Comment vous faites quand il y a des grosses scènes? Quand je parle pas, il parle pas, et quand il parle pas, je parle pas. Y'en a, il t'as capté, bon auto? Vous voyez, même sous la pluie, vous devez droit. Obéir aux ordres. Un pas en avant. Demi-tour droit. Oui. Demi-tour droit. Un pas en avant. Je pourrais pas t'aider, j'ai pas vu ton code de... Ah ouais, un pas en avant. Luna, elle a pas de mémoire. Hein. Demi-tour gauche. Demi-tour gauche. Je pourrais pas... Ah oui, non. Salut, Billion. Voilà, vous êtes aligné. Oui.
Oui. Il a eu le sang gris là-bas, il est un peu perdu. Ouais, un peu, ouais. J'aimerais aligner. Ah oui, il y a la juge. Pas de salut sans chapeau, messieurs. Elle est à l'intérieur, non. Parfait, j'y vais. Pour la libération, je sais pas quoi. Attends, venez, venez. Ils font un salut s'ils ont pas de. Eh, madame la jugeante. Oui, on a une libération conditionnelle de prison à faire, la avec nous. Il me dit libération, je comprends ouais, rien. Il y a la juge qui est présente, apparemment, oui. vous l'avez contacté. Affirmatif, ouais, j'y vais. D'accord, bah, pas de soucis. Mais c'est parfait, merci à vous. Nickel. Bonsoir. Allez, merci, monsieur. Ça va? Et vous-même? Oui, venez, venez. Mais ça va pas? Mais non. Bon, qu'on soit clair, Castevaux. J'ai envie de la vie que... Il n'y aura pas de tenue, il n'y aura pas de véhicule. Ça n'a rien de paniquer, d'accord? Parce qu'apparemment, tout à l'heure, vous étiez paniqué parce qu'il n'y aurait peut-être pas de véhicule et pas de tenue. Ouais. De quoi? Mais non, j'ai parlé à personne. Ah oui, apparemment, on m'a dit que vous étiez paniqué. Ah non, bah je suis très calme. Bah j'espère que vous êtes très calme parce que je vous assure qu'il y aura des nouvelles tenues et des nouveaux véhicules, ok? Ouais, ouais. Très bien. On a la libération conditionnelle de monsieur Kenny. Là, il y a la juge qui est à l'accueil, donc je vais aller la voir. On a une libération à faire là dans quelques minutes. Il faut qu'on se présente là-bas. Donc il y a liberté conditionnelle, bracelet électronique et obligation de visite médicale minimum hebdomadaire. C'est ce qui a été convenu. Voilà. D'accord. Est-ce que vous savez comment on procède concrètement ou. Bah, on le ramène où ? En ville ou ici ? Bah on laisse sortir. Hein. Je suppose qu'il y aura des gens pour le récupérer. Logiquement. Il sort quoi. C'est juste qu'il d'accord. faut convenir avec lui de pour la suite, vous voyez. Après bracelet, enfin le suivi, comment on le fait? On le fait pointer tous les jours chez nous? Oh peut-être, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez vous? On va passer une fois en début de soirée ou autre. Je sais pas quelle est la meilleure solution. Alors qu'on est un. Comme avec la tablette, un point pour le suivre. Mmh. Comme ouais. un équipage. C'est ça, ouais. Bah, de toute façon, il faudra lui dire que son bracelet il est tracé, il est suivi. Bon, dans tous les cas, il aura au moins une visite médicale hebdomadaire dont on aura les rapports. Donc, forcément, déjà, on sera convaincu que. Que voilà quoi. Ou une anecdote. Mais je vais voir la juge, vous voulez venir avec moi vous... D'ailleurs, on a des nouvelles recrues, la juge ici. Eh bah oui, tout à l'heure je suis passé, il était en train de courir. Ah ouais, pas mal. Hein. Vous êtes là demain soir? Bah normalement, oui. Parfait, parfait. Vous allez au bout de votre vie. Ouais, ouais. Vous arrivez. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a été une journée riche. C'est-à-dire trop de. Les petits coquins en voiture, à l'ascenseur entre véhicules, tenues, machin. Oui, peu important que ça arrive dans votre vie. Des gens qui prennent pas de gants. Je comprends, je comprends. Faut pas vous inquiéter pour ça. Hein. Faut avancer comme on dit. J'étais pas inquiet. Faut avancer pour le meilleur, n'est-ce pas? Comme dirait Booba, y a pas de wesh cousin la mif, c'est quoi les bails? Quoi? Voilà. Bon, je vais voir la juge, je reviens. Vous voulez me faire croire que vous, là? Vous tous là, vous avez jamais vécu des trucs. Où quelle est la juge? Mais elle est où d'ailleurs? Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez vu une femme qui attend? Une femme qui attend? Non, une dame, ouais, vous avez pas vu? Non, pas du tout. D'accord. Excusez-moi. Hein. Mais où que... Ah bah elle est là. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, je fais que courir partout. Pas de soucis. Vous allez bien? Eh oui, ça va et vous? Oui, ça va très bien, ça va très bien. Du coup, donc bah, c'est parfait que vous soyez là. Donc concrètement, là on va devoir se présenter à la prison. Pour donc libérer un détenu, donc liberté conditionnelle avec bracelet électronique tracé, suivi et obligation de visite médicale au minimum hebdomadaire qui s'élève à une visite minimum. Donc s'il D'accord. prouve sa bonne foi à en faire plusieurs, il n'y a pas Madame de souci, c'est en sa faveur. Oui. Bonsoir. Bonsoir, je vous présente adjudant-chef Castevaux. Enchantée. De même. Madame Donovan, la juge.
Enchanté. Bah, enchanté de même. Alors, du coup, vous m'avez dit le bracelet électronique. C'est ça. Bah voilà, liberté sous surveillance, hein, évidemment. Voilà. Ok. J'ai ban un mec, je déverse sans faire exprès. Ah bon ? Autre chose ? C'est si elle joue Boruto. Bah pour moi non, faut juste qu'on prévoie le, bah voilà, le transport, enfin pour y aller quoi. Vous avez d'autres directives de Caspevo ? Non, surtout s'il n'y a pas d'escorte à faire pour l'amener, ça va être relativement simple, je pense. Oui, oui, bah c'est ça, en fait, il est libéré à la sortie, on lui rend ses affaires personnelles, s'il doit appeler des contacts, il appelle, hein, de toute façon, voilà. Parce que je doute que ça va se dérouler comme ça, puisque à son arrestation, on avait toute son équipe présente. Ouais, ouais. Je pense qu'il n'y aura pas de soucis pour lui. Après, là, tout le monde n'a pas été notifié, non ? Non, pas du tout. Il a été jugé pour quoi, ce monsieur ? Il a été jugé pour... Bah alors déjà, pour tentative d'homicide. Il a asséné un coup de couteau. Hein, juste ici, ouais, sur un de nos agents. Au moment où il a été arrêté pour les faits suivants, donc délit de fuite, refus d'obtempérer, de nombreuses percutations, si je peux appeler ça comme ça, et de provocations sur la gendarmerie et la police nationale. Et il y avait quoi d'autre encore ? Bah, c'est déjà pas mal. D'accord, ok. Non. Ok, ok, je prends en compte de tout ça, et puis bah, du coup, c'est quand vous souhaitez, on y va, et voilà. C'est bonjour, ça. Monsieur la juge. Madame. Madame. Ah, madame, excusez-moi. Madame. Madame la rouge, la juge. La juge. Donc du coup, mon vous colonel, on va... Hier, non comment ? Pardon ? Pardon ? Oui, voilà. Donc on va procéder à la libération conditionnelle de monsieur Kenny, oui, Abdel Lazak. Ouais. Voilà, on va pas partir nombreux non plus parce qu'il suffit juste de libérer, donc lui expliquer les conditions de la libération et puis voilà, il sort et puis on s'en va. Il n'y a pas besoin de faire de convoi spécial. D'accord, du coup, madame la juge, ça servira donc après, avant, au milieu. Et ben elle va bah, pendant, après, avant, tout le temps, parce que c'est elle qui va aussi surveiller que monsieur Kenny Abdelazak soit dans les règles concernant son. Son bracelet. Voilà, son bracelet, ses visites médicales surtout, obligatoire. D'accord. Si vous voyez le moindre problème avec ce monsieur, n'hésitez pas à le voilà, remettre en prison. Voilà, c'est ça. Hein. De toute façon, je vais vous donner les accès d'ici ce soir ou demain à tous nos dossiers. Directement, donc voilà, comme ça au moins on pourra suivre tout ça. Pas de soucis, hein. Vous voulez qu'on parte quand Bah maintenant. Et bah je vais chercher mon véhicule. Et bah parfait. Vous voulez venir avec nous, Castevo, ou vous voulez rester là? Bah ça dépend s'il y a besoin de moi pour superviser les nouveaux là. Vous voyez, j'ai donné à Lane et Stretch la directive. Bon après, est-ce que vous. Oh oui, ils sont trop de bonnes mains. Oui, c'est pour ça, je me suis permis de. Voilà quoi. Alors là, sa promotion, on a du nouveau ? Pas du tout, j'attends les nouvelles du président en fait. Sinon, dans tous les cas, il est major, major, maréchal des logis. Voilà, faudrait l'officialiser et puis pour la Légion d'honneur, on attendra c'est monsieur ça, le président. Voilà. Bah, ça a été officialisé tout à l'heure hein, par le colonel, promotion maréchal des ah, logis. Ah d'accord, très bien. Donc voilà, et puis après, donc demain il y a toute notre grosse session d'entraînement armée de terre, armée de l'air, marine, gendarmerie. Et à la fin de cet entraînement, il y aura aussi des nouvelles promotions ainsi que les primes. Très bien. Parce qu'il y a des épreuves très très dures et pour les plus vaillants et courageux, il y aura sûrement des récompenses à la clé, vous voyez. D'ailleurs, c'est une séance de recrutement qui se passe dehors. Oui, c'est ça. Il y a des nouvelles recrues là qui rentrent dans les rangs ce soir. Ah, voilà, c'est bien, ça va faire du bien. Oui. Mais comme vous l'avez dit l'autre fois, on est très efficaces, nous. Hein. Oui. T'inquiète, je ne banne. Ça arrive, Stéphane. Force. C'est pas grave. Moi aussi, je banne des gens comme ça. Hein. Luna, je la banne même. Je les banne, Luna, sans faire exprès. Non, mais écoutez, à voir si c'est des bonnes recrues. De hein, toute façon, comme d'habitude, à l'essai. Hein. Pas hésiter à faire des rapports. Ah, mais il est trop stylé son polo avec la cravate. Oui, j'ai un rapport à vous remettre d'ailleurs. Très bien, bah, je vous laisse me l'envoyer. De toute façon, là, je vais regarder tout ça concrètement. Je suis hors-site, pareil. Mince, il y a les mecs de TF1, j'arrive. Je vous laisse patienter ou venir même à l'accueil si vous voulez.
Oui, pas de soucis. Excusez-moi, je suis fatiguée aujourd'hui. Ah, on a tous nos moments de fatigue. Oula, oui, hein. C'est la course, comme on dit. Je crois qu'ils sont même partis, les pauvres, ils ont eu marre d'attendre. Je vais l'appeler. Faudrait que quelqu'un qui gère ça, le TF1. Oui, allô ? Allô, allô ? Oui, allô ? Oui, bonjour, Adju dans la rue à l'appareil. Vous avez essayé de me contacter, j'étais toujours pas arrivé, j'ai plein de rendez-vous, c'est très compliqué pour moi de me rendre disponible. Oui. Vous êtes où ? Actuellement, du coup, on est avec le colonel de l'armée, parfait. Sur le parking derrière. D'accord, parfait. Du coup, je vous laisse avec lui ou il y a besoin de quelque chose en particulier ? Non, c'est bon pour l'instant, vous inquiétez pas. D'accord, parfait. Du coup, je vous tiens au courant pour demain pour l'entraînement qu'il y aura. Je pense que le rendez-vous sera à partir de 21h30 au niveau du port. On va faire un transport en bateau vers le lieu de l'entraînement. Donc, je vous dirai ça demain directement. D'accord, il n'y a pas de soucis. Bah, de toute façon, on a pu voir le colonel et il nous a dit que c'était OK. Bah, c'est parfait. Bah, c'est parfait, c'est parfait. Très bien. Bah, merci à vous en tout cas. Merci. Bonne fin de journée. On y va à bientôt. Oui, je sais pas si de Castevo veut venir. Bah, de toute façon, on aura plus de place après, donc on va prendre deux véhicules. Il y aura pas plus de place, on n'a pas besoin d'escorter, hein, Kenny. Ah, mais on libère juste de la prison après, on le laisse. C'est ça. Ah, bah d'accord, bah montez, on s'en fout. Bon, bah allez, je monte, ouais. Allons-y, mettez-moi une destination sur le GPS. Absolument, oui, tout à fait. Juste ici, parfait. On va passer par la forêt directement. Donc, écoutez, tout est dit, hein, je crois, mademoiselle de Novan, je crois. Oui, je vais. J'ai Est-ce pas que cet individu, ouais. Il a déjà consommé des stupes ? Oula, il faudrait que je regarde dans son dossier, mais j'ai pas de. Qu'est-ce que vous faites ? Qui ça ? Mais vous ? Bah, on passe par la nature. Ah bon, très bien. Vous avez vu ça, tous ces arbres qui ont poussé en si peu de temps là ? C'est magnifique, hein ? Oui, c'est super joli. Ah, on est bien d'accord. Ouais, c'est vraiment joli. Sinon, vous êtes tendue, madame la juge. Détendez-vous. Ah non, pas du tout. Je suis très relaxe là. Je suis. D'accord. Le plus relaxe possible. Je ne veux pas l'être encore plus. C'est vrai, oui. C'est même moi qui l'ai unban. Et voilà, c'est Stéphane. Trop détendu, c'est ça ? Heureusement, t'es là. Très sévère. Ah non, pas du tout. Je ban mon staff et mon staff déban mon staff. C'est juste que je suis dans mes fiches. C'est ça. Ah, je comprends. Mais vous êtes dans un véhicule. Calmez-vous. Pardon ? Vous êtes dans un véhicule, vous allez vous faire mal aux yeux à regarder les fiches et la route en même temps. Ah oui, mais je dois remplir des papiers. D'accord, y a pas de soucis. Le prénom et nom Warren Scott, c'est RP ou pas, tu penses ? Pourquoi, Boruto ? God bless. Ah, pas cette année. Donc je ferme ma gueule. Oh ! Colonel, faites attention s'il vous plaît. Attention aux motards. Oui, bah c'est pas des motards déjà, c'est des cyclistes. Mais pourquoi vous êtes passé par là, sincèrement ? Vous êtes obligé de la nature. Ouais, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui aussi ? Elle. Elle. La nature, madame. Du coup. Oui, la nature. C'est la nature. Et je pense que tout le monde... Ah, on est avec son tracteur. Ah, bah là, notre tracteur. La nature non. Aussi. C'est moi, il y avait un cheval. Je crée un compte 5M pour jouer en free access. Tiens, 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 Boruto. Free access, ça me fait penser à quelque chose. Mais j'ai pas à faire de commentaires. C'est vraiment magnifique, hein. Oui, c'est vraiment très beau. Mais j'aime trop, c'est ça. Ça me donne envie de faire des balades à cheval. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi, y'a quoi ? Bah, y'a quoi ? Y'a rien, en fait. Je pense pas qu'il y a un ranch dans le coin. Je crois pas non plus. J'ai pas encore des UPI joués, mais peut-être qu'il y a des free access qui vont voir le jour et tout. Toi-même, tu sais, tu vois. Ça peut être pas mal. Toi-même, tu sais, le free access de Hypromix. Toi-même, tu sais, tu vois. Tu vois, toi.
Bon, j'espère que ça va bien se passer, qu'il n'y aura pas toute l'équipe à domicile. Sous le... Parce que ça flotte là, je crois. Si, venez, on va essayer de s'abriter. Oui, ça flotte. Je sais pas s'il y a un bureau ou un truc comme ça, parce que je sais pas... Ça mouille. Il n'y a pas de mapping à proprement parler, je crois. Ah, bébé. Bon. Hein ? Il n'y a pas de mapping de la prison, il n'y a pas de bureau. On va s'arrêter ici, vous voulez aller... Vous êtes blessé, monsieur l'agent ? Oui, voilà. Vous êtes blessé, monsieur l'agent ? Bon, on va se mettre là. Hein. J'arrive à faire mes mains comme ça et du coup j'aime. Je pense pas que ça pose problème. Ah non, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. Hein. Alors, monsieur Azek, c'est ça ? C'est ça, madame. Alors aujourd'hui, je vous annonce votre liberté. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Stéphane ? Quelle est cette surprise incroyable ? Voilà le TikTok de Dever, je sais que Deyunra, n'hésitez pas à aller. Sous surveillance judiciaire, d'accord ? Vous allez devoir porter un bracelet électronique d'une durée quand j'aurai décidé. L'Apple Watch ? Attention à vos blagues. Ensuite, vous devrez faire des visites médicales, d'accord ? Oui. Et une séance par semaine avec le psychologue. Oh, même plus il faut, ça me dérange pas, vous savez. Eh ben, je vous en mettrai deux par semaine. Avec grand plaisir. Madame le psychologue. Madame le psychologue. Non, le psychologue. Ah, mais oui, vous le 2, même 3, ça me dérange pas. Ah oui, je devrais. Je finis, s'il vous plaît. Alors, vous aurez 2 séances par semaine avec le psy, avec un compte rendu du médecin que vous devriez m'apporter, bien entendu, et une visite chaque semaine avec moi pour faire le point d'une durée indéterminée, juste attendant que j'aurai décidé de vous faire confiance. Non, pas de soucis.
Vous allez devoir aussi trouver un travail pour vous réinsérer dans la vie, d'accord ? Dans le droit chemin, d'accord ? Oui, et tout ça, Non, c'est vous allez le faire. Je vais le faire, madame. Voilà, j'aime mieux ça. C'est ça. C'est mieux. Donc du coup, je vais devoir, sur chaque semaine, pour faire le point avec vous, vous allez devoir me donner l'évolution de votre nouvelle vie. Et je n'accorderai aucun prétexte ni excuse de votre part. C'est-à-dire, si vous n'avez pas trouvé un boulot, j'en ai rien à faire. Vous allez le trouver et rapidement. D'accord ? Je vais le trouver, je vais réussir. Vous allez faire toutes vos séances de psy d'une durée indéterminée quand j'aurai décidé que vous n'en avez plus besoin. Et aussi les visites médicales. Et vous allez devoir garder votre bracelet jusqu'à temps que j'en aurai décidé autrement. D'accord, madame la juge. S'il y a une erreur de fait, si vous ne respectez pas ces conditions-là, vous retournez à la case départ. D'accord ? Pas de soucis, j'entends tout. J'espère bien pour vous, monsieur Azak. J'espère que l'erreur que vous avez faite auparavant vous a servi de leçon, et la prison aussi. Oh oui, ça m'a bien servi de leçon. C'était d'accord. Long. Oui, bah on vous rappelle bien quand même que c'est une peine, une sortie anticipée, hein. J'ai une question à vous poser. Dites-moi. Pour mon suivi psychologique et tout, si j'en ai besoin, l'agent que j'ai agressé et tout, s'il l'accepte, j'ai le droit de le voir de temps en temps. Ça, il faut. Ça sera pas pour le moment. Pour l'instant, on veut s'assurer que vous, psychologiquement et intérieurement, vous ayez les. On va dire les compétences et le discernement suffisant pour être autorisé potentiellement à voir avoir cette personne. Mais pour l'instant, ça sera pas d'actualité. On verra dans le temps. Parce que moi en fait je sais qu'il m'a pardonné et tout, mais dans ma tête j'ai du mal à... Enfin, normalement j'aurais accepté son pardon, mais malgré si ça fait partie de votre thérapie, vous en discuterez avec la personne qui fera votre suivi psychologique, voilà. Et si la personne qui fait votre suivi estime qu'il est important pour vous d'avoir une confrontation avec cette personne, l'organisera à ce moment-là. Mais il sera interdit à vous d'y aller seul sans autorisation, contacter cette personne, sachez-le. D'accord, d'accord. En attendant, essayez de vous réinsérer dans la vie et faire des conditions que je viens de vous citer. Et oui, on va aujourd'hui. Merci, monsieur Azak. Et n'hésitez pas à. Jules, mais oui, il y a eu Jules, je sais pas, j'ai pas capté de ma playlist, elle est aléatoire. Dans les conditions. Donc, toutes les conditions que je viens de vous citer, vous devez les faire tous les jours. Vous appelez comment, madame l'avocate, pour vous les rendez-vous ? Alors, je suis pas avocate, je suis madame la juge. Pardon, madame la juge. Donovan. Vous allez à la police nationale et vous demandez à prendre. Police nationale ou gendarmerie, les deux, c'est pareil ? Bah, je serai plus vers la police nationale, mais je travaille aussi avec la gendarmerie, mais peu importe. Dans tous les cas, le dossier sera traité des deux parties, donc la juge va s'occuper de ça, vous en faites pas, il y aura pas de distinction. Chacun ses préférences, je comprends. Comment ça, chacun ses préférences? Qu'est-ce que vous entendez par là? Non, par rapport à madame la juge, enfin... J'ai pas de préférence, c'est juste je travaille des deux côtés. Et du coup, je suis plus amenée à être dans le sud de la ville. D'accord, nickel, voilà. Nickel. Donc, n'oubliez pas, j'espère que vous avez bien noté tout ça. Le bracelet électronique à partir de maintenant. C'est ça. Liberté sous surveillance, voilà, visite médicale régulière, suivi psychologique 2 séances par semaine, avec compte rendu et une visite avec moi pour savoir ce qu'il en est. Donc sachez que ce sera vraiment la justice qui va examiner votre comportement ou votre situation de fragilité, on va dire, liée à votre état et à vos actions. Et en tout cas, vous serez suivi. Sachez que le moindre non-respect des conditions, ça vous entraînera un retour sans retour possible. Un aller simple, quoi. Comme si vous preniez un vol pour la Réunion. Sans aller-retour, un vol. Allez. Simple. Voilà. Pas de soucis, je ferai tout ça. Donc voilà, donc c'est moi qui va me charger de votre dossier. Donc c'est avec moi, maintenant, et l'aide de la gendarmerie et de la police nationale, de faire cette surveillance auprès de vous. D'accord, d'accord, merci infiniment, madame Dolovan. Donovan. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, vous ne serez pas escorté jusqu'en centre-ville, donc on va vous ouvrir les portes, vous allez sortir, on va vous rendre vos effets personnels, téléphone et j'en passe. Je viens pas chez vous pour mettre le bracelet. Si, justement. Ah bah oui, si. Oh bah, vous êtes perspicace, c'était un test, très bien. Bon bah on y va. On va bien tester, hein. Bah la gendarmerie met son bracelet. Ah bah c'est pas bon.
Oui, passez par là. Monsieur, vous êtes le colonel. Vous croyez oui, c'est pas moi qu'on le est colonel. Des... Monsieur le colonel, vous savez pourquoi les gendarmes ne sont jamais tristes? Parce que les gendarmeries. Ça, c'est. Excusez-moi, monsieur Kane, c'est ça, un c'est flop magistral. Flop, hein. Je vous donnerai votre c'est vraiment flopper, hein. Flopper fou. Ouais, mais en je plus de votre dispositif de sortie, votre bracelet électronique, on aura le diplôme du flopper fou. C'est qui va mettre le bracelet? C'est un homme ou une femme? C'est moi. C'est importe, lui. Et croyez-moi, il fait mal. Un homme va jamais offrir un bracelet. Il y a une séparation entre nous, hein, je précise. Non, pas de soucis, pas de soucis. Alors, patientez s'il vous plaît, parce qu'il faut que je trouve les fils pour démarrer. Le dernier bracelet qu'une femme m'a offert, que j'ai offert à une femme, elle l'a vendu. Ah bah c'est malheureux pour vous. C'est très triste. On le voit que vous avez besoin de parler en psy. Oui, vous avez une sensibilité débordante et je pense des séquelles à combler de façon à ce que vous puissiez vous équilibrer dans la vie, n'est-ce pas? Ah bah oui, quand même, j'ai tué mes parents, faut pas se mentir. Oui, affirmatif. Non mais je rigole. Moi je rigole pas. J'ai pas tué mes parents. Je trouve pas le fil bleu s'il vous plaît. Je sais pas. Parce que du coup j'ai pas les clés, donc si on peut trouver le fil bleu pour démarrer le véhicule. Ah oui, attendez, je regarde, c'est vous. Ok, là si vous avez regardé, attendez, je passe ma main, excusez-moi. Oui je vois. Voilà, elle est là. Merci. Mais de rien. Ah, attendez. Ah. Ça marche pas? Si. Ah. Comment ça, Luna? Ah non, commence pas à faire des trucs qui font peur. Il s'est passé quoi, Luna? Non, dis-moi, je veux savoir. Oh, j'ai même pas le temps de dire au revoir à mes collègues de prison. Vous voulez retourner? Non, non. Bon bah, bienvenue dans la liberté. Voilà. Merci. De rien. Alors, liberté quand même, voici la liberté. Voilà, c'est voilà. Ça. Faut bien le garder en tête. Hein. Vous avez croyez-moi, vu votre bracelet va vous le rappeler tous les jours. J'étais en prison. Comment ça? J'étais en prison, j'ai vu des arbres pousser avec le temps, c'est hallucinant. Oui, il vous avez vu, c'est fou. Hein. C'est la pluie, il a beaucoup plu en fait, et d'un coup, il y a eu pouf, une poussée de séquoia. Incroyable. Ouais. C'est fou. La nature reprend ses droits, comme on dit. C'est ça, exactement. Mère nature a bien fait les choses. Il faut bien donner du travail au bûcheron. Hein. C'est ça, oui, affirmatif. Explique-nous. Entre nous, madame, ce qui s'est passé. Affirmatif, vous inquiétez pas, je suis pas un de vos collègues. Hmm. Toutou. Donovan. Donovan. Mais il y a des musiques, je Donovan. Sais même pas ce que c'est, frère. Ça suffit, et à du Joule. Ah voilà, ça c'est bien ça. Non, excusez-moi, j'ai vraiment beaucoup de mal dans avec la les ville, prononciations. TTF Nos. Oui, non, là vous jouez un peu les cons quand même, hein. Un peu, c'est qui Pelé? Toujours trop un DS. Un genre de foot? Pour moi qui faisait des dessins, un genre de foot ou c'est un bronzage? Ah, je sais pas, un genre de foot, non? Le bronzage pèle. Pardon, excusez-moi. On m'a appris l'humour en prison, mais c'est assez joie, c'est pas. Mais après, j'irai pas jusque-là. Après, vaut mieux que j'apprenne de l'humour vaseux que des criminels. Voilà, que des crimes tendus. Ouais. Je sais pas, je jouais tranquille là, il me prie. Ah là, elle a collé. Pas j'ai encore qu'elle la mémoire très courte, disait. C'est pas elle ça des fois. Enfin, maintenant, ça remonte à très lointain. Mais... Ah, le coup de couteau, ah, ça remonte à très lointain quand même. D'accord. Et j'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi j'ai fait ça. J'ai aussi qu'on m'avait fait quelque chose dans le cerveau. Je pense qu'il faut. Là, toutes vos réponses, elles vont vraiment être ces prochains mois là. Sur la thérapie et le travail que vous allez faire sur vous-même, vous remettre en question et savoir vraiment au fond de vous qu'est-ce qui vous a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Moi j'ai une petite idée, mais vous savez, j'ai dû me tromper dans des médicaments. J'ai dû prendre les médicaments de mon collègue qui a des problèmes psychologiques. Qu'est-ce qu'il a comme maladie? Il a des problèmes de schizophrénie et tout. Ah oui. Il a dû me faire une mauvaise blague, il a dû mettre des médicaments, il a déjà fait ça à mes collègues et le jour où c'est arrivé, le collègue il était au bon endroit donc il restait rien. Ah mais ça il faudra le dire au médecin hein. Non, bien sûr je le dirai, j'irai le voir direct après là. Oui. Le médecin du coup je vais voir, je lui dis. Il a fait quoi là? Il nous a fait une Drax? Du coup. Il a fait une Drax là? Attendez. Il nous a fait une Drax là? Je suis choqué. Oui, du coup, je disais. Oh là.
Du coup, je disais, le médecin, je vais voir, je vais dire, voilà, avec l'avocate, je dois prendre un rendez-vous avec vous deux fois par semaine. Non, la juge. Avec la juge de Dolovan, je dois prendre deux rendez-vous par semaine et... Mais le bureau de l'avocate, ah bon, non, on a libéré notre détenu, monsieur Kenny Abdelazak. Ma patience a des limites. Allez, allez, on s'étire, c'est bien, continuez comme ça. Et vous arrêterez des fois comme moi pour les mettre en prison et les sortir. Allez, hop, 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 hop. Vous avez chaud, casse-vous, non? Vous détendez. Ouais, c'est ce qu'on disait avec moi. Je crois, on va accélérer les entretiens, les faire cravacher. Vous transpirez beaucoup. Transpirez, non? Veuillez me suivre. Pas eu le temps de mettre mon débat. Bon, voilà le détenu du coup, hein. Enfin détenu qui n'est plus détenu, détenu libération conditionnelle. Voilà, donc bracelet électronique, obligation de visite médicale au minimum à deux fois par semaine, compte rendu au juge et c'est la justice qui va décider si oui ou non il est apte à... Voilà, c'est la moindre erreur, c'est retour prison, case départ. D'accord. D'accord. Bon, ils sont bien longs les autres là. On en est où au niveau des recrutements? Ouais, j'en ai envoyé trois chercher de l'eau de mer. De, pardon, de l'eau de mer? Ouais. Vous avez cru qu'on jouait à Raft ou quoi? De quoi? Vous avez cru qu'on jouait à Raft? Chercher de l'eau de mer? C'est ça. Faut faire chauffer l'eau pour faire de l'eau douce? Exactement. D'accord. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Ça va leur faire les cuisses un petit peu. On sait jamais. Ah bah là. Ça va leur faire quitter la cour. Vous aussi, vous allez faire vos cuisses demain avec la prof d'acrobranche? Ah, il paraît. Il paraît, ouais. J'ai vu ça, j'étais pas bien motivé. Ah, c'est une course d'acrobranche demain? Non, en fait, c'est un entraînement donc de très haut niveau pour tout ce qui est armée, gendarmerie. Il y aura des courses de parcours, de sauts, des cours de, enfin des épreuves dans l'eau. Il faudra travailler son apnée, il faudra passer à l'intérieur de cages sous l'eau, il faudra trouver la sortie. Ça va travailler vraiment le mental et surtout la patience parce qu'il y a des épreuves qui sont assez difficiles où il faudra peut-être recommencer maintes et maintes et maintes fois de façon à arriver jusqu'à la fin. Est-ce que c'est possible qu'on puisse essayer? Ah bah bien sûr, bah attendez, ça va pas être pour rien quand même. Toi t'essaieras si tu veux. Ce que vous pouvez faire même c'est mettre une GoPro, comme ça vous filmez directement le parcours en temps réel, vous voyez, ça peut être bien dans l'immersion totale. Justement j'allais dire que tu peux mettre une GoPro. Mais je vous conseille une tenue de sport par contre parce qu'il y a un peu de tout, vraiment il va falloir vous concentrer et voilà. En tout cas, vous vous mettrez vraiment dans la peau que d'un agent ou d'un militaire, ça c'est ce qui est bien. Du coup, vu que c'est toi qui as le caméraman, c'est toi qui vas essayer du coup. Ah bah, je suis grave chaud. On a tout fait. Faudra juste pas gêner les agents, donc faudra partir pendant le temps que... Bon après c'est pas une compétition non plus, c'est plus pour les tester. Je pars en dernier, pour les filmer. Oui, voilà aussi. Non, non, mais y a pas de problème. Ah bah, je pense qu'on fera un convoi ici demain à partir de 21h15. On prendra un bus, à mon avis, pour aller directement au port et pour pouvoir prendre le bateau direction l'endroit, à mon avis. Hein. Bah, sinon, nous, on peut vous rejoindre directement demain. Oui, aussi, ça peut se faire comme ça. C'est au port. De toute façon, je vous tiendrai au courant dès que j'ai plus d'infos sur l'heure et le rendez-vous. Pas de course. Y'a pas de soucis. Ah bah je voulais faire ma tenue de sport après. Ouais, bonne idée. Faites la même comme ça on... Moi c'est fait moi. On sera pas perdu. Plus que toi. Ouais. Ah tu vas le faire aussi Steven? Non, c'est toi le caméraman, c'est toi qui a... Je reviens messieurs, hein, j'arrive tout de suite. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, affirmatif, comment allez-vous? Bien et vous-même? Oui, ça va. Ouais, ce monsieur, on l'accepte à l'ESM, il doit partir rapidement, donc je sais pas si vous pouvez faire le recrutement du monsieur ou c'est que le colonel. Je pense pouvoir. Que je puisse lui montrer du coup les différentes interactions. Oui, tu veux? Mais comment on fait pour recruter un mec? Écoutez. Oui, mais toi tu fais comme ça d'habitude? Ouais, parfait. Vous venez dans le vestiaire directement, je vais vous montrer, je vais pouvoir faire signer vos papiers. Très bien. Merde, porte de merde. Voilà, donc les vestiaires. Parfait. Alors. Oui, on peut plus qu'un double 7 jeunes du coup. Alors, du coup, rappelez-moi votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Aaron Beck. C'est 7 jobs quoi? Hein? Bébé? C'est 7 jobs quoi? Aaron Banks. Alors, donc je vous rédige le contrat, là, vite fait.
Très bien. Aaron Banks. Est-ce que vous avez un numéro d'identité par hasard? Je crois que 1400, mais après... Oh, alors là, non, pas du tout. Si vous concentrez bien, vous pouvez me donner. Votre numéro d'identification. 117. Parfait. Voilà, normalement tout est bon. Tenez, je vous laisse signer juste ici. Voilà. Parfait. Alors, du coup, je vous laisse voir avec lui. Je vais lui présenter. Ouais, je pense que tout est bon. J'attends de voir. Okay. Wesh, MacDead, comment vas-tu? Regardez sur le casier qui est en face de vous. Oui. Vous avez une très bonne alternative en utilisant le casier qui est devant vous pour faire. Voilà, il faut attraper la porte. C'est bon. Attraper, voilà, parfait. Donc voilà, une fois que vous avez pris votre prise de service, vous pouvez récupérer une tenue de gendarme. Comment ? J'ai rien compris, Stéphane. Ou vous pourrez. Dis un snap, je vais faire un vlog. Mais Luna, nous, on veut pas que tu nous fasses des vlogs sur Snap, d'accord ? On veut que tu nous racontes. Lara, on y va ? Où ? Pas du tout, même. Ça va clairement pas. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ? Ah bah, je vais le découvrir. Alors, venez avec nous. Oui. Vous avez le temps. Y a un problème, hein ? On peut pas venir là, il y a un gros problème, hein, il faut gérer. Là, vous avez Roger ici. Roger, c'est lui qui nous amène les voitures quand on a besoin. D'accord. Là, il y a un gros problème. Exactement, de gendarmerie, faut gérer. Elles arrivent. Je passe à Nino aussitôt qu'on a besoin. Je peux commencer. Alors en fait déjà au dehors, en fait quand alors on appelle le SAMU pour les mecs qui sont blessés. Et eux, ils nous répondent pas, du coup en fait on va directement là, au SAMU pour leur déposer nos collègues qui sont grièvement blessés parce qu'ils c'est sont quoi, pris police, des c'est quoi police c'est, non non c'est le SAMU. D'accord, en fait d'accord, ils nous disent quoi, on arrive là-bas, il y a tous les SAMU, ils nous disent quoi, ils nous disent oui mais on était en réunion, du ils coup, étaient dehors. On avait dit qu'en fait il n'y avait pas de SAMU en service, du coup vos collègues ils pouvaient attendre. Vous avez cru quoi? Mes collègues c'est des chiens quoi, c'est des clébards. Depuis quand aussi ils se mettent à faire des réunions comme la police nationale? C'est quoi ça? C'est réunion partie ici, c'est quoi? Parce qu'apparemment il y a des gens qui font. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Là, ce qui va pas, c'est que les amis font n'importe quoi. Voilà. D'accord. Alors en fait, je vous explique. En fait, on était sur une poursuite. Donc déjà, la poursuite, elle est. Je comprends pas ce qui se passe. Voilà. C'est horrible. J'ai pas compris. Elle est horrible. Et en fait, d'accord. Parce qu'en fait, on avait menotté quelqu'un qui en fait s'est enfui avec ses collègues par une voiture et il est parti avec les menottes. Il est parti menotté. Ah oui, menotté dans la porte avec son. Et bien sûr, c'était Ryan Yazubi qui nous a bien dit son nom, etc. Il nous a carrément attendu à la supérette. Il a dit oh, ça fait longtemps, etc. Mais tu crois qu'on est tes amis ou quoi? Tu crois qu'on joue au chat à la souris? Et après, en fait, quand en fait, il a réussi à se barrer parce qu'en fait, avec ses potes, en fait, ils ont tapé les Leclerc et puis de la street et ils étaient carrément dans les vapes. On les a récupérés dans les vapes. On a appelé le SAMU, qui eux n'ont pas répondu, du coup on a décidé de nous-mêmes les ramener au SAMU. Et ensuite on les voit tous les SAMU, ils nous disent quoi? Ils nous disent « Ah bah désolé, on était en réunion parce qu'on avait des gros problèmes, mais parce que du coup vos collègues ils pouvaient attendre, c'était pas si grave que ça. » Je fais bah, « Vous rigolez ou quoi ? Vous avez vu ça où en fait qu'on vient pas aux interventions depuis quand on fait des réunions? Vous êtes pris pour la poste nationale ?» Ouais. Bon, faut arrêter. Après, d'accord. Voilà. Bah, ils ont fait pareil. Hein. J'ai aidé un ambulancier tout à l'heure qui avait appelé à l'aide via la. Nous avait pris contact par message. Et c'est pareil. Un policier lui a dit on peut pas venir, on est en réunion. Ah, et aussi. Ah, mon collègue, est-ce que ça serait possible d'augmenter la puissance des tasers? Car ils se prennent des tasers, mais ils reprennent le volant, ils se barrent après. Si c'est possible aussi. Ça, c'est autre chose. Ouais, mais c'est autre chose, mais bon. Vous avez tasé une personne, il est reparti au volant? Non, c'est le collègue de la street et un des de la street ou Leclerc qui a. Non, mais ça, c'est les Pokémon rares, faut pas pénaliser tout le monde pour eux. Hein. Non, c'est... Non, mais c'est. Oui, je suis d'accord, mais vous m'avez compris dans le sens que je voulais dire. Donc, du coup, si vous m'autorisez, j'aimerais bien lancer un avis de recherche sur Ryan Yazubib qui est avec des menottes actuellement, qui est en fuite. Il est parti. Mais bien sûr, bien sûr. Ah, mais affirmatif, faites. Moi, je vais partir en ticket. Il est parti avec tous ses collègues.
Allez-y, mettez une prime, on va mettre 3 000 $. En gros, j'ai RP tranquille, mon tel a plus de batterie, alors comme personne normale, je le branche. Vous mettez une prime sur sa tête, 3 000 $, du coup, je stresse, etc. Ah, mais c'est juste parce que ta multiprise, elle a crash. Une belle affiche d'aller faire du sport, c'est ça, le shérif. Je fais une belle affiche et tout. Non, mais. Oui, vous faites un avis de recherche. D'accord. Non, mais là, franchement, tout le monde, si tout le monde commence à faire des réunions, moi aussi, je vais faire des réunions. Mais nous aussi, on va faire des réunions, ne vous inquiétez pas. Ah oui, nous aussi, on va faire des réunions. On va faire des grosses réunions, même. D'ailleurs, mon adjudant, il me connaît. Parce que là, franchement... On va boire l'apéro, oui. Là, moi aussi, je fais des réunions maintenant. Non, parce que franchement, moi aussi, je vais pas répondre quand on va payer. Et franchement, ça se fait pas, ça mue. Même la police nationale, bon, qu'ils ont fait, bon, s'il y a que eux encore, bon, très bien, ils font ce qu'ils veulent. Ça mue, quoi, c'est les gens, on a besoin d'eux, sinon on meurt, vous voyez. Faut les transférer par mail, mon adjudante. Mon colonel également. Merci beaucoup. Mon adjudant chef, vous avez comme par hasard, un pré-rempli d'avis de recherche, il y a juste à mettre la photo et moi j'ai pas. Non, je vais voir. Je sais pas quoi ça peut ressembler ici. Un avis de recherche, non, je vais voir pour concocter un petit truc. D'accord. Mais enfin voilà, si... parce que là franchement c'est... Même le clerc, hein, il n'a pas. Voilà, c'est pareil, en fait, tout le monde n'a pas. Parce que déjà, on poursuit quelqu'un, même minimum, on a mis quoi? On a mis 20 minutes déjà. Mm-hmm. Et en fait, quand ils ont daigné s'arrêter avec un véhicule qui était moitié dans les vapes, ils ont dit quoi? Ils ont dit: oh, on repart. D'accord. Enfin, vous êtes sérieux ou quoi? Il y a un moment. Il faut, excusez-moi du terme, mais il faut jouer, quoi. Il faut jouer, enfin voilà, c'est... Oui, c'est... j'ai compris. Je veux bien... Si vous avez lu le rapport d'incident, c'est pas, et on se prend des... Pour stopper des courses-poursuites, leurs collègues qui nous tapent en pleine face avec j'ai un casque. J'ai reçu un dossier, là. Attendez, je suis en train de lire. Par contre, le SAMU, je vous dis qu'il y en a qui sont dans la sauce. Un rapport disciplinaire carrément efficace, sur un brigadier dont je ne citerai pas le nom parce que je veux pas qu'il y ait de méta. Pas, ouais. Oh, c'est chaud. Ouais. Apparemment, il y a un patron qui se permet de se garer n'importe où avec son véhicule. Il croit que le parking est. Est-ce que Charlie, vous êtes encore en radio, s'il vous plaît? Putain, je suis pas sur la radio depuis tout à l'heure. Je crois aussi que le parking c'est toute la vie. Merde. Faire défoncer. Vous êtes d'accord avec moi qu'au SAMU, il y a des parkings. Il m'a laissé. Oui. Attendez. Ils disent quoi? Ils disent il n'y a pas de parking. Je cherche. Oui. Monsieur n'a pas de radio, il faudrait lui en fournir une. Oui, affirmatif, je vous en donne une. Attendez, je vais chercher une. Bon, ouais, voilà, c'était le petit coup de. Bon, je vais me la give, évidemment, j'en ai pas. Je vais me la give. Je suis désolée, j'en ai pas du tout. Comment on. Radio. Se give une. Hop, parfait. Aïe aïe aïe, merci pour le follow anonyme du 29, putain ça me fait tousser. Et où t'apportes toi, putain. On l'accepte. Venez pour la radio s'il vous plaît. Allez voir l'adjudant chef pour la radio. Du coup on vous a dit quelle fréquence c'était? Non, pas encore, il va m'expliquer tout ça. Ouais, parfait, donc je vous en donne une. Oh putain. On a fait des petites exercices basiques, un peu de course, voilà, des pompes, des assurances. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais voir comment réagissent les personnes. Salut YL anonyme du 29, comment vas-tu? Tu veux rigoler? Ah, monsieur Banks, je fais mon colonel, il faut qu'on y aille. Hein. D'accord, allons-y. J'ai réussi à avoir le ticket resto. Vous me dites, Castevo, vous voulez pas mon numéro? Parce que si jamais vous avez quelque chose d'urgent à me dire directement, ce sera peut-être plus simple. Ouais. Comme fait souvent ça, Pape Name, il a raison. Bah, il est sur l'intranet, de toute façon. Je le récupérerai là-bas. Il est pas sur l'intranet, non? Parce que j'ai... Tout simplement parce que je l'ai pas mis. C'est le 0692. Oui. 83. 44 72. Impeccable, c'est bien pris. Non, mais alors vous. Non, je rigole. Ouais, oui, allô. Oui. Voilà, okay, mes oreilles. C'est bon, c'est bon. La hiérarchie, il y a 90 voilà. Décibels. Et par contre, c'est parfait. Bon, très bien, merci. Vous me contactez au besoin, n'est-ce pas? Impeccable. Parfait, bon, à plus tard, messieurs. À plus tard. À plus tard. Moi je comprends rien ce qui se passe. Ou tout à l'heure si vous voulez bien. Tout est opérationnel.
5 sur 5, ouais, bah oui, chef. Parfait. Ah bah oui. Du coup, nous on va partir en patrouille, là on doit partir urgemment. Attends, du coup, c'est tout bon pour les nouvelles recrues là. Il y en a un dernier qui passe. Il y en a un dernier qui doit passer l'entretien, il est là-bas. Voilà. Là, vous attendez votre réponse, c'est ça? Oui, affirmatif. Du coup, donc, pour ceux qui seront pris demain soir à partir de 21h15, rendez-vous ici, il y aura un convoi directement, ou alors on vous donnera rendez-vous à 21h30 au niveau du port. Il y aura un bateau qui vous emmènera à un entraînement de haute difficulté pour tout ce qui est gendarmerie et armée. Donc préparez-vous, il y aura beaucoup de parcours de nage, d'apnée, de saut, d'obstacles et plein d'autres choses. Donc préparez-vous, voilà. Très bien. Ça va être du hard. Là, demain ça va pas gazouiller les gars, je vous le dis. Hein. Ça risque de chatouiller. Il donc, est fou. Tout le monde... elle est où Charlie? Bah je sais pas. Bah attends, je vais l'appeler. Elle se fiche de moi en fait, hein. Elle se fout de ma gueule, elle se fout de ma gueule. Mais je sais pas où est-ce qu'elle est. Hein. Je sais pas non plus, ouais. Je l'ai même pas dans mes contacts en même temps. Bah ouais, essaye de refaire un call radio. Pardon, je l'appelle. La oui, allô. Oui, Charlie, tu es où? Oui, là je suis au centre-ville. Pourquoi? Hein? Et pourquoi? Oh, parce que je l'ai un peu trouvé un peu. Radio. Je leur ai dit que je revenais dans 10-15 minutes. Ah bah ça collègues. Fait plus que 10-15 minutes là. Ouais je crois. Eh bah pas. Oui. Oui dis-moi. Eh bah on vient te chercher. Ah d'accord. T'es où? Vas-y je t'envoie ma poche. Parfait, on arrive. Où il y a les cubes. Parfait, on arrive, de suite. Ok. Elle est où? Bah encore en ville en train de flâner. Elle leur a dit oui je reviens dans 15-20 minutes. Elle croit qu'elle peut faire des pauses toutes les heures ou c'est comment? Punaise. Vas-y, dis-moi où est-ce qu'elle est. Au niveau des cubes, parking central, je crois. Pourquoi on a un appel? Attendez. PAM 1, colonel et adjudant-chef Lara, on part en patrouille et on récupère l'adjudant, n'importe quoi, excusez-moi. Le brigadier Charlie. Ils m'ont entendu, radio? Oui. Personne me répond. Nickel. Pourquoi j'ai une alerte sur mon GPS? Oui, moi aussi, c'est rien. Ah bon? Ok. Mais c'est quoi ça? Ah ouais. Brigadier Vogel pour le colonel. C'est moi, hein. Et vous dites colonel pour le brigadier Vogel. Allez-y. Vogel? Vogel. Colonel pour le brigadier Vogel. C'est un bâtard. Non, en fait, c'est que j'avais TF1 devant moi et donc du coup, il me disait qu'en fait, vous étiez parti pour jouer, mais en fait, on n'a pas ramené la juge. Vous avez déjà rencontré. Bah oui, vous chargez de TF1, vous les emmenez avec vous si vous allez en. Patrouille. Si vous allez en patrouille. Affirmatif. Mais attendez, on ne devait pas ramener la juge? Je sais pas où est-ce qu'elle est. Bah attendez, je vais l'appeler. Je croyais qu'on devait la ramener, je vous assure hein, que il me semble. Hein. Je l'appelle de suite. Oh ah punaise. Ça s'arrête pas hein. Oui, c'est l'adjudant Lara, vous êtes où? Bah je suis toujours à la gendarmerie, j'attends le brigade de chef, le fort. Ah très bien, ok, bah il va arriver je pense, vous attendez depuis longtemps? Bah oui, ça fait quand même un petit moment. Ok, bah je vais le relancer radio, sinon je vais charger quelqu'un d'autre, du coup. D'accord, merci beaucoup. Bah je vous en prie. Ouais, à bientôt. Bon courage. Merci à beaucoup, bientôt. Vous aussi, au revoir. Merci. Adjudant Lara, pour Centrale, il y a la juge qui est toujours à la gendarmerie, qui attendait le brigadier Lefort apparemment pour la raccompagner. Donc s'il n'est pas là, quelqu'un peut s'en charger, s'il vous plaît. Et le colonel me dit que la juge est célibataire. Affirmatif, je m'en occupe, le père. Très bien, Leclerc, ça m'étonne pas de vous, merci. Tu m'étonnes que c'est Leclerc qui s'en sert. C'est un truc de fou. Ah, j'en peux plus. Je suis Lara. Ah. J'ai mis la position si pour retrouver Charles. Bien, Leclerc, parce que là, vous, allez, vous pouvez aller loin. Bonsoir, puis-je te demander une note sur 10 pour le RP du serveur Hexagone?
D'après toi, Copurp, que vais-je répondre? Je vais répondre à 1 million sur 10. Enfin, ça dépend des gens. Après, je peux pas contrôler le RP des gens qui savent pas RP, tu vois, malheureusement. Ça, c'est pas du tout de mon ressort. Mais en général, ouais, tout le monde a un bon RP. Le serveur fonctionne bien. Ça fait un peu plus de 15 jours qu'on a ouvert. Franchement, on est une centaine de joueurs tous les soirs, donc ça fait que accroître. Que accroître. Voilà. Est-ce compliqué de rejoindre le serveur? Je t'avoue que j'ai bientôt 21 ans et tombé sur des serveurs remplis d'enfants qui trollent. Alors pas du tout. Il faut savoir donc c'est whitelist plus de 18 ans, donc si t'as 21 ans c'est parfait. C'est pas compliqué dans le sens où bah comme tous les serveurs RP, il faut déjà que tu lises bien le règlement, que t'aies des bonnes notions de base du RP. Après c'est pas compliqué à partir du moment où voilà t'es un bon joueur RP, t'es quelqu'un d'intelligent avec du discernement. C'est pas compliqué. Tout le monde fait des erreurs. Si tu veux savoir, donc il n'y a pas de raison, tout le monde est le bienvenu. Et sache que le staff dont je fais partie, je fais aussi partie du staff, tout ce qui est HRP et troll, etc., c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté sur le serveur. Donc sache que s'il y en a, ça fait un aller-retour sans retour, si tu vois ce que je veux dire. Donc non, t'inquiète pas pour ça, on veille au grain là-dessus et il n'y a pas de. On fait en sorte d'avoir un serveur de qualité, donc faut pas s'inquiéter. C'est bien passé, ça va, vous. T'as fait des bonnes courses, non? Ça va, bah oui. Tu parles des bonnes courses, oui. Qu'est-ce qu'il y a? T'as fait quoi en fait? Pourquoi t'étais là? Hein? Pourquoi t'étais là? Je voulais me promener en fait. Mais pourquoi faire? Attendez, monsieur, dame. Bah oui. Je te signale qu'on est allé libérer un détenu de la prison en liberté conditionnelle. Ah bon? On n'était que deux à y aller, bah oui, avec la juge. Ah bon? Eh oui. Eh bah oui. Bah. Je sais que moi j'étais là quand il y avait la juge et après, après je me suis occupée des. Ceux qui allaient se faire recruter à la gendarme, là. Gendarmerie, pardon. Ouais, c'est vrai que tu leur as fait une séance de yoga. Je leur ai fait. Tiens, je t'envoie le lien. Ah, merde. Mais il l'a fait, du coup. Même avec le colonel Eddy, on a fait plein de choses avec eux. Parfait, parfait. Il n'y a pas de candidature à poster, Copur. Du coup, ce que tu fais, c'est que tu suis les annonces whitelist des prochains entretiens. Et après, tu prends le temps de lire le règlement et tout ça. Et voilà. Vous avez vu sur la tablette, il y a un truc. J'allume plus les tablettes, moi. Ah ouais? Moi je fais de la gendarmerie au feeling, vous voyez? Ah oui? Ouais. Et arrête de me tutoyer, de me vous voyez? Bah je vous vois tous mes coéquipiers. D'accord. En fait, ouais. Putain, j'ai trop hâte de faire l'entraînement demain, je vous jure, j'ai envie de mapper encore là. Bonjour. Tu l'as vu? Non, vous avez rien vu. De quoi? Il y a un monsieur là. Bonjour. Oui monsieur. Oui monsieur. Je viens juste vous dire bonjour. C'est bon. Ah bon? Ouais, bah, bonjour. Bonsoir. Ouais bonsoir. Bah, bonsoir. Ouais. Le temps passe vite en ce moment. Hein. Bon, allez. Bonsoir. Oui allô. Oui mon adjudant, est-ce que je peux vous voir urgemment? Oui, me voir ou... Attention. Oui, pardon. Le colonel, raison. Directement à la gendarmerie parce qu'on vient tout juste d'arriver en ville. Pourquoi veut toujours partir de la voiture, quoi, aller au téléphone? Je peux me porter sur vous, sinon. Mais si vous voulez, c'est, quel sujet? Ouais, c'est ma carrière, c'est TikTok, maintenant. Vous faites TikTok, vous? Très bien. Monsieur le colonel, c'est... grave, oui. C'est au sujet d'un de nos agents, Leclerc, il y a des choses graves. Il faut que l'adjudant-chef Castevaux s'entretienne avec nous urgemment. Est-ce qu'on vous donne un lieu de rendez-vous? Est-ce que j'ai le temps d'aller au McDonald's? Est-ce qu'on a le temps d'aller au McDonald's? Rejoignez-nous au McDonald's. Je vous offre un Big Mac. Qu'est-ce que vous? Ça arrive. Parfait. Je vous attends au McDonald's. Ça vous va? Ok, parfait. Il a raccroché. Je suppose que oui. Je vais lui offrir un menu Maxi Best Of pour le trajet. Moi, je veux phasmophobia. Jamais de la vie. Je fais plus ça. Ils ont plein de trucs, hein. Mais qu'est-ce que tu me vois, Ragwin? Attendez, ça sent trop bon. J'espère qu'il y a quelque chose, hein. J'espère aussi. Bonjour. Et prenez pas tout, hein. Vous mangez pas tout, non, merci. La police nationale, on a. Moi, je commande avant vous, moi. Ça y est, je fais même pas la queue. La gendarmerie et la police. Non, je passe pas derrière Lara, hein. Comment ça, tu passes pas derrière moi? Tout de suite, je suis un gros.
un gros porc. Manquer de la foule. Enfin, je connais la médecine. Voilà, je veux ça. Il y a trop de trucs. Il y a de la chaise au lieu de... C'est pas un cheeseburger ici, c'est un chaise-burger. Merci. Je sais pas, je prends un peu de tout. Il y a du chaise, il y a du chaise, il y a du triple chaise et il y a du double chaise-burger. Il y a du chaise. Alors, je vais prendre un tasty. Les gendarmes sa tactique. Je vais prendre un Big Mac. Oh la gourmande. Je vais prendre un triple chaise. Ça m'a rempli. Et je vais aussi goûter le chaise normal. Je vais voir la différence si vraiment il y a une différence. Juste pour tester. C'est le triple cheese, pas le. Bah, il y a écrit chaise. C'est H-E-2-S-E. Donc, moi je dis chaise. Ah bah, je sais pas alors. Le triple chaise. Et du coup bah, par contre. Et j'ai pris une Red Bull. C'est mauvais pour la santé, mais je le prends quand même. Allez, c'est bon, c'est commandé. Le triple cheese, ça remplit vraiment toute. Le triple chaise. Oh là. Je vais en prendre encore, attends. Oui, prenez un triple chaise. Je vais me prendre un Red Bull. Moi aussi, j'ai pris un Red Bull. Je vais en prendre 3. T'en as pas marre de me copier. Ah ouais, mais je pensais qu'il fallait. Ah ok. Attends, la oui. Red Bull donne des ailes. La triple chaise. Voilà, ça va me carburer un peu le Red Bull. Tu as peur. Moi, j'aime pas les trucs d'horreur. J'aime pas trop. J'aime pas trop en fait, je vous avoue que j'aime pas. Ouais, c'est vrai, je suis pauvre, j'ai 15 balles. Big Beefy Bliss, Big Mac, double quarter pounder with cheese. Putain, ils ont l'air bons ces burgers. Pourquoi on n'a pas ça? Que je vous ai. Ça me donne envie de prendre un McDo maintenant tout de suite. La tactique du gendarme. Non, pas maintenant tout de suite. Hein. Par contre, si vous avez faim, regardez les hamburgers, comment ils remplissent bien le ventre. Oh, waouh! Wow. Oh oui, putain! Oui, oui, effectivement. Incroyable! Je préfère enfin, on en a pour notre argent. Je préfère Burger King. Mais largement, franchement, ça, c'est pas excessif. Une hein. Petite Red Bull. Et on est reparti. Voilà, on va être excité là avec le Red Bull. Je vais prendre un menu pour deux castevaux qui m'emmerde pas quand il arrive. Quoi? Jamais. Moi je vais reprendre autre chose aussi encore. Oui, moi aussi je vais reprendre autre chose, j'ai pas assez faim. Manger. Manger, manger. Ah oui, il y a plus de coca. Ah oui, je comprends. Hein, j'ai pris je vais prendre un Big Tasty. Valide. Avec un 280. Ah si. Non, il y a plus de Big Mac. Et je prenez un triple chaise, colonel, il en reste. Il valide et après il reste quoi un triple, des triples chaises et des chaises normales. Ouais, allez, arrêtez il y a même des doubles chaises. Ok, en plus c'est par 5, putain. Et je prends une petite Red Bull, je prends la dernière. Okay. M'excuserez. Moi je vais prendre une salade. Red Bull voilà. Donne des ailes. Il y a plus de Red Bull, je suis désolé, j'ai pris la dernière. M'en voulez pas. Hein. Ah, y a pas de soucis. C'est pour. Vous êtes tourment, ben. Là je suis dans le chef Castevaux, il fait toute la route, je lui dis de venir au McDo. Y a pas de soucis, mes gendarmes. D'accord. Du coup c'est pour la route, pour le dédommager. Je pense qu'il faudra beaucoup de stock. Ah oui, oui. Affirmatif, ouais. Oui, ça part vite, dis donc. Eh oui, c'est moi qui ai tout mangé. Allez, voilà. Ah, mais t'inquiète que moi j'ai pris plein de trucs. Moi, hein. Je l'ai pas encore fait, panique. Moi, je suis tranquille. Ça se lave plus. C'est vous ? Oui. Alors, je vous ai pris un gros menu. Castevaux, je vous ai pris à manger. Je vous ai pris à manger, tenez, pour si vous avez un petit creux. Je vous ai pris. Une Red Bull, faut un peu vous mettre d'énergie. Je vous ai pris un triple chaise. Oui, vous allez bien ? Je vous ai pris un Big Tasty. Très bien, très bien. Et bon, je vous ai pris un chaise normal. Voilà, tenez. Bonjour, monsieur. Ah monsieur. Bon ? Mais pas du tout, c'est pour la route, le trajet. Oui, dites-moi. C'est jamais. Ah, voilà, c'est. Mangez-en parce qu'il faut faire. Et si vous en mangez un, croyez-moi que ça vous remplit le bide. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez voir ça avec. Il faut voir avec de la street. Ah, bah tiens, j'étais avec ce monsieur. Il est où la street ? Mais il y a des supérieurs. Parce que je vois pas tous les murs. J'étais avec ce monsieur quand je. Juste là. Vous avez pas un numéro d'un supérieur que je pourrais contacter au cas là, juste ici. Juste allez-y, monsieur Castevaux. Pour quel sujet ? Je sais pas, monsieur, veut voir un supérieur. Un contrat. Un allez-y. Contrat ? Vous voulez postuler ? Ouais, avec... Non, non, c'est un contrat, justement, c'est pour être bénéfique pour vous. Pour dépenser moins d'argent. Contrat de ? En gros, tout le temps, vous allez au McDonald's pour dépenser de l'argent. Et là, le KFC, bah, il va être repris par moi, là, bientôt, normalement, je dois recevoir les clés. Ah, vous voulez faire un appel d'offres. Et en gros, vous aurez une réduction sur tous les trucs que vous allez acheter. Bah, moi, je préfère les Hot Wings, hein, je vais pas vous gâcher. C'est spicy, en plus. J'adore. Non, bah, justement. On prend, enfin, justement, des pourcentages sur vos commandes. Vous faites les potatoes. Non, il faut les Kentucky Fries, bacon et cheese. Ah, je connais pas. Je connais un carton KFC, on avait des frites et potatoes. Hein. Là, pour l'instant, j'ai pas encore les clés, donc j'attends quelqu'un qui va me donner les clés. Pour l'instant, ça pas encore. Y a personne qui m'a répondu.
Mais ça veut dire le staff a pas répondu, lui a pas donné les clés, c'est exactement ce que t'avais dit. Pour vous livrer en gros et vous stocker ça et puis. Ah bah non, on peut pas stocker des trucs chauds comme ça. Faut qu'on les mange maintenant, sinon c'est dégueulasse après le lendemain. Bon, certes, mais les petits trucs, par exemple, on va faire des salades et tout, donc ça encore. Attendez, je vais. Je sais pas si vous êtes intéressé. Non, attendez. What? Je comprends pas en fait pourquoi vous. Bah, ça vous permettrait de dépenser moins d'argent grâce à un pourcentage. J'ai pas compris, vous. En fait, vous je vais faire un partenariat avec nous de façon à ce qu'on ait des menus récurrents et des prix récurrents sur les. Non, au KFC. Ah, au KFC, ah. Non, voilà. KFC a ouvert Bah, là, normalement, on doit me donner les clés, mais y'a personne qui répond. Donc, je les attends juste et après, ouais, d'accord. Vous êtes le patron en gros, personne n'a donné encore le set job côté staff. Vous êtes le patron, c'est ça? C'est ça, monsieur, c'est ça. Monsieur d'accord. Est-ce que vous savez comment ça se passe au niveau des commandes? C'est-à-dire? Mais il faut vous commander tous vos ingrédients à l'import-export. Hein. Oh ouais, il faut que je commande tout. Et vous avez peut-être une clé? Allez, venez, on va voir au KFC. Venez, on va aller voir. Et si vous avez non, les mais clés. Attendez, parce que là, il faut qu'on s'entretienne avec deux castevaux, mon collègue. Ben, c'est urgent. KFC. Ah oui, c'est vrai. Vous avez un bureau, quelque chose au KFC pour qu'on puisse s'entretenir là? Du tout, on a la salle arrière. Okay. Parfait. Oui, parfait. Mais on va s'entretenir dans la salle arrière du KFC, vous venez? Ça sera un lieu neutre. Moi, je monte avec vous. Montez. Ouvrez la caisse. Pardon? Non mais. Ouvrez l'auto, colonel. Mais arrêtez! Ouvrez l'auto. Bonjour. Oh colonel!
Bah. Tout va bien, monsieur ? Non, oui. Qu'est-ce qui se passe ? J'attends, c'est tout. Vous attendez quoi ? Non, rien, j'attends. J'attends le temps que le temps passe. Que le temps passe, d'accord. Ouais. Parce qu'en fait, je lui ai dit, j'ai l'impression qu'il arrête pas de nous suivre depuis tout à l'heure. Bah, non. Loulouloulou ! D'accord. Merci, petit prince, pour ton follow. Voilà. Bon, je vous allez bien, comme d'ailleurs. Ça va bien, bonne dame. Bon, je sais pas ce qu'ils font les autres, hein, mais bon. Mais je sais pas qu'ils sont. Mais ils sont au McDo. Ah bon ? Ben oui. Mais qu'est-ce qu'ils font au McDo ? Ben je sais pas, ils attendent. Ah ben on sait pas. Donc là, il faut que je me monte sur un port export du coup, tous mes trucs. Oui, monsieur. Mais il n'y a pas de rubrique des commandes. Il n'y a que candidature dans le truc. Ça y est, Boruto, il peut utiliser les émotes, il est content. Vous avez déjà regardé, il n'y avait que le truc candidature dans... C'est un petit truc, donc je sais pas comment ça se passe. Comment ça, c'est-à-dire ? Bah ouais, sur Intranet, donc sur le truc entreprise. Mm-hmm. L'import-export, ils ont que le petit truc candidature, ils ont pas de... Ah oui, il faut prendre contact avec eux, ouais. Ouais. Oh, okay. Faudrait aller voir, n'hésitez pas à aller voir même au ruban pourpre, etc. Ils doivent avoir le contact. Je sais pas, c'est... Voilà, je vais voir. Alors, faut que je set job des nouvelles recrues. Alors... Et des joueurs, 63-1... 105-1. Parfait. Mais ils sont... Ah bah ils sont là. Bon, on s'entretient à l'intérieur. Pour l'instant, il n'y a pas grand monde. On vous prend votre salle, monsieur. Ouais, allez-y, allez-y. Merci, monsieur. T'es où ? On reste là ? Oui. Ok. Bien. Zone neutre, comme ça personne pourra nous retrouver. Bon, quel est le problème ? Vous avez eu le temps de lire mon rapport ou pas ? Alors, il est ouvert. Parce que du coup, ça va s'ajouter à ce qui est déjà écrit. Donc, je cite, le brigadier Leclerc se rend coupable de fautes graves, etc. Donc, pendant le transfert de monsieur Benazac, tac, suggestion refusée 3 fois. Donc, en gros, il en fait qu'à sa tête, quoi. Pour ce premier point, oui, c'est ça. De plus, du coup, sur le rapport, vous avez moi-même, monsieur Lane et le maréchal des logis Pappenheim également. Très bien. On est 3 sur le rapport. Donc en fait, donc clairement vous lui donnez des ordres, il n'accepte pas les ordres quoi. Déjà. Donc il s'est rendu au stand de tir sans ordre de départ, c'est ça ? Bah mieux, j'avais interdit de sortir le MP45 des casernes, celui qui avait été confié par le colonel pour le transfert, et il allait tirer avec. Donc oui, donc c'est complètement. Alors bon, le mieux vient quand même d'être porté à ma connaissance à l'instant par le seconde classe de la street. Oh, effectivement, on va dire qu'on a gagé une course poursuite. Le brigadier Leclerc a perdu son sang-froid et a pisté à plusieurs reprises les individus. Au bout d'un certain temps, il a carrément ouvert le feu sur eux en pleine ville. Et une fois qu'on a interpellé les individus, l'a matraqué. Après ça, les amis de l'individu en question sont arrivés, lui ont mis un coup de batte de baseball dans la tête et à deux doigts de me fracasser le crâne avec un pied de biche. Avec un peu d'échange, j'ai réussi à éviter ce coup de pied de biche. Ah oui. Effectivement. Ouais. J'ai failli laisser ma pompe, à plusieurs fois quand il pitait, j'ai cru qu'on allait passer. Ouais. C'était compliqué. Ouais. Donc concrètement, là, on part sur une mise à pied Au moins, oui. Non, au moins, oui.
Qu'est-ce que vous suggérez d'autre? Bah, mise à pied, radiation du tableau d'avancement pendant 2 semaines. Moi, ça me paraît correct. Et vous, colonel? Ça me paraît correct aussi, oui. Ouais, là, non, faut sévir, moi aussi, pareil, ça me paraît correct. On t'a pas demandé ton avis, Charles. Le dernier incident avec les cités, il va nous les mettre à dos. Ça fait que c'est tous les effectifs qui vont être en danger et tout le temps proche de la bavure. Là, bah, matraquer un mec qui était, il était attaché, c'est ça? Il était menotté. On se fait éclater par TF1, par la juge, par tout le monde. Ah non, mais là, il faut sévir urgentement. Tape-le la matraque, carrément. Ouais, on va le taser. Voilà, donc je pensais que c'était assez grave pour venir vous voir immédiatement dès que je l'ai su, parce que là, ça peut prendre des proportions. Ah, j'ai failli passer. Bah oui, en plus. Ah non, mais là, il faut plus que sévir, hein. Faut pas hésiter à porter plainte même. Hein. Porter plainte, dans un sens, lui, il y est pour rien, c'est lui qui a déclenché cette réaction. Mais bon, après, porter plainte contre les personnes en question. Après, j'ai le nom de la personne en question, ou les individus... avec ses amis qui sont venus matraquer tout le monde, c'était monsieur Ryan Yazubi. Je l'ai déjà interpellé plusieurs fois. Donc on va pouvoir émettre un avis de recherche sur lui, je pense. D'accord. Pardon. De toute façon, j'avais validé pour l'avis de recherche, hein. Déjà. Ok, ouais. D'accord. Ouais. Non, bah là concrètement, il faut mise à pied, donc comme vous avez dit, avec radiation, et j'en passe quoi. Même si on peut alourdir la sanction, il n'y a pas de problème. Combien de temps la mise à pied? Oula, j'ai presque envie de dire définitive. Aïe, dans ce cas, c'est radiation de l'effectif en fait. Bah là, je suis désolé avec toutes ces erreurs. Je sais pas, vous en pensez quoi vous? Tu veux dire directement? Carrément? Bah écoutez, en fait, on n'est pas. Le rapport, ça devait être justement le motif de mise à pied. En mode, je laisse la chance quoi. Mais là, c'est vrai que c'était cet incident en plus. Ça rajoute quoi. Donc, dans ce cas-là, on lui dit combien de temps? Une semaine. Mais bon, au bout d'une semaine, quoi, on lui refait confiance. Et il recommencera peut-être. Au bout d'une semaine, autant le virer direct. Quoi. Voilà, moi je suis d'accord. Bah, je sais pas ce que vous en pensez, colonel, mais là, ça fait. Bien sûr, beaucoup d'éléments en sa défaveur, oui. On va pas se mentir. Bon. Bon, bah écoutez, voilà. Peut-être lui arranger une place à la peine. Ah. Pardon, il avait l'air de vouloir remettre de l'ordre là-bas, donc... Ah bah parfait. Bon, ouais. Bon, comment ça parfait. Se passe, du coup, il faut le contact, enfin, il faut, je suppose, lui dire en main propre, alors, comme dans, on dit ça. Dans l'armée, normalement, c'est... Alors, ça devrait être un maréchal des logis, ou maréchal des logis chef qui s'en occupe, pour faire le lien avec les gradés. Il est là, Papenheim, du coup, ou pas? Non. Et on a Lane, maintenant. Ah oui, c'est vrai, on a Lane. Et oui. Et est-ce que vous pensez que Lane, c'est OK pour Lane? Parfait, bon, bah, ma foi. Donc en gros, aujourd'hui, Lane va lui notifier ça pour qu'il ait temps de préparer sa défense. Et c'est demain, ça. Il doit avoir un entretien avec monsieur le colonel pour... Parfait, et bah demain, affirmatif. Ouais. Très bien. Bah écoutez... Ouais. Je vais rentrer à la caserne, je vais mettre ça en place du coup. Ouais, c'est parfait, ça me paraît correct. Très bien. Excusez-moi. Que je vois d'accord. Ça quand il va se faire virer. C'est pas drôle en fait. Hein. Oui, pardon Lara. Mais j'ai jamais vu ça donc. Faut bien que j'apprenne. On a du boulot. Ouais. Papenheim vient d'arriver. Parfait. Bon, est-ce que vous avez besoin de notre présence ou pas spécialement? Non, vous, on aura besoin de vous demain, du coup. Oui, bah c'est ça, demain. Bah, faut essayer de faire ça avant les entraînements, parce que les entraînements vont prendre un paquet de temps. C'est ça. Faut essayer et de on doit faire ça le avant. Lien, en gros, ça doit passer par le sous-officier. Donc, c'était jusque-là, Papenheim ou Lane. Et ensuite, seulement, ça passe aux officiers. D'accord. C'est la procédure militaire. C'est ça, très bien. Parfait, ouais. Bah, on va déjà faire le début de la procédure, et puis vous me tenez au courant si jamais il y a besoin. Bonjour. Bonjour. Parfait, on va sortir comme ça. Oui, on sort. Tu m'as vendu le serveur, je participerai au moins au prochain Vogue Whitelist. Ah, ça marche, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Hop là. T'as entendu ce qu'il a dit? Je laisse pas passer ça par contre. Il a dit ouais, sortez, c'est mieux. Comment ça, sortez, c'est mieux, on va rentrer, c'est mieux. Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est quoi? Vous adressez à qui là, monsieur? Vous adressez à qui comme ça, monsieur, s'il vous plaît? Ça va que vous parlez?
Bah oui. Bien sûr, vous voyez quelqu'un d'autre à qui on parle? Bah y'a des clients partout, donc je pensais pas que vous parlez. Sortez c'est mieux, vous pouvez vous adresser à qui? Par rapport à quoi? Qui a dit quoi? Sortez c'est mieux, vous vous adressez à qui? Ah je parlais pas à vous, je parlais aux autres clients. Bah je parlais aux autres clients. Ah, il s'agirait d'assumer. On perd ses couilles. On perd ses couilles, c'est qui dit ça? Après, juste une chose monsieur, pour l'instant il n'y a pas de clients, il n'y a que nous parce que le truc il est même pas encore ouvert. Effectivement, ah bon, bon, fermé. Parce que les portes sont ouvertes, on a ramené le patron ici pour qu'il récupère ses clés. D'accord, bah, y a des clients quand même. Y a des gens qui sont venus, ils ont cru que c'était ouvert. Mais là, c'est reparti. On a laissé rentrer personne, que je sache. On va pas s'inventer des clients non plus. Monsieur, on vient de rentrer. On vient de rentrer. Donc du coup, si vous voulez assumer, c'était pour qui le propos Ah bah j'ai pas laissé comme ouais. Ça. J'ai pas fini monsieur, on part comme ça comme par lâcheté s'il vous plaît, vous pouvez me dire à qui s'adresser donc du coup votre phrase. Madame, il est en train de parler, faut pas couper la parole. Mais je vous parlais à vous, c'est vous qui m'avez carrément coupé en partant. Donc, prochaine réflexion comme ça, c'est un outrage, je vous ramène au niveau respect, outrage, on n'est pas... À quel moment il y a mais y a je l'outrage. Vous parle, vous partez, vous vous appelez ça comment vous niveau respect, on est sur une jauge de combien de 0 à 100 d'après vous? Il cherche du boulot, c'est rien de prendre, waouh. C'est incroyable hein. Il a rien dit mon collègue. Je parlais avec lui de quelque chose qu'il ne veut pas assumer au niveau de sa phrase, il s'enfuit et il me répond pas. Je ne m'enfuis pas. Bon vas-y viens on se casse. La discussion est close, il n'y a aucun outrage. Sur ce, bonne journée. C'est pas vous qui décidez quand partir, revenez là. Ah ouais non mais c'est un truc de fou hein. C'est un truc de fou. Attends, je suis inculpé de quelque chose là? Non mais c'est pas vous qui décidez quand la conversation prend fin, on n'est pas aux États-Unis. Bah bien sûr que si. Si vous avez aucun motif pour me garder, je peux m'en aller. Par contre, si vous m'arrêtez, j'espère que vous avez de bonnes raisons. Et clairement, qu'il y a l'avocat de Wish là. L'avocat de Wish, pardon. Il a pété un plomb. Vous manquez de respect, le code pénal mieux que nous. Et où wesh? Bah je le connais. Après, si vous le connaissez, qui vous dit qu'il a pas heures comme je veux. D'accord. Alors, vous voulez juste discuter par rapport à sa phrase. Vous avez dit vous-même, monsieur, qu'apparemment il assumait pas. Donc, apparemment, il a pas assumé. Je repose la question et il s'en va. C'est juste que je veux savoir, s'il vous plaît, messieurs, si cette phrase nous était destinée et si c'est possible, du coup, d'assumer. Parce que votre collègue, juste à ma droite, a dit que vous assumiez pas apparemment vos propos. D'accord, mais. Vous n'hésitez pas à dire, monsieur. Vous pouvez me garder 72 heures, ok, pour quel motif? C'est ça on la question. On peut pas être regardé vu pour rien, 24 heures en France. C'est pas moi de répondre à vos questions. Bah, si on ressente le débat, voilà, ressentez cette petite phrase. Attends, s'il te plaît. Non, mais vous allez pas nous la faire comme ça, Robert, là, on a passé l'âge. Monsieur, à partir du moment franchement, vous avez pas d'autres choses à faire. Oh frère, Nabil, laisse-moi parler, s'il te plaît. Mais vous savez qu'on est calme jusqu'à présent, ça sert à rien de s'énerver, monsieur. Si vous m'interpellez, vous êtes obligé de me dire les chefs d'inculpation. Donc expliquez-moi, là, c'est quoi que vous me reprochez là? Vous êtes interpellé là ou pas? Bah voilà, donc dans ce cas je peux m'en aller. Passez une bonne journée. Waouh, vraiment putain. Bizarre les gens quand même. Hein. Vous voyez au final, c'est moi qui mets fin à la conversation, pas vous. De quoi? J'ai au final. Ouais, moi je laisse tomber les gens comme ça, laisse tomber, j'en veux pas, bougez pas. Hop là, je prends les noms aussi parce que franchement le RP comme ça m'intéresse pas du tout. Ah bon. Ils ont aucun. Ça me saoule en fait. Je suis au volant d'un véhicule. Je suis monté dans un véhicule. Je sais pas moi, ils font aucune scène en fait. C'est pour nous, on est de la police donc on va les emmerder. Donc ils fuient et ils sont là, ouais. Quoi? Vérification du véhicule et tout maintenant. Ça me gave en fait. C'est insupportable. Hein. Vous venez sur le serveur pour quoi faire? Vous voulez des scènes ou vous voulez juste vous tourner les pouces et faire les caïds? Moi, sérieux, ça me saoule. Ça me gave en fait, c'est insupportable. Il y a zéro RP, les mecs on n'est pas méchants, genre juste on est là, ils lâchent une phrase, ils sont exprès de provoquer et après ils viennent râler parce que derrière on va les revoir en fait. Bon vas-y moi je vais manger. Je comprends pas le délire quoi, frère c'est... Tout à l'heure je m'a traité. Alors il y a eu une provocation de la part en disant ouais vous ferez mieux partez ouais en nous parlant à nous. Il y a eu derrière. Je vous ai jamais regardé quand j'ai dit ça. Alors donc, c'est pour ça qu'on est venu vous revoir pour vous demander. Votre collègue l'a dit que vous n'assumiez pas cette phrase monsieur. Concrètement spécifiquement à notre phrase quand on a dit allez on s'en va. Je vous ai dit je ne parlais pas à vous. Donc si vous avez le moyen de prouver que je parlais à vous. Votre collègue a dit que vous assumiez pas. Que je cite vous ne portiez pas vos couilles. Bon tu t'as dit ça toi? Oui. Franchement, je m'en rappelle plus d'avoir dit ça. Et ben moi, je m'en rappelle, vous en faites pas, il y a des caméras devant le KFC, croyez-moi, je m'en rappelle. À qui appartient ce véhicule? Je ne sais pas, on est venu, il était là, moi personnellement, je m'avais pas vu. Regardez comment ils sont anti-jeux, c'est chaud. Vous êtes arrivés à bord de ce véhicule tous les deux. D'accord, mais bien sûr, dans la vie réelle, ils parlent pas comme ça. Appelle-moi quand t'as fini avec eux. À quelqu'un de là, il y a aucun officier gendarmerie, aucun officier police, enfin, c'est.
Vous en êtes descendu. Franchement, flemme, vas-y. J'ai jamais descendu. M'a saoulé. Laisse tomber. Attendez, mince, je voulais pas monter avec vous. Désolé, je croyais que c'était le colonel. Oh putain. Allez-y, allez-y. À tout seul, je peux pas. Bah oui, merde, le pauvre. Bah ils veulent pas l'entendre, bah crois-moi qu'ils vont l'entendre, tu vas voir comment ils vont l'entendre. Dernier avertissement. Je vais utiliser. Sinon quoi, vous allez vous embarquer. Je vous embarque. Pour rébellion. Rébellion ? Je me rébelle pas. Je suis en train de vous. Vous refusez d'obéir. Non mais. Oui, allô ? Monsieur, il y a la gendarmerie quand même qui vous parle, vous pouvez pas partir comme ça et faire votre caïd, on est bien d'accord, vous devez respecter quand même un minimum de respect envers l'État. Enfin, je sais pas, ça vous paraît logique ou pas, dites-moi. On lui a dit de circuler. Vous m'avez dit de circuler, c'est pour ça que je suis parti, madame. Ah bah super. Voilà, monsieur. Juste que j'ai même pas le temps de me prendre la tête, en vrai, vraiment. Eh ben nous non plus, croyez-moi. Putain, c'est dingue, il y a quand même des dépositaires de l'autorité publique, ils comprennent plus rien. Non mais laissez tomber. Ouais. Ils doivent faire ça toute la journée pour s'entraîner, en oui, fait. Oui, je pense. Ouais. En tout cas, vécu, t'es volé là. Ouais, bah oui, c'est étonnant. Ouais. Bref. Ouais, c'est pas grave. Sachant que la fuite de son collègue, ça suffit pour l'arrêter lui, mais j'ai même pas envie de me taper une heure de cellule. Non, vous l'avez certainement pas, vous allez perdre votre temps là, clairement. Avec un Pokémon rare comme ça. En fait, c'est ça, nous on a même pas envie de jouer derrière avec des gens comme ça qui frère, ça y est. Un Pappenheim et puis on va notifier le clair. D'accord. Bah, merci de nous avoir reçus en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Y'a pas de soucis. Pas de soucis, bah vous tenez au courant. Ah merci. Oui. Ah mon colonel, oui. Je voulais vous demander. Oui. Ah ouais, moi je vous jure, ça me gave. Hein. Il y a de ça, moi, y a ça tellement souvent. Je sais pas, les gens ils vont quoi en fait à. Ils sont crus sur GTA Online, je crois. Il a déco où je rêve, je sais pas, je m'en fiche. Concrètement, je m'en fiche en vrai. Il a le droit de vous mentir. Oui, il a le droit, mais en fait, c'est le refus de scène. C'est en mode, les mecs, ils sont là, on dirait qu'ils sont anti-scène. Tu vois, ils font un truc, ils provoquent, et derrière, ils vont fuir le truc, ils vont pas assumer. Tu vois, moi, j'appelle pas ça du RP. Si t'es là juste pour provoquer et te barrer après et fuir et fuir toutes les scènes RP, je vois pas l'intérêt. Tu vois ce que je veux dire, Copurp ? C'est bien sûr qu'il a le droit de mentir, mais c'est ce fait de rejeter les scènes comme ça et d'avoir aucun respect envers la gendarmerie, etc. De base, il y a rien eu dès le départ, c'est eux, ils ont pété un plomb, tu vois, genre, il y a pas lieu d'avoir des scènes aussi pourries que ça. Eh ben... Ouais. On va patrouiller un peu. Enfin bref, hein. Exactement. Allez. Du coup, j'ai toujours sur ma tablette, Je sais pas, nous on est jamais casse-couilles, on essaie toujours de leur offrir des scènes, etc. Mais puis y en a, ils s'en foutent en fait. Ils en ont rien à foutre. Ils sont là, ils croisent tout de suite la police ou la gendarmerie. Regardez Charlie, où est-ce qu'on va aller, vous allez comprendre. Des messages subliminaux dans leur RP en mode web, barrez-vous, nanana, ça insulte, etc. Et après, quand on revient vers eux, ça assume plus et ça ferme la scène, tu vois. Ah oui, ça, je suis d'accord, Coco. Il y a quoi là-bas? Mais je sais pas, je trouve que c'est dommage, tu vois, de... Ah bon, en fait, c'est ça tout le temps, tout le temps. Oui. Rien n'empêche, IRL, comme tu dis, mais là, on est en RP, le but, c'est de jouer avec des gens et d'avoir des interactions. IRL, tu t'en fous d'avoir des interactions avec la police ou la gendarmerie. Là, en l'occurrence, on est dans un jeu, on est là pour avoir des scènes RP, et pas pour provoquer, rester en groupe et fuir, parce que là, va en online, tu vois, tu vas pas en RP, surtout sur un serveur whitelist. Moi je me remets devant dans la radio. Après il fait ce qu'il veut, hein. Si pour lui ça c'est son RP, bah grand bien lui fasse, tu vois, je pas. Je juge pas, c'est juste que pour les autres aussi qui sont en face, c'est pas. Y a pas d'intérêt. Enfin, pour nous, en tout cas, y a pas d'intérêt. What? J'ai même pas capté, frère. On les a. Non, moi c'est trop. Tout me va bien. Ouais, ça va. Ouais, ça peut aller. Oh purée. Oh putain. Oh, monsieur, ça motif, va. On est pas mal. Vous avez été choqué, il y a un choc. Quel motif monsieur, là ici, je vais appeler le. J'appelle le SAMU. Oui, appelez le SAMU. Monsieur, reste avec nous. Pardon. Vous allez bien, monsieur? Ça va. Ça va.
Oui, j'ai appelé, c'est bon. Monsieur, vous me recevez? Est-ce que vous me voyez? Non, moi ça va, c'est plus celui-là. Ouais, monsieur, reste avec nous. Allez, monsieur, reste avec nous. T'as appelé le SAMU? Oui, c'est bon. Ok. J'espère que quelqu'un va répondre par contre. Est-ce que vous avez mal quelque part, monsieur, ou pas? Ah putain. Oui, dites-moi. Ok, bon, je crois qu'il a... Il a perdu connaissance. Non, non, vous avez eu un accident, monsieur. Vous êtes au bord de la route. Oui, vous êtes avec la gendarmerie. Le SAMU va arriver. Bonjour, monsieur. Je sais pas s'ils vont venir, par contre. Bon, j'ai appelé. Oui, ça va. C'est juste en plus, faut que ça tombe sur eux, j'avoue. Ouais, ça réveille, quoi. Mais je m'attendais pas du tout à... Non, non, moi non plus. J'ai été plus sonné que... Je me suis pas fait mal, mais ça m'a sonné sur le coup. Arrivé. Vous avez tapé? Bah oui, bien sûr, c'est notre véhicule qui a tapé. Le problème, c'est que là, j'ai appelé le SAMU, mais j'ai pas de réponse. Allô? Ils font quoi les SAMU? Comment? Ils font quoi les SAMU là? Je sais pas, j'ai appelé. Non, c'est à côté, c'est pas loin. Et là, on peut pas le transporter pour l'emmener, on sait jamais. Bah, je sais pas, je crois pas qu'il y ait de pompiers, non. On voit quelqu'un pour les premiers soins, parce que un pauvre garçon. Oui, sinon, faut les emmener, mais là, il faut vraiment faire vite par contre, parce qu'il faudrait pas qu'ils perdent connaissance. Oui, mais là, faut me la dire pour le véhicule. Voilà, moi, c'est le SAMU qui m'importe là. Bah, s'ils répondent pas. Est-ce qu'on peut les transporter ou pas? Ouais, on peut essayer de l'allonger à l'arrière. Ouais. Je pense qu'il faudrait l'emmener parce que s'ils viennent pas, on va pas laisser là sur le bord du trottoir en attendant. Faut que quelqu'un le porte pour tenir et monte à l'arrière du véhicule. Ouais. Est-ce que vous pouvez le prendre dans le vôtre? Il est un peu plus grand que le nôtre niveau place derrière. Ouais, ouais. Parfait. Nous, on va accompagner monsieur du coup. Monsieur, vous allez monter dans notre véhicule, on va emmener votre collègue du coup directement à l'hôpital parce que les SAMU, j'ai pas de réponse. D'accord. Du coup, venez et vous allez monter avec nous. Pourquoi je monte avec vous en fait? Bah, parce que vous étiez aussi là pour l'accident donc. Vous pouvez m'aider à les mettre à l'arrière, dit un chef. Allez-y, je vous laisse monter. Ah putain. Par contre, c'est qui est en tort là? J'ai pas fait gaffe. Ça va, allez, monsieur. C'est qui est en tort? C'est eux? Ouais, bah oui. Très bien, merci. Vu que tu fais partie du staff, saurais-tu me répondre? Les Vogue Whitelist se font techniquement la journée. Alors, pendant la nuit, c'est rare. C'est plus la journée en fonction de la disponibilité du staff. Mais ouais, c'est plus la journée, ouais. Entre autres. Du coup, monsieur, vous pouvez m'expliquer les circonstances de l'accident? Comment? Vous pouvez m'expliquer les circonstances de l'accident? Je sais pas moi ce qui s'est passé, hein. J'ai juste vu des... On est passé devant vous, on a freiné, vous êtes rentré dedans du coup. Ah, je sais pas, je ne conduisais pas, moi j'ai... C'était votre collègue, bah oui. Voilà, donc moi j'étais passager. Et vous rouliez un peu vite quoi, c'est ça le problème. Moi c'est pas moi qui conduisais, madame, vous pouvez pas me reprocher ça. Oui, non mais par contre, vous, à vous deux quoi. En contre-sens en plus, ouais. C'est pas nous deux, comme j'ai dit, j'avais pas le volant dans les mains, moi je pouvais... Oui, je sais, mais je vous le dis à vous parce que vous étiez dans le véhicule, donc vous étiez conscient. Est-ce aussi... Qui je suis conscient de rien du tout, c'est le seul contrôle de son véhicule, moi je n'ai rien à voir dans ça. Je sais, mais je vous parle à vous, peut-être que vous avez des informations supplémentaires à me donner. J'ai rien à vous dire. Donc vous étiez amnésique pendant l'accident?
Exactement. Allez, je vois. J'étais paniqué. J'étais pas là, quoi. Là, en fait, j'étais tellement paniqué. Non, que... non mais alors ça va, lui. Voilà, j'étais en panique. Je voyais la police derrière. Je voyais que mon collègue s'arrêtait pas. Je ne comprenais pas. Donc, j'étais un peu. Vous étiez poursuivi par la police ? Non. D'accord. Pourquoi vous avez dit la police derrière ? J'ai dit ça ? Oui, vous avez dit ça, ouais. Ok, je comprends mieux. Non, je vous ai dit, je suis choqué, là, en vous fait. Vous êtes trahi, je crois. Je suis non, désolée. Tiens. Vas-y, vous êtes bien trahi, là, si je peux me permettre, c'est... Mais non, en fait, comme je vous ai dit... Ah, ça ne veut pas mentir. Parce que nous, on était devant, pas derrière. Hein. Si vous aviez la police derrière, vous alliez vite à contresens, peut-être ça laisserait penser une petite fuite, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, non, mais comme je suis choqué là de ce qui vient de se passer, j'étais un peu... Ouais, un peu flou, bah oui, oui bien exactement. Sûr. Exactement. Bah oui, c'est plus à votre collègue d'être choqué là parce qu'on l'emmène à l'hôpital, donc j'espère pour lui qu'il a rien. Parce que, voilà. Bah moi je suis choqué parce que je ne comprends pas comment elle a pu perdre le contrôle du véhicule. Bah moi non plus, j'ai un petit doute quand même, mais bon. Doutez, dans tous les cas, madame, je tiens à vous signaler. Parfait. Parfait. Ah, parfait. Je tiens tout de même à vous signaler que j'étais côté passager, qu'on peut rien me reprocher vu que je n'avais pas. Non mais je vous reproche rien. En fait, je vous pose des questions pour savoir si vous avez des détails sur l'accident. J'ai aucun détail. Si vous pouviez être coopératif avec nous de façon à ce qu'on puisse mettre la lumière sur ça, quoi. J'aimerais bien vous éclairer, mais comme je vous dis, je suis choqué. Donc vous voyez, je vous parle de voiture de police alors que mes idées sont un peu floues. Mais oui, là, oui, c'est ça. Ouais, voiture de police derrière vous en fuite à contresens. Ouais, c'est vrai que ça colle et pas trop. Surtout, quoi. Ne bégayez pas, surtout. Hein. Je ne bégaye pas, madame. Ça va, ne vous inquiétez pas. Je ne bégaye pas. Si vous pouvez me déposer. Très joli le chat, merci Coco. Si vous pouvez me déposer quelque part, ça... Ah mais pleurez pas aussi, ça va aller. Ah mais oui, c'est ça, madame. Tu vas... Bah, on dirait. Dans tous les cas, moi je veux éclairer sur le fait que vous étiez donc potentiellement peut-être en course-poursuite, donc je vais vérifier ça auprès de la police nationale quand même, parce que sachez que si vous étiez en course-poursuite, vous pouvez être complice de refus d'obtempérer, n'est-ce pas ? Je ne peux pas être complice, madame. Je tiens à vous signaler qu'un véhicule qui roule... À contresens, en fuyant la police, c'est un refus d'obtempérer et une délituite. Non, mais madame, c'est pas une complicité, je suis dans un véhicule. C'est un véhicule... roule à une certaine vitesse si je saute... Ou sinon à la police nationale. Pourquoi la police nationale ? Bah parce qu'on va éclairer cette histoire, puisque je pense qu'à mon avis, il y a quelque chose qui cloche. On va aller à l'hôpital. Qui tourne par où ? À l'hôpital, ouais. Je me sens pas bien. Là. Parce que monsieur a dit, alors bon, peut-être qu'il a perdu la tête, il a dit il y avait un véhicule de police derrière nous, donc j'ai pu comprendre qu'ils étaient pourquoi pas en délit de fuite. Mais comme je l'ai dit, j'ai pas les idées claires. Oui, je comprends, mais je vais quand même éclairer cette affaire. Hein, bah éclairer oui. Éclairer, ouais. Je vais allumer la lampe, voyez. Exactement. Voilà. Petit bac, tu me fumes. Oui, c'est Charlie à l'appareil. Qu'est-ce que vous voulez? À l'appareil, non mais. Vous pouvez répéter s'il vous plaît, j'ai pas très bien. Là, on est à l'hôpital, il y a eu un accident avec des individus, donc pour l'instant on peut pas se rendre sur place. Hein. Est-ce que vous voulez que j'envoie l'équipe TF1 directement là-bas? Bah si vous voulez, mais le problème c'est qu'on risque de repartir, partir, revenir, donc bon, ils peuvent venir, mais je pense que ça va être compliqué à. Pour gérer ça quoi. Affirmatif, bien reçu, je vois avec eux. Merci beaucoup, ouais. Merci beaucoup. Monsieur, suivez-moi, s'il vous plaît. Ouais. Oui, allez-y, madame. Monsieur. Non, c'est bon, pardon. Du coup, faut qu'on attende à l'accueil ou on attend ici? Oui, on va attendre. Ok. Salut, j'ai une petite question. J'ai rejoint le serveur Discord, mais je n'ai que 3 channels et pas un channel où il y a les Vox. C'est normal, le Snow, parce que tant qu'il n'y a pas d'annonce pour dire que les whitelists sont on, vous n'avez pas accès aux channels vocaux. Mais dès que ça sera on, vous aurez accès, t'inquiète pas. Sur ce, vas-y, ça marche, Coco. Merci à toi et bonne nuit. Dors bien. Je vais aller à la police nationale. Enfin, je sais pas, j'ai envie d'éclaircir ce truc-là parce que. Ouais, mais si on les laisse là tout seul. Ouais, non, je sais. Mais qu'est-ce que tu fais à lire, toi ?
Bah en fait j'ai pris un livre là-dedans là. Ah, okay. Bah on est à l'hôpital du coup, faut Monsieur... bien qu'on... Merci Snow. Monsieur... Oui dites-moi. Il se croit chez lui. Non c'est rien, il est un peu fatigué, il a été sonné par l'accident aussi. Ah vous avez fait un accident? Oui non mais ça va, mais désolé, je vais lui dire de bouger. Pas de soucis, merci. Non mais, eh bébé t'abuses hein. Le mec du SAMU il te dit, il se croit chez lui ou quoi? C'est trop. Eh vas-y ça me saoule les musiques là, j'ai rien demandé des musiques comme ça moi. Qu'est-ce qu'ils me font? J'espère qu'ils en ont pas pour longtemps quand même. Bah j'espère, aïe aussi. Comme ça on les emmène directement à la police et... Ah monsieur. Parce que c'est le gars qui était avec nous il était pas très clair hein. Bakayaro, tu m'entends? Le mec il t'a dit, il se croit chez lui ou quoi là? Bonjour. J'ai dit non, c'est rien. Je peux vous aider? Oui on attend... Des détenus. Enfin des détenus non mais les... Enfin oui, ouais, voilà. On peut dire ça comme ça. Oula. Oui, très bien. Vous pouvez me donner les noms et prénoms s'il vous plaît? Je sais pas. On sait pas. Ils viennent juste de partir. D'accord. Vous savez avec quel brancardier ou un infirmier? Je sais pas. AR3, je prends le départ. Ah bah il y a nos collègues. Marc, t'es débordé ou pas? Ok, ça marche. Et du genre à avoir 3 appels à faire et... Désolé. Bon. C'est bon. Du coup, monsieur, finalement, est simplement une luxation, il me semble. Bon boulot, d'accord. Du coup, je pense qu'il va falloir les interroger parce qu'il y a une histoire pas claire. Et t'inquiète pas, t'auras une bientôt information. Apparemment, il était poursuivi par la police. Donc, peut-être en délit de fuite, c'est pour ça qu'il roulait à contre-sens et à vitesse excessive. Ah, c'était par nous. Ouais, par contre, oui, c'était poursuivi par nous au départ. Ah, bah voilà, bah très bien. Ah, bah voilà. C'est bien ce que je disais. Messieurs, voici votre homme. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne soirée. Monsieur, restez là. Bon, du coup, on va poste de gendarmerie ou... Pour quelle raison? Oui, ouais. Bah, ouais. Pour vous interroger. Parfait. M'interroger sur quoi? Et l'autre aussi, il y a eu complicité du coup délit de fuite ou pas? Parce qu'ils étaient deux dans le véhicule. J'ai rien fait du tout, j'étais côté passager, madame. Vous étiez passager, pas tout savoir alors. C'est qui était côté passager? On aura besoin de votre témoignage pour les assurances, donc vous venez, je vous prie, mon brave monsieur. Je ne me souviens de rien, je suis choqué par ce qui vient de se passer. Donc on s'en souvient tous. Je pense pas que les médecins m'aient parlé d'une perte de mémoire ou d'une amnésie ni d'un traumatisme crânien, monsieur, donc vous nous accompagnez, s'il vous plaît. Pas un choc, madame. Un choc, peut-être, vous avez pas perdu la mémoire, c'est pas ce qu'ont dit les médecins. Bah, je me souviens pas de ce qui s'est passé, je suis désolé. Enquête, entrave à une enquête de police. Il y a aucunement une entrave à l'enquête, monsieur. Sur le. Alors, je vais vous bougez pas, hein, je vais demander au médecin. Oui, vous pouvez lui demander, il va vous dire vous-même que, mes idées sont un peu floues. Ouais, c'est fou, donc, frère. Voilà, il y a aucune entrave à une enquête, il y a aucune raison que vous m'en... Excusez-moi monsieur, quelle est la personne qui a consulté ce deux messieurs qui ont eu un accident? Apparemment il y a quelqu'un qui a les idées floues et qui a perdu la mémoire, je voulais m'en assurer si le dossier c'est sur les analyses médicales, parce que bon moi je pense qu'il a pas trop perdu la mémoire parce qu'il a pas été blessé quasiment, donc bon. Mais écoutez, moi j'ai fait un diagnostic rapide hein. Oui. Moi je sais pas, il est venu me voir, il m'a dit qu'il avait rien, j'ai regardé, il a rien. Parfait. Il a insisté pour dire qu'il avait rien. Ni de... Bah non, il m'a dit juste qu'il avait un petit peu mal à la tête, mais je lui ai prescrit un médicament et puis... Parfait. Après, j'ai mes analyses, hein. Ensuite... Oui, bien sûr. Oui, bah je me doute, oui. Le diagnostic du mensonge, j'en connais très bien ça. Merci en tout cas. Ah, bah tout c'est ça, il y a tout le temps. Oui, ça c'est... Bon, ils merci messieurs. Ils ont fait un malaise alors qu'ils ont fait un accident. Oui, on est bien d'accord. S'il vous plaît, parce que, apparemment, merci à vous. Non, une personne... Oui, il n'y a pas de problème. Une personne qui connaît... Madame connaît les lois. Bon, je confirme votre diagnostic médical et on ne peut plus clair. On vous a donné juste un petit médicament pour un mal de tête. Il n'y a pas de perte de mémoire, pas d'amnésie, pas de traumatisme crânien, ni quoi que ce soit. Donc vous allez très bien. Donc je confirme qu'il n'y a pas de perte de mémoire par le médecin. Donc maintenant vous allez nous suivre, on va aller au poste de police. Merci beaucoup. Au moins ça ira plus vite et vous serez libre plus vite. C'est ça. Plus rapidement. Mais sachez que je n'ai rien à vous dire, je ne me rappelle de rien. On l'amène un peu au poste. Allez, vous venez avec nous quand même s'il vous plaît. Oui, je me suis, bien sûr. Voilà. Il y a un deuxième véhicule, vous montez avec les messieurs s'il vous plaît, juste ici. Ouais, moi je préfère suivre lui là parce que lui il a l'air quand même plus... De quoi? Moi je vais suivre. Plus intelligent on va dire. C'est-à-dire, vous parlez de qui par comme ça? J'ai juste dit je préfère suivre lui. Il a l'air plus intelligent donc que qui? Il a l'air plus intelligent que certaines personnes ici. Comme qui? C'est-à-dire, bah dites des noms. Bah oui, c'est-à-dire. Dites des noms, je connais votre nom. Oui mais non, mais dites, vous parlez de qui? Monsieur, comme vous parlez, c'est bon, allez, ça va mal finir là. Ouais, clairement, il va mal finir. On vous rejoint là-bas. Je n'ai manqué aucun respect, hein, qui que ce soit, monsieur.
Allez-y, monsieur. Ah ouais, ça y est, ça m'a fané, moi. Ça y est, ça m'a fané. Et Charlie, il monte pas ? Avec l'autre patrouille. D'accord. Ça y est, c'est bon. Ah ouais, moi, ça y est. Hein. Je perds patience. Je comprends pas le RP de certains, je comprends pas. De toute façon, on va l'emmener au poste, il va faire non, je sais pas, non, je me rappelle pas, non, je sais pas, voilà, super la scène, nickel quoi. Ça va être ça, tous les jours, dès qu'il va croiser la police ou la gendarmerie, ça va être non, je sais pas, non, bah non, c'est pas moi, non. C'est fou quand même. Du coup, voir colonel, retour à la gendarmerie. Hein. Ok, ça marche. Non, ben en soi, Boruto, RP parlant, il a pas fait de faute, tu vois, c'est juste son RP qui... Je suis désolée, mais moi, un RP comme ça, c'est pas intéressant, tu vois, le mec, il cherche pas les scènes, en fait, il cherche juste à fuir son RP, quoi. Il assume pas en RP, il est pas... Voilà, il a pas... Il se dit pas, bah tiens, je vais le tourner comme ça pour rendre la scène intéressante. Non, c'est juste, il... Voilà. Il fait et c'est tout. Hein ? Ah, je croyais que tu parlais. C'est... Voilà, c'est encore une fois, le RP, il est pas intéressant, quoi. Enfin, et le problème, c'est que quand toi, tu veux t'investir et tu veux faire un minimum de scènes correctes et qu'en face, t'as que des gens comme ça, bah, voilà. Ah, je dirais pas ça, hein. Moi, je juge pas le RP, c'est juste que, franchement, c'est pour les gens qui sont en face, c'est pas intéressant. Tu joues, t'es là, mais pour nous, ce type de RP, c'est pas intéressant du tout. Du moins, sur le serveur, en tout cas, qui est un serveur whitelist. Si c'est pour avoir un RP comme ça, c'est pas la peine. Comme ça, hein, on peut pas tous avoir le même, même manière de fonctionner, hein, qu'est-ce que les joueurs disent. Il a mal parlé à la fin. Bah c'est son RP, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais faire quoi? Je vais le convoquer en ticket, il va me dire bah c'est mon RP, tu vois. Enfin voilà, c'est toujours comme ça, ils auront toujours les derniers mots, ce genre de personnes. De toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Tu vois, c'est, ils croient qu'ils ont raison sur tout et ils se disent bah voilà, il y a... C'est nos fiers gendarmerie, nos fiers machin. Est-ce que dans la vie, franchement, est-ce que dans la vie, t'as un mec qui te fait arrêter demain, il doit venir, il va dire ouais, au moins je vais aller avec lui, ils sont plus intelligents que certains. Est-ce que franchement, le mec qui va dire ça, IRL face à des gendarmes ou face à la police? Pas du tout, vraiment pas du tout, c'est pas cohérent. Mais encore une fois, on est dans un jeu et voilà, hein, les gens, ils ont pas du tout ce côté vraiment RP sérieux. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne l'ont pas, malheureusement, c'est comme ça, hein, faut faire avec. Hein. Faut faire avec. Ah oui, plus d'essence. Bah c'est chiant parce que quand tu veux mener des trucs bien, de toujours avoir ce genre de comportement face à toi, ouais c'est clairement chiant. Je te cache pas, mais bon, faut faire avec, hein, faut prendre du recul. Hein. C'est pas grave, hein, y aura des meilleures scènes avec des autres joueurs. Hein. Comme ça. Hein. Oui, non mais t'inquiète Luna, après tout le monde débute, hein, encore une fois, c'est... Voilà. Il n'y a pas de jugement, c'est juste que ce type de RP là, c'est pas ce qu'on recherche sur le serveur. Allez monsieur, venez avec nous. Je suis. Vas-y, tu vois. Respect. Mais oui, bonjour. Enfin, bonsoir. Est-ce qu'il y aurait possibilité de donner les radios à ces trois, s'il vous plaît? Venez, venez. Bonjour monsieur. Alors. Ouais. Voilà. Merci colonel. À vous. Alors je suis pas colonel, je suis adjudant-chef. Merci adjudant-chef. Vous êtes sur la route encore ou pas? Je dirais pas non pour dire colonel. Hein. Oui, c'est pas grave, vous n'en faites pas. Du coup, vous êtes présent demain soir pour l'entraînement? Oui. Parfait, nickel. Accrochez-vous bien. Vous avez eu vos affiliations sur l'intranet ou pas? Non. Non, pas encore. On a fait la demande. Non, nous on a fait la demande au niveau de...
Parfait. Seconde classe. Alors, donc gendarmerie. Tac, gendarmerie, seconde classe. Alors du coup, monsieur Igor, c'est bon. Ensuite, il y a qui d'autre? Edwin Larson. Edwin Larson. Ouais, Nicole Varro et Edwin Larson. Gendarme. Ok, monsieur Edwin, c'est bon. Et qui d'autre, pardon? Et Alvaro. Nico Alvaro, très bien. Tac. Deuxième classe. Gendarmerie. Mon collègue, faut que j'aille chercher le chef Pappenheim de Castelvaux, l'aurait oublié en ville. Parfait. De Castelvaux aurait oublié en ville. Du coup, on met notre prise de service à partir de maintenant. Oui, affirmatif, ouais. Ah, moi, pour ma part, je prends une fin de service. Par contre, pour l'utilisation de la radio, comment ça se passe Alors, vous prenez votre radio, au niveau du canal, vous écrivez donc le numéro 22 et vous avez un bouton, enfin, vous appuyez sur le bouton rejoindre. Et pour l'éteindre, tout en haut à droite, vous avez un bouton qui. Un gros bouton pour l'éteindre. Ouais, okay. Sinon, vous pourrez écrire 22 et rejoindre. Comment? Pour parler au niveau de la radio. C'est la TH W. D'accord, voilà. Arrêtez de parler, monsieur. Oui, par contre, ouais. Qui c'est qui. Ouais. Voilà. Parfait. Bon, ça va être quelque chose là, les. Ouais, ok, c'est bon, c'est bon pour moi. Ouais, Jean Chef, je reviens tout de suite, je vais chercher le chef de. J'ai la flemme. Tout est bon pour vous, messieurs? Bah, c'est tout bon pour moi. Bah, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Merci, Jean Chef. Mais je vous en prie. Ouais, du coup, j'ai pas écouté pour la radio, du coup. C'est quel canal pour la radio? Ils vont vous expliquer, c'est le canal 22. D'accord. Bon, mesdames et messieurs. Ouais, après tout le monde a pas un bon micro. Hein. En fait, c'est son fond sonore qui est. Et le colonel, il a sa voiture à la porte. Bon, franchement, j'ai la flemme de prendre la dépôt là. Ah. Excusez-moi de la température, monsieur. Par contre, monsieur. Viens, on va aller voir lui. Ouais. On monte à l'étage. On monte à l'étage. Est-ce que je pourrais vous parler deux minutes, s'il vous plaît? Là. Venez, monsieur, on monte en haut. D'accord, bon bah. Je vous laisse aller vers là-bas. D'accord. Du coup, j'aurais une chose à vous avoir à connaître avec vous. Par rapport à une information qui aurait. Ça va être quelque chose, hein, je vous préviens. Hein. Attention. Alors, pouvez-vous vous approcher, s'il vous plaît? Donc, me donnez votre nom, prénom, s'il vous plaît. Pour quelle raison? Je vous prierai d'être coopératif, s'il vous plaît, pour qu'on évite de perdre le maximum de temps possible. Vous étiez présent à bord d'un véhicule pour accident. On prend votre déposition d'accord, et on prend tous les détails possibles. S'il vous plaît, si c'est possible d'être coopératif, ça serait génial. D'accord, il n'y a pas de souci. Nom ou prénom d'abord? Peu importe, nom, prénom, s'il vous plaît. Faïd, F-A-I-D, c'est le nom de famille. Et votre prénom, s'il vous plaît? Medine. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez me. Monsieur Castro, vous voulez poser question ou pas, si jamais? Je vais ça, vous en prie. Est-ce que vous pouvez donc m'expliquer et m'énumérer ce que vous vous rappelez, s'il vous plaît? Je me souviens de. Ne me dites pas que vous vous souvenez de rien, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas amnésique, monsieur. On a eu le diagnostic médical. S'il vous plaît, un peu de coopération de votre part, ce serait super. Pour nous. Bah, madame, je tiens à vous signaler que j'étais dans un véhicule qui. Oh putain, vas-y, je vous jure, j'ai vite, pas la foi. Moi j'ai eu peur, enfin, j'étais un peu. Je suis sous le choc en fait encore. Alors, moi, c'est pas la question que je vous ai posée. Pouvez-vous me dire, me confirmer que vous étiez bien en course-poursuite avec la gendarmerie? Donc c'était monsieur juste à ma gauche qui était juste derrière vous. Il vous poursuivait donc. Je sais pas, je ne sais pas. Je vous confirme. Voilà. Oui, c'est fort. S'ils le confirment, leur parole. Non, moi j'ai besoin que vous le confirmiez, vous, s'il vous plaît. Je vous rappelle encore une fois que vous n'avez pas perdu la mémoire. Le diagnostic médical est tombé, a été clair. Vous allez bien. Vous avez juste un mal de tête. Il n'y a eu aucune perte de mémoire. Donc si vous ne coopérez pas, monsieur, ça ne va pas le faire. On vous demande juste une coopération. On ne va pas vous mettre en prison. On ne va pas vous mettre un bracelet électronique. On ne va pas vous juger. Moi je veux juste que vous soyez coopératif et que vous essayez, s'il vous plaît, pour l'enquête, de nous donner le maximum d'informations possibles. Si c'est de bonne foi de votre part, j'espère. Bah, vous voulez que je vous dise quoi? Je viens de vous poser la question. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous étiez bien en course-poursuite avec un véhicule de gendarmerie? Non.
Ah, je vous jure, je vais perdre je patience. Je me rappelle pas avoir vu un véhicule derrière moi, après. Ah, je vous jure, je vais perdre patience. Je vous jure, je vais pas pouvoir. Je vous jure, là, c'est trop. Et pourquoi vous pouvez pas alors que mes agents le confirment? Qu'est-ce qu'il y a, vous êtes amnésique du coup? Non, du tout. Si, bah, justement, si vos collègues vous le confirment, leur donc vous étiez à pleine vitesse, en contresens, en fuite, et vous me dites que non. Puisque les faits sont fondés, notre véhicule, notre patrouille l'a vu, et eux l'ont vu aussi, puisque c'était eux qui... Oui, mais il y a un problème dans ce que vous êtes en train de dire, madame. C'est-à-dire? Je n'étais pas en poursuite, je ne conduisais pas. Mais vous étiez dans le véhicule, donc soit vous êtes complice, soit complice vous dormez, Mais vous connaissez le code pénal ou quoi? Complice, réveillez-vous. Pardon? Complice de quoi? Mais vous pouvez vous calmer par contre, s'il vous plaît, parce que j'en ai pas. Non, soit je parle à quelqu'un de sérieux, soit vous me laissez partir, parce que là vous parlez de complicité. Oh, je peux pas être complice d'une personne qui conduit à grande vitesse. Je ne peux rien faire une fois que je suis dans le véhicule. Mais vous étiez en délit de fuite, monsieur. Comment on appelle ça quand le conducteur est en délit de fuite? Vous pouvez savoir, ça fait combien de temps, s'il vous plaît, qu'on est en délit de fuite? J'interroge mes agents là. Plusieurs minutes. Voilà. Ah bah oui. Après, c'était un véhicule volé, vous le savez très bien, parce qu'on l'a constaté juste devant vous, qu'on était devant le KFC. Monsieur, juste une chose, s'il vous plaît. Depuis tout à l'heure, je vous parle calmement, je vous manque pas de respect. Vous êtes dans un poste de gendarmerie. Donc, ça serait bien, s'il vous plaît, que vous restiez calme. Vous êtes quelqu'un d'adulte. Vous avez quel âge, monsieur? Vous êtes quelqu'un d'adulte ou pas? Répondez-moi. Bah oui, heureusement. Très bien. Et bah, je vous prierai donc de répondre en tant qu'adulte, de rester calme, parce que je suis calme jusqu'à présent. J'ai quand même. C'est compliqué la communication avec vous, donc je suis calme depuis tout à l'heure. J'aimerais bien que vous en fassiez de même si c'est possible. De pas me manquer de respect, de pas commencer à me parler mal. Donc voilà, donc monsieur nie totalement qu'il était en course poursuite avec donc du coup les agents qui sont ici aussi présents dans cette pièce. Il nie totalement, il dit c'est pas de ma faute, je ne suis pas complice, je n'étais pas en délit de fuite avec son collègue ici présent aussi. Madame, à partir du moment où je suis pas conducteur, je suis responsable de rien en fait. Mais vous êtes en délit de fuite depuis plusieurs minutes et vous êtes conducteur, comment ça s'appelle d'après vous? Je ne suis pas conducteur, c'est non, ce que je suis en train de vous dire. Non, vous êtes avec le conducteur, comment ça s'appelle d'après vous? Madame, je fais quoi? Je saute dans du véhicule à 100 km/h? Je fais comment? Explique-moi. Vu que vous avez l'air très intelligente, vous m'expliquez, qu'est-ce que je fais alors? Vas-y, explique-moi. Donc vous êtes en délit de fuite, qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous étiez en délit de fuite? Dites-moi, vous avez fait quoi? Vous arrêtez de pointer du doigt, s'il vous plaît, c'est mal poli. Ah, je pointe personne, monsieur, je sais pas ce que... Non, je pointe personne, enfin... vous me disiez, excusez-moi madame, votre collègue, vous me parlez. Je disais donc, votre conducteur à côté de vous est en délit de fuite, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps? Bah, je fais quoi? Bah, je suis dans la voiture, j'ai peur. Très bien. Donc il vous a pris en otage pour que vous ayez peur? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, moi j'ai peur de la vitesse, vous savez quoi. Il est juste là. Hein Oui, je sais. Venez, monsieur. Du coup, monsieur, ici derrière, vous me confirmez le délit de fuite ou pas? Ah, bien sûr. Après, monsieur... De ma part, ouais, mais voilà. Le collègue, il a rien à voir. Après, je suis venu à côté de lui. Merci. Ah, monsieur, je peux vous poser une question, monsieur. Vous dites que la voiture roulait à vive allure. Au début de commencer la course poursuite, vous vous êtes arrêté une bonne quinzaine de secondes, le véhicule est à l'arrêt. Et une fois que mon collègue est descendu, vous avez commencé à partir en course poursuite. Il y en a un de vous deux qui a dit vas-y. Alors à ce moment-là, vous aurez pu. Il y a un de vous deux qui a dit vas-y trace. Donc, quelque chose d'approchant, oui. Bah oui, si vas-y trace, là concrètement, vous faisiez équipe dans ce délit de fuite. Monsieur, je vous laisse, monsieur derrière, je vous laisse approcher et arrêter de sortir votre téléphone toutes les 5 minutes, s'il vous plaît. Vous entendez à 2 mètres avec les vitres fermées? Je vous le confisque. Vous arrivez à entendre ce qui se passe dans un véhicule fermé? Vous arrivez à entendre quand le véhicule est fermé, avec les vitres fermées? Vous êtes incroyable, vous. Vous avez des super pouvoirs. Vous êtes quoi, la gendarmerie? S'il vous plaît, monsieur, vous manquez encore une fois de respect, ça va mal se passer. En quoi je manque de respect? Arrêtez de faire des blagues, des allusions, des super-héros, des vous êtes plus intelligent, etc. Machin, truc. On n'est pas là pour perdre notre temps, vous non plus, je pense. Donc ça serait bien qu'on fasse vite. Si c'est pour dire des blagues comme ça, ça vaut pas le coup. Si vous voulez qu'on évite de perdre notre temps, je suis passager, vous avez rien à me reprocher. C'est aussi simple que ça. La complicité d'Elite Fuit, ça existe. Mais je comprends pas, ça existe, on ouais. Du temps avec lui alors que c'est. Ouais, mais c'est incroyable. Mais en plus, le pire, c'est qu'il s'enfonce, votre collègue à côté depuis tout à l'heure. Il me dit complicité d'Elite Fuit. Vous faites quoi, vous? Vous êtes en dans un véhicule, vous êtes accusé de ça. Bah, dans ce cas-là, vous portez plainte contre votre collègue qui vous a forcé la main. Dans ce cas, portez plainte contre lui, non? Je n'ai pas envie de porter plainte. Si je peux me permettre, ça peut être que de ma faute. Il a pas le choix. C'est soit il saute de la voiture à vive allure et je pense que ça va lui faire très mal.
Soit il ferme sa gueule et il attend qu'on s'arrête. Voilà. Ce que j'ai dit juste avant, le véhicule était à l'arrêt avant qu'on commence la course poursuite. Vous restez à l'arrêt. Moi, 15 secondes. Le permis de conduire du monsieur, s'il vous plaît, vous vérifiez combien il a de points, ainsi que la carte grise du véhicule, le contrôle technique. C'est un véhicule voleur. Déjà, c'est pas d'accord. Vous prenez la carte d'identité, le permis de conduire et le nombre de points là. Monsieur, s'il vous plaît. Et je suis pas censé savoir que c'est un véhicule volé. Je tiens à le dire. Ça a été dit juste avant que vous remontiez dedans, monsieur. Oui, mais moi, il est venu avec un véhicule. Et Charlie, s'il te plaît, pour le monsieur passager, tu procèdes à une fouille. Entre la première fois que vous avez vu le véhicule... Okay. Attendez, une fouille alors que j'ai commis aucun délit, vous m'expliquez? Exactement. Pourquoi? Vous allez à un passager, on veut juste voir si vous avez pas quelque chose de dangereux sur vous. Non, mais si j'ai rien venez fait... Venez ici, monsieur. À partir du moment où vous êtes dans le poste de gendarmerie... À partir du moment où je suis dans le poste de gendarmerie, c'est vous qui m'avez emmené, je suis pas venu de mon plein gré, monsieur. Allez, on procède à une fouille. Venez. C'est qui là qui prend mon permis et ma carte de c'est un de mes collègues et moi je m'occupe de votre collègue. Monsieur. Je sais venez avec moi. Rapidement. Je vous jure. Mettez-vous contre là, voilà. Levez vos mains. Mettez-vous contre le casier s'il vous plaît, monsieur. Je vous fouille également avant. Bon. Elles sont levées. Ah là là, là 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 là. Ok, couteau à cran d'arrêt. Eh bah dis donc. J'ai le droit. Intéressant. J'ai clairement le droit. Et pourquoi ce couteau là, monsieur? Vous faites quoi ce couteau? Couteau? Oui. Vous faites quoi? Un pied de biche. En fait, je suis bûcheron. Vous travaillez dans quoi, monsieur? En tant que bûcheron, quand je fais mon. Je peux savoir pourquoi vous avez un pied de biche sur vous. Le pain pour mon sandwich. Enfin, c'est intérimaire. Vous pouvez regarder au cas où. Après, mademoiselle, vous c'est fou de ne pas être faire plus comme ça. Vous savez que seul un homme a le droit de me fouiller. Chez moi, je couille encore dans le sac. Vous savez que seul un homme a le droit de me fouiller. D'accord, vous retirez son couteau s'il vous plaît, il n'a rien à faire avec un couteau d'or. Ah, monsieur, je travaille. Oh, le couteau, il est. D'acheter... Monsieur, je travaille. Le couteau n'est pas une arme, je ne l'ai pas sorti en ville. Pas de soucis, quand vous finissez votre travail, vous déposez votre couteau, vous ne vous prenez pas avec. C'est un couteau à cran d'arrêt. C'est pas une arme. De toute façon, c'est peine perdue, hein, les gars. Peine perdue, moi je dis plus rien, c'est peine perdue. C'est interdit. Bah, je fais comment pour couper mon pain avec les dents Vous travaillez, vous prenez votre couteau, c'est tout. Et puis c'est pas compliqué, vous faites un sandwich avant d'aller travailler et vous le prenez avec vous, votre sandwich. Vous prenez pas un couteau pour aller travailler. Sinon, c'est qui le plus haut gradé? C'est pas logique de... C'est qui le plus haut gradé ici? Je peux savoir qui c'est le plus haut gradé? Le colonel juste ici devant moi. Bon, c'est moi. Vas-y, prenez le couteau, y'a pas de soucis, hein. Je vais en racheter un, je vous le dis. Pas de soucis. Il a la haine là, ça s'entend. Donc c'est vous le plus gradé, ça? Ah, vous l'avez pas eu là? Non, c'est laissez... monsieur devant moi là, avec le képi, enfin le... Là, oui, je parle là. Et vous autorisez une femme à fouiller un homme? Affirmatif. Parce que c'est possible que quelqu'un prenne sa pièce d'identité, j'ai un petit problème. Je pense pas que... Oui, je m'en occupe. Non, vous savez que c'est illégal. Du coup, ce monsieur a combien de points sans son permis? Tous ses points. D'accord. Hop. Bon, ça tombe bien, je vais déposer une plainte. Très bien. Faites-vous plaisir, hein. C'est bon pour vous pour la carte d'identité? D'ailleurs, j'aurais besoin de votre nom. Oui, c'est parfait, merci. Votre nom pour l'avocat. Très bien, moi c'est Saki Gibbs. Non, je parle pas à vous, je parle de votre collègue, je veux une plainte. Mais moi, déjà, je veux une plainte. Je veux. Allez-y. Ouais, là. Vous prenez la carte d'identité du monsieur quand même, pour montrer ça à l'avocat. Incroyable. Ouais, incroyable. Alors, une femme m'a fouillé, c'est incroyable. Et alors, c'est pas l'amant, non? C'est interdit. Et alors, ça va? Comme vous connaissez les lois, vous savez mieux que moi que c'est interdit. Et alors, ça fait quoi? Y a rien de mal de vous fouiller quand même, non? Si, je veux pas qu'une femme me fouille. Dis donc, on aura tout vu ici. Allez, non. Vous faites les amendes ensuite pour ce monsieur. Pour là. Qui? Ah, ok. Et ainsi que pour ce monsieur pour la participation du délai de fuite. Quelle participation? En quel. Quand on va arrêter tout de suite de me prendre pour un con, tout de suite, je sais très bien que quand le véhicule s'arrête, si vous partez en courant, il faut pas rater de... Non, il y a personne qui a couru, je suis resté. Quand on va prendre un singe à faire la grimace, monsieur. Oh, mais... Non, mais je suis dans un cirque, c'est incroyable. C'est ça, non, mais c'est incroyable, mais tu te rends compte ce qu'il vient de dire? Bah, et vous, depuis tout à l'heure, vous dites on veut parler intelligent, nanana, vous manquez de respect. Exactement. À tous les agents ici présents. Je vais parler clair français, je m'en bats les couilles. Eh bah, y'a pas de problème, monsieur. On est dans un état de droit, vous savez. Vous manquez de respect, faut pas vous étonner qu'on soit patient avec vous après, monsieur. C'est bon, arrête de me parler.
Pardon, oh. Pardon mais par contre, vous allez par contre, les non, 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 là, non, 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 si non, 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 vous voulez me mettre. Bah, outrage, des... outrage, ouais, c'est bon. Ah, outrage, oui, ah, oui, oui, outrage, oui, oui, outrage. En quoi ça outrage, je l'ai insulté, je lui ai dit arrête de me parler, c'est mon droit. Mais en France, c'est pas si vous parlez, mais parce que. Écoutez-moi, vous avez commencé en disant qu'on n'était pas intelligent, vous manquez de respect à tous les agents alors qu'on est calme depuis le début. Et vous. Voilà, vous sortez de vos gants, c'est dommage de ne pas être calme. Par contre, vous allez vous calmer. Vous faites le contraire là. Oui. Non, 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 vous mettez si, la honte si, pour si, rien. Si. J'ai rien fait, je suis dans un véhicule, je fais rien. Eh bah écoutez, qu'est-ce que je peux faire? La prochaine fois qu'un véhicule s'arrête, inutile de monter le ton, monsieur. S'il faut monter le ton, je le monterai aussi. Il ferme sa gueule. Le véhicule s'est arrêté une seule fois. Prends pas la tête avec eux. Non, mais non, je prends une amende alors que j'ai rien fait. C'est n'importe quoi. Mais vous continuez en fait. Le problème, c'est que vous manquez de respect depuis le début. Au lieu de rester calme. Vous manquez de respect. Mais je manque. Vous me traitez de complice. Mais je vous manque pas de respect, monsieur. Citez-moi à quel moment je vous ai manqué de respect. Vous avez laissé paraître à travers vos propos. Je préfère monter avec cette personne qui a l'air plus intelligente que les autres qui sont ici. À partir de ce moment-là, comment voulez-vous que derrière on soit patient avec vous, monsieur? Parce que est-ce que je vous ai manqué de respect? Est-ce que je vous ai dit que vous n'étiez pas intelligent? Oui, clairement, clairement. Je vous ai dit que vous n'étiez pas intelligent? Non, vous m'avez dit. Citez-moi le manque de respect, citez-le-moi. Il y a le monsieur qui est en face de moi, il me dit ouais. Citez-moi le manque de respect que j'ai eu à votre rencontre, citez-le-moi. Je parle en général. En général, citez-moi, puisque vous assurez, citez-moi. Il y a le monsieur qui est en face de moi, il me parle de rébellion, alors je me suis même pas rebellé, il me dit de circuler dans un endroit public. Je vous parle de moi, citez-moi, quand est-ce que je vous ai manqué de respect? Citez-moi, quand est-ce que je vous ai manqué de respect? Vous m'avez pas manqué de respect. Voilà, donc faut arrêter de me manquer de respect à moi, alors que depuis tout à l'heure je vous parle calmement. Je vous présente mes excuses, madame. Merci. Votre collègue qui est en face de moi, là, c'est madame Delacouette, là. Qui me dit, madame Delacouette, oui, je vais pas vous appeler par votre prénom, on n'est pas amis. M'a dit quoi exactement? Complicité de refus d'obtempérer, complicité de délit de fuite, alors que je suis dans un véhicule qui roule à une certaine allure. La seule possibilité qui s'offre à moi, c'est d'ouvrir le véhicule et sauter à pleine vitesse. Donc non, très peu pour moi. Quand le véhicule s'est arrêté, je n'ai pas couru, je suis descendu, j'ai attendu. Donc à partir de ce moment-là, la complicité n'est pas valable. Le refus d'obtempérer non plus. Pas de souci, si on a compris ce que vous vouliez nous faire passer. Il y a aucun souci là-dessus. Du coup, on va quand même procéder aux amendes. Donc, vous pouvez lui mettre l'amende pour la rébellion. Il y a pas de souci. Rébellion, mais je me suis rebellé où? Non, ouais, c'est l'habitude après, tu sais. Vous voyez, vous suivez même pas. C'est incroyable. C'est pas grave. Hein. Pardon. C'est incroyable. Vous me parlez de rébellion, vous savez même pas de quoi vous parlez. C'est reparti. Oui, c'est reparti. Oh, non, mais c'est incroyable. Il me parle de rébellion là, aujourd'hui. Là. Il me parle parce que vous faites que manquer de respect depuis tout à l'heure. C'est ce que vous avez dit, malheureusement. Ça va pas en votre faveur. Si simplement depuis le début vous avez été calme comme on l'a été, on n'en serait pas là actuellement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien dommage. C'est bien dommage. Madame, je me défends. Je connais les lois, donc je me défends avec telle. Il y a une façon de se défendre. Une défendre avec maturité ou se défendre avec irrespect. C'est différent, vous voyez ce que je veux dire? Si encore mais un agent, c'est que votre ami vous voudrez manquer de respect, je dis pas, mais c'est pas le cas. Mais mon ami, monsieur, quand quelqu'un est coupable, normal qu'il va rien dire, c'est logique. C'est bon, mais votre ami s'est arrêté et vous êtes sorti du véhicule comme s'il n'y avait rien, quoi. Deuxième classe, c'est ça, quand il n'y avait rien. Votre ami fait un délit de fuite et vous, c'est normal. Vous étiez juste dans le véhicule, tout se passe bien, c'est pas de votre faute. Bah oui, c'est pas de ma faute, c'est lui qui prend la décision de faire un délit, c'est pas moi. Non, je suis d'accord avec vous, c'est lui qui a pris la décision. Mais du moment que vous étiez avec votre ami, il y a un moment où il faut quand même rester petit, hein. On va pas commencer à gueuler comme vous faites, à dire oui, bah moi c'est ça, oui, je connais les lois, alors que vous étiez avec votre ami alors qu'il a fait un délit de fuite, vous êtes d'accord? Oui. Voilà, merci. Mais délit de fuite, il l'a commis... D'un coup. Non mais je comprends. Donc mais je vous parle pas de ça, mais en fait on vous a pas incriminé, on vous a pas dit dès le départ, monsieur, si, vous êtes en faute grave, vous allez aller en prison, vous allez être jugé. En fait, on a essayé de communiquer avec vous et de prendre les informations. Le problème, c'est qu'on a été calme et ce que vous avez fait en face, c'est que vous nous avez manqué de respect. Vous êtes monté sur vos grands chevaux alors qu'il aurait fallu que vous restiez à votre place, parce que de base vous n'êtes pas en position, malgré que vous n'êtes pas forcément coupable, vous n'êtes pas en position de négocier. Vous êtes juste en position de coopération. C'est ce que je vous ai demandé tout à l'heure en arrivant derrière le bureau, de coopérer. C'est pas ce que vous faites, vous comprenez? C'est pas ce que vous faites en fait. J'ai un respect total pour votre métier, vraiment, vraiment. Bah, on dirait pas, honnêtement, je ne peux pas, vous comprenez que je peux pas me laisser faire quand on m'incrimine de choses que je n'ai pas fait. Monsieur, mais il y a une façon de pas se laisser faire, et vous avez droit, avez votre droit de réponse, et encore heureux qu'on vous laisse le droit de vous expliquer. Mais justement, on vous demande des informations, vous niez en bloc, vous nous manquez de respect, vous nous parlez d'intelligence, de ceci, de cela, et j'en passe, c'est vous piquer sans cesse. Comment voulez-vous que nous, derrière, on soit calme avec vous? Vous comprenez? Comment voulez-vous qu'on ait la patience?
patience. Bah, puisque... justement ça en fait. Mais c'est ça le problème. Sans vouloir vous enfoncer, c'est justement ça votre métier, c'est d'avoir la patience. Oui, non mais je comprends. Mais vous voyez, vous voilà, devez... vous êtes calme. Pourquoi vous n'étiez pas calme comme ça depuis le départ? Parce que madame, quand je suis arrivé direct, je suis monté dans le véhicule, on m'a accusé de plusieurs choses. Quand j'explique que j'étais conducteur. Mais attendez, déjà juste avant de monter dans le véhicule, vous commencez déjà à faire des trucs en mode oui, non, je ne veux pas monter, etc. Moi je monte avec lui parce qu'il a l'air plus intelligent, etc. Comment voulez-vous qu'après on soit... Mais madame, justement, c'est logique, avant... oui. Madame, c'est avant... pas que j'aimerais couper votre discussion, mais moi j'ai pas que ça à faire. Mais nous c'est non plus, c'est ça le problème. Oh, toi, estime-toi heureux de pas être en garde à vue, s'il te plaît. madame, c'est justement avant ça qu'on a dit que j'étais complice de telle chose. En fait, on vous a pas dit que vous êtes complice. Je vous jure que la demoiselle qui est derrière. Ça veut quoi, Mais les amendes que vous allez lui mettre, rajoutez-les moi. Non, c'est bon, il n'y a pas d'amende. C'est même pas ça. C'est pas, on vous a dit que vous êtes complice d'eux. Si vous étiez complice, on vous aurait déjà arrêté. Vous voyez, nous, on a eu besoin de prendre les informations pour vérifier que vous n'étiez pas complice. C'est ce que vous risquez d'être complice parce que vous étiez dans le véhicule. Mais en aucun cas, on va juger l'affaire avant d'avoir même eu, là, maintenant, la déposition. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Donc je pense que ça a été mal compris globalement. Oui, c'est peut-être moi qui en fait, c'est on vous a pas incriminé, sinon vous auriez mis directement les menottes et foutu en garde à vue sans discussion, vous voyez. Après je suis quelqu'un de très nerveux, je m'emporte vite. Dès qu'on m'a directement accusé, je suis oui, mais ça c'est compréhensif, encore une fois. Vous avez le droit aussi à votre réponse, vous avez le droit à votre déposition. On n'est pas là non plus pour vous incriminer si vous avez rien fait, c'est pas le but, hein, rassurez-moi. On a d'autres chats à fouetter et d'autres choses plus graves à traiter, hein, clairement. Mais par contre, pour la fouille de la dame, de madame là en face, vous savez que c'est tout à fait illégal. Vous le savez, vous connaissez les lois, je suppose. Affirmatif. Allez, monsieur, du coup, on va vous laisser vous repartir, y a pas de souci. Vas-y, accommode-toi. Bah oui, merci messieurs, désolé, vraiment désolé de m'être emporté. Voilà, je vous souhaite bon courage, bon merci à vous aussi. Bonne soirée. Au revoir. Désolé, au revoir. Alors, pour vous, monsieur. Alors, attends, faut que je regarde. Mon collègue va me dire la somme exacte que vous allez devoir payer. Ouais. Pour ce qui est du permis. Donc là, vous avez une suspension du permis. Vous voyez que ça marche des fois quand on est patient. Ah oui, un excès de vitesse pareil. Ça marche par la force. Bien que c'est une suspension du permis. Ok. Du coup, vous pouvez reprendre vos points. Écoutez-moi bien. Dans 3 jours. Dans 3 jours, vous pouvez revenir ici, faire un stage pour récupérer vos points. D'accord ? Ok. Voilà. Donc, je vais prendre votre permis de conduire, s'il vous plaît. Ouais, très bien. Merci. Hop, je vous le rends. Parfait, donc du coup je vous ai retiré vos 12 points en attendant les 3 jours. Ok. Il n'y a pas d'amende ? On va attendre les amendes. C'est quel agent qui doit faire le... Michel. Ah d'accord. C'est la street, tape ton pas de danse, avec un joint d'herbe, j'arrive, je suis die, je suis pompette, laissez passer. Vous êtes encore là? Vous avez survécu, vous aussi? Les viewers là? Eh, ça va arriver, vous inquiétez pas, ça va être rapide. Okay. On a des nouvelles, s'il vous plaît, pour les amendes? Allez, c'est bientôt. En tout cas, vous êtes plus calme que votre collègue, monsieur. Comment ? Ça change. Oui, vous êtes plus calme. Écoutez, ça arrive. À la fin, il était quand même plus calme. Oui, il a fallu un peu hausser le ton hein, pour le faire, ma foi. Après, il avait pas tort, le frère. En fait, il avait pas tort, mais à partir du moment où on manque pas de respect et on est là pour l'écouter et qu'il commence lui-même à manquer de respect avant même qu'on arrive ici, on peut pas avoir la patience. Je fais la même chose à votre place ou à sa place. Dans tous les cas, en fait, c'est à partir du moment où nous, on hausse pas le ton, si vous haussez le ton, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas de dialogue, en fait. Il n'y a pas... Ouais, ouais, ouais.
Il n'y a pas du tout de dialogue et malheureusement les choses avancent pas et justement on perd du temps. Peut-être que ça fait une demi-heure qu'on aurait pu régler l'affaire, mais à cause de tout ça, on perd du temps. Tout le monde, vous comme nous. Bébé, tu sais, je comprends quand t'es sur les nerfs. S'il te plaît, assieds-toi, laisse-moi te servir un verre. Moi, mes oreilles sont explosées. Et pour les amendes ? Ah bah, il arrive, hein. Je vais les faire. Je t'ai toujours défendu devant mes frères. Je tirerai n'importe qui avec un fer. On en est où pour les amendes, là ? Perle. Hein ? Bah, je suis plus sur la radio. On en est où pour le montant des amendes, là ? Non, merci. Je viens de dire à la radio 1960. Vous avez un méthode à faire. C'est-à-dire ? Vous avez un méthode à faire. Ah ! Oui, bah oui. Bah, c'est le coiffeur. Du coup, je vous fais la facture des amendes, 1960 euros. Bonsoir, la strip. Comment ? Ça va, vous ? Je vous ai dit ok, c'est bon pour moi. Très bien. C'est très cool, lui. Ah, bon, je vous ai... Il n'y a pas de motif. Bon, le motif, c'est gendarmerie, évidemment. On t'entend à 15 km. Ah merde. C'est bon. Et pourtant j'étais en 8 mètres. What the fuck? Bon bah c'est bon pour nous. Du coup vous pouvez repartir. Sachez que vous avez 48 heures pour régler. Sinon l'amende sera majorée du coup. Ok, ok. Parce que j'avais besoin pour mes sandwichs et tout. Voilà. Vous voyez, moi je travaille bon, dur bah, voilà. Et tout. Moi je travaille dur en bûcheron et tout, madame. Mademoiselle. Elle est partie. Là, pardon, ah, vous me parliez ? Oui. Ah, pardon. C'est par là. Est-ce que je pourrais récupérer mon couteau, s'il vous plaît ? Alors, non, du coup, il sera confisqué. Madame, je travaille déjà en tant que bûcheron. Oui. Je suis tous les jours à côté de chez vous. Vous avez 10 secondes ? Oui, bien sûr. On lui rend pas son couteau. Hein. Ça coûte archi cher. On lui rend pas son couteau. Je travaille dur tous les jours. Non, mais du coup, c'est. Pour tout ce qui est couteau. Encore une fois, donc ah ouais, vous Boruto, travaillez, lourd. Vous prenez votre couteau, vous travaillez 2060 avec. Quand vous partez, vous rangez votre couteau dans je votre plus que j'ai, moi. Casier. Vous n'avez pas à vous promener avec un couteau comme ça sur vous. C'est abusé, ça va me coûter 50 euros encore. Bah ça vous coûtera 50 euros de rappel de laisser dans votre casier la prochaine fois. Putain, vous êtes pas cool en vrai, moi les gendarmes à la base je les aime bien. Hein. C'est mieux que la police oui, en vrai, oui. Vous êtes plus cool. Hein. C'est pas ce que vous auriez dit à 30 minutes, hein, clairement. Exactement. Non, mais 30 minutes, madame, je me suis senti agressé à partir du moment où on a voulu m'inculper. Vraiment, 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 je vous jure, j'ai un profond respect pour votre métier et tout, vraiment. Je vous jure, hein, vraiment, je dis pas ça pour... De toute façon, j'ai aucun intérêt à vous mentir, en bref. Bah oui, merci beaucoup, monsieur, en tout cas. Je vous souhaite le meilleur, hein, vraiment. Merci beaucoup. Bah, vous merci aussi. Beaucoup. Bon courage, surtout. Merci. Et encore désolé pour tout à l'heure, vraiment. C'est fou, regardez la différence. En vrai, on est fort. Je vais pas dire qu'on est fort, mais on l'est fort. Ah ouais, là, faut garder ses sang-froid. Et je vais pas dire, mais on est fort quand même. Hein. Ah ouais. On est fort. Le mec pète un câble. Le mec pète un câble il y a 10 minutes. Et 30 minutes après, il est tout doux comme un agneau. Est-ce que c'est pas de la persuasion Ça, c'est fou. C'est bien la première fois que je hausse le ton à ce point-là. Oui, ah oui, moi aussi, j'ai haussé le ton. J'ai failli sortir de mes gonds, là. Ah ouais, comment il a crié le colonel. Vous avez vu après? On est quand même. Après, il avait fait le tour d'un coup. Il y a un chef du cachet-vous qui m'a fait un peu topo, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait, on avait un avocat en devenir. Ah, mais il était relou, hein. Ouais, non, mais là, clairement, c'est. Bah oui, il devrait postuler, hein, clairement. Et en plus, voilà. Il demande quoi quand on rentre là au parking, si la gendarme recrute. Oui, non, mais. Dites-vous qu'on va à l'hôpital. On sort, on dit bon bah qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit je sais plus. J'ai dit d'accord, je vais voir les médecins, je leur dis bon il y a eu un diagnostic, qu'est-ce qu'il a ? Il a perdu la mémoire, il est amnésique ? Ah non pas du tout, juste un mal de tête, un comprimé, voilà, pas de perte de mémoire. Donc je vais le revoir, je fais bon bah voilà, diagnostic médical est tombé, pas de perte de mémoire, pas d'amnésie, je sais que vous vous rappelez très bien. Ah non je m'en rappelle pas. Bon ouais, bah ça okay. Vraiment pour très un bien. Coup. Merci bon. Alpha, merci. Bon, s'il y en a d'autres comme ça, si vous avez besoin d'un OPJ sur place, il y a moi et Lane, on est bien calés. Donc, très bien, bon, il n'y a pas de problème. Hein. On est là pour vous aider s'il y a jamais il y a besoin. Non, mais c'est quoi ces musiques là, wesh ? Ouais, les bon. Énergumènes. Ouais, ma foi, on en aura tous les jours. Hein, falloir, Ça travaille la patience. C'est ça. C'est un peu notre quotidien avec de Castevo en ce moment. Ouais, je comprends. Ouais. Vous êtes là demain, vous, Papa Naïm ? Affirmatif, normalement, je devrais être là. Parfait, demain. Parce que là, j'espère que vous serez là, hein, parce qu'il y a du lourd. Il y a du lourd. Y a du j'ai lourd. Cru voir sur l'intranet. Ouais, ouais. Bon. Mais voilà. Oui. On va aller te coucher, hein. Ouais, fin de service pour vous. Ouais, je pense.
On a bien travaillé quand même, hein. Ah non, mais ça, j'ai. J'en doute pas. Okay. Même moi, j'ai bien travaillé. Ah, du coup, monter en grade, c'est quand même. C'est demain. C'est après okay, l'entraînement directement. Là, on va aller sur Pimel partir. Ok, d'accord. Ah, ok, d'accord. Vous voulez aussi des retours de. Ah, c'est bon. J'ai pas entendu, merde. Mais quoi? Vous avez dit quoi? J'ai pas entendu la blague. Ah ouais, on s'est foutu de ma gueule, je crois. Ah, okay. On s'est foutu de ma gueule. Vous voulez un retour pour les dispositions, enfin les comment, propositions de promotion? Oui, affirmatif. Je vous laisse m'envoyer tout ça et puis comme ça je consulte et puis demain on fera en fonction de vos propositions, ouais. Pas de soucis. Je vous fais du ça coup, ce monsieur revient dans 3 jours pour la reprise des points parce qu'il a tout perdu. Hein. Oui, d'ailleurs, il faut qu'on voit pour faire qui serait volontaire pour faire des stages de récupération de points justement. Quand on parle de ça, c'est ça bon, entre autres. Moi, je serais volontaire. Hein. Moi aussi, bah, oui, tiens, ça m'étonne pas vos gueules. Moi aussi, je veux pouvoir conduire. Non, mais on va prendre Mehdi et Charlie. Allez, parfait. Là, ça va pas être des récupérations de points qu'on va faire. C'est des frustrations de points. Là. Attendez, comment ça m'étonne pas? Il y a quoi, ça? Non, mais je plaisante, c'est une boutade. Non, mais on rigole. Bah oui, voilà. En tout cas, ouais, préparez-vous pour demain, parce que. Mehdi, j'espère que vous êtes là aussi. Hein? Demain pour l'entraînement. L'entraînement. Oui. Et d'ailleurs, je dois examiner les lieux avant parce que je suis une nouvelle inspecteur. Oui, bien sûr, bah voilà, ouais, c'est ça, ouais. Oui. Non, il n'y aura pas d'examination des lieux avant. Bah si. Non. Parce que je suis avec toi, Mehdi, si tu veux. Non, ah non, bah, mais alors Charlie, vous, comment vous voulez vous tricher en fait? Vous avez cru qu'on était son monouiche ou quoi? On va déjà faire les épreuves, ça sera le premier. Non, mais sachez que c'est pas examiner. Une compétition, hein, c'est non, juste mais... des entraînements voilà. En fait. Oui, mais des entraînements, mais faut. Après, je vous cache pas qu'il y aura quand même l'épreuve ultime qui sera très dure. Et ceux qui gagneront cette épreuve, enfin gagneront, qui arriveront à la finir, parce que c'est une épreuve qui va être très physique, très dure. Ouais. Il faudra de la patience, parce qu'à mon avis, vous devrez recommencer maintes et maintes fois. Ah bon, peut-être qu'à la clé, il y aura certaines. Récompense. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a des primes du coup sur les... Comment ça? Demain les primes. Demain les primes et les graduations. J'ai une question. Les salaires, c'est fixe ou ça marche aussi avec les horaires? Les salaires, c'est fixe? Non, c'est fixe. Ah oui, donc c'est-à-dire plus on fait d'heures, plus on se fait un peu. Non, il y a des primes évidemment exceptionnelles sur le nombre d'heures. Si on voit que vous êtes beaucoup plus présent, oui, bien sûr quand même. Ah bon, bah, ça va alors. Oui, vous inquiétez pas. C'est pour ça que c'est important de mettre vos prises de service et vos fins de service. Je les mets, non mais c'est pour ça que je demande parce que. Mais oui, mais vous inquiétez pas, on n'est pas des tyrans, hein. Un tibia. Voilà. C'est la famille ici. C'est la mission. Bon, par contre, on peut faire une réunion comme le SAMU et la PN. Et en plus de ça, je vous ai mis des parcs-mètres. Ouais, j'ai vu. Eh oui, il y en a même en face. Vous avez vu en face là-bas? Non, ah, j'ai un garage. Il y a un bâtiment juste en face où il y a un parking à l'arrière. Il y a des parcs métro aussi. Ça vous dit qu'on fasse une réunion comme le SAMU? Allez, une petite réunion de 2 heures là. Ouais, comme ça on n'est pas, on est pas disponible pour. Salut Peraza, il y a combien de joueurs? Ben, on est un peu plus de 100 tous les soirs. Ça dépend, le week-end on est 130. On a un peu plus quoi. Et ouais, ben voilà, le serveur ça fait un peu plus de 15 jours qu'il a ouvert. Donc du coup. Réunion quoi. Parce qu'il y a des du mecs coup, qui sont bah, de voilà, quoi. C'est pas du problème. En fait, ils arrivent pas à fermer les portes à l'arrière, du coup. Qu'est-ce qu'on en a à foutre, ça Mais t'as appuyé comme un con deux fois. Sinon, vous êtes en hauteur, vous voulez faire un Discord à The Lone Chef? On vous écoute. De quoi? On vous écoute. Vous êtes faire un Discord? Non, pas du tout. Vous êtes en hauteur? C'est juste pour vous surveiller, en fait. Bon, moi, j'ai. Vous êtes sûr que vous fassiez pas de conneries? La nuit, et puis je vous dis. Oui, pareil. Bonne nuit. À demain, reposez-vous bien. À demain, et... je vais regarder l'école radio. Bah, soit vous venez dans votre tenue, soit vous venez en tenue de sport. Il n'y a pas de. Enfin, ouais, ou prévoyez vos tenues et une tenue de sport, femme. Ouais. À demain, ouais, c'est l'heure encore. C'est rendez-vous ici normalement à partir de 21h15-30. D'accord, voilà. C'est ça, parfait. Ouais, pareil. C'est rendez-vous ici à quelle heure? 15. Non, mais je viens de le dire. Non, mais j'étais en train d'écouter un truc dans ma tête. 21h15-30. Ok, pas de soucis. 21h15 départ. 21h15, oui, mais il y a madame dans ma tête. Va falloir consulter. Non, je consulte pas. À tes souhaits. C'était pour qui cet interview? Bon, allez, bonne nuit, messieurs. Bon courage. Bonne soirée, bonne nuit. Petit brigade. Allez, on se repose pour demain. Ah là. Bon allez les gars, on va s'arrêter là, hein. Avec ma belle moto là. Je l'aime trop, putain, après je vais en acheter une plus chère.
Bon, en tout cas, c'était cool. Merci à vous. Ça fait plaisir. C'était un petit live chill. Demain, bah, du coup, on se retrouve pour le live avec les parcours. Les parcours que je vous ai spoil un peu tout à l'heure. Là, je vais continuer à mapper demain. Du coup, je vais encore faire 2-3 épreuves et puis on sera bon. Hein. Voilà, voilou. Bah, merci en tout cas, les gars. Merci pour les follow. Merci pour les subs. Ça fait plaisir. Et je vous dis bonne nuit. Et je vous dis à demain. Allez, bonne nuit, tout le monde. Eh. Depuis. Je fais les ronds. Plus je me rapproche du sommeil, plus j'entends le sol qui gronde. Je voulais juste cry. Que l'œuf ne cherche pas d'aller. Hésite, la vie est bonne, bonne à niquer. Ils vendent leur cul, leur mère. On n'imagine pas cette vie sans porter la guerre. J'aimerais un gosse mais à la quête de ce putain le faire. J'pense à demain du soir au matin. J'ai cru apercevoir.